Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour une nouvelle session sur Tezo, The Elder Scrolls Online, et quelqu'un se réabonne en même temps, et bim les 10 mois, oh là c'est le début de la VOD. Je ne suis pas tout seul, merci beaucoup Antilor, je suis avec Bob Lennon. Bonsoir, et moi je fais mes OPSP en même temps, acheter but. C'est rien à voir, t'sais. C'est pour ça, et nous sommes en compagnie aussi de Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Oh, et surtout, nous sommes chez Désastre. Bonsoir Désastre. Exactement. Comment va chaton? Salut. Ça va super, merci. Il est là, il est beau. Nous sommes dans sa maison, dans la maison d'un homme qui a joué 2000 heures, 3000. Non, la dernière fois, c'était 5000. Ouais. Oh, d'accord, très bien, bon, c'est bon là. 2000, 3000 heures, ça me paraissait un peu léger quand même. Voilà, c'est. Oui, non, mais un peu léger, oui, je te dis. C'est comme. C'est comme, vous avez combien de baignoires chez vous? 0, 1, 2. Vous avez 2 baignoires, très bien. Donc le mec a 3 baignoires chez lui et nous sommes chez Désastre. On l'avait visité l'endroit il y avait assez longtemps. Est-ce que tu avais modifié des choses depuis? Bah ouais, du coup j'ai remodifié le trésor et l'accès au trésor. Est-ce que c'est toujours horrible dans les huttes? C'est toujours horrible. Alors horrible de quel point de vue? Horrible genre mal décoré ou horrible genre il y a des gens qui souffrent parce que c'est... Y a des pourquoi gens qui ta bibliothèque est sur la plage? Ouah, t'as le champ de Pélinal en complet. Putain. Non mais est-ce que c'est vraiment ça qui te choque ou le fait que ce soit juste à côté de la mer montante? On va les trouver les livres. Je les ai. Bah justement, ils vont être mouillés et ils vont être tout abîmés après. Après c'est le champ de Pélinal, c'est pas non plus le meilleur livre. Hein. Oui voilà, c'est pas la femme de chambre argonienne quoi. Mais... J'avoue. Je crois que Pélinal Blanc Serpent, on a rarement vu un mec aussi vénère. Hein. C'est une aventure qui est assez intéressante. Hein. J'espère que vous l'aurez lu, parce que là, je l'ai montré très rapidement dans le screen. Donc, montre-nous ta maison, ta hutte, tes gens torturés, tes squelettes, tout le merdier d'Argonien. Ah, on fait la totale, on fait la... Oh non, rapidement, moi, je regardais juste ça. Regarde, par exemple, tu vois, rien que ce... Il y a un fromage. Ce truc de chez Ogoras. Mystique. Ah yes. Et derrière c'est attends c'est Malakas. Non c'est, ouais. C'est Malakas ça derrière avec sa hache. Ouais, oui c'est Malakas. Putain. Et pourquoi du coup il est derrière Shogorath? Oh c'était parce que je voulais c'est moi qui l'ai rajouté, normalement il y a pas de mur, du coup je voulais faire un petit truc fermé. Alors je sais pas. D'accord. Vous mais pour moi il devrait y avoir pour les Khajiit une manière de s'asseoir comme ça. Ah oui. Oui comme un chat ouais. C'est en squat, j'avoue. Ouais. Ah, t'as une idée d'emote à faire Bah, pas une emote, que ce soit vraiment un site particulier. Cette suppression de on fun. On a réglé le problème. C'est bien, maintenant tu bouges plus. Ok. Suppression que de fun. Qu'est-ce là, Titi Sandromo? Ouais, c'était quand j'ai décoré, il me fallait des trucs proches. Alors par contre, là, t'as mis une grosse gargouille, ça rend bien. Et avec les trois lumières, là. Ouais, ouais, ouais. Il y la en lumière une verte, la lumière violette et la lumière dorée. T'en as mis combien? Parce que là, ça fait 3, c'est qu'il y en a une autre. Ah oh ouais, tout autour, il y en a 4. Ah oui, 4. Classe. Avec la fresque du cœur de l'Orcane, qu'on peut très clairement voir, si tu veux, et les deux statues de Vivec. Le mec il s'en bat les couilles quand même. C'est la violence. Et vous ce savez... lit? Où ça quel lit? Ah oui j'avoue. Bah. Et c'est un lit comment ça s'appelle Morrowindien ça non? Bah c'est le lit de Vivec normalement, c'est dans la. Oh là là. A piqué le lit de Vivec. Oh là là. Voilà. Le mec il a couché avec Vivec et tout. Désastre qui a vécu tellement d'aventures. Mais honnêtement, les mecs ils sont la Maïk le menteur. Tu sais le chat qu'il y a dans tous les Elder Scrolls qui te parle et qui est un peu de la cinquième dimension, qui connaît tous les secrets des développeurs. Mais c'est rien comparé à Désastre. Désastre il est dans la 8ème, 9ème dimension si tu veux. Désastre il voit les calpas. Désastre c'est Dagoture mais accompli. C'est la violence. Non mais tu sais, il attend Vivec avec sa chanson du coureur des Falliers, l'aise à lui chanter doucement à l'oreille. C'est ça. Et puis tu sais, Désastre subitement il prend un oud, il prend une guitare comme ça et tout le monde est là. Je savais pas que tu savais jouer de la guitare. J'ai appris. C'est une banquette où tu t'assois de façon particulière? Ah oui, enfin, c'est le trône quoi. Ah bah oui, okay. Tu prends la pose de Vivec, la main sur le cœur et la main de la puissance sur l'Orcane en fait. Enfin, la main sur le cœur et la main sur le cœur, c'est les deux en fait. C'est une vraie position. Coup, je me souviens pas si vous vous rappelez du passage secret pour accéder au trésor. Bien sûr que si. Il est là, sous le tapis. Il y a un trou quelque part. Ah ah. Alors attendez, je vous l'avant parce qu'il y a une nouveauté. Aïe. Y aller, Crane. Non. Vas-y. T'es agressé par... Je sais pas quoi.
Des pics. Qu'est-ce qu'il active ? Il y a des pics en dessous, voilà. C'est le mec se fait prendre des dégâts, ces pics là. Et il a mis des toiles d'araignée en fait, et des cadavres, trop bien. J'ai mis une plante qui fait des dégâts à l'intérieur en fait. J'y suis. Oh là 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 là. Oh, ça nous met la max hein. Pardonnez mon étonnement, ce cri là. Aïe 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 aïe. Putain, on arrive et il y a le trésor et il y a des hommes nus si tu veux. Pas n'importe quoi. Je crois que Desa s'attendait pas à ce que je hurle pour ça. Ah mais si, pour je le coup. Que j'ai plus crié pour les gens nus que. Ah non mais j'avoue hein. Mais ils ont pas l'air d'être à désastre. Eh ben tu rigoles, mais c'est ici que je garde mes amants. T'as des amants? Oui, j'aime bien. Et du coup, ah. il vous paye ou... Ah non, non, il nous demande de lui gratouiller la tête de temps en temps. Oui, ou de lui servir un plat de viande. Il dit que pour lui, ça lui fait très plaisir, donc... C'est comme ça que marchent les relations, non? J'ai oublié. Mais j'aurais bien aimé quoi, y voir avant. Cette armure de prêtre dragon croisé avec le méchant du Seigneur des Anneaux? Le méchant des Anneaux. Oui, ils sauront, c'est ça. J'avais pas le nom. Merde, c'est qui avait une armure comme ça? Ça ressemble à... Ça ressemble à une armure morrowindienne. Non, mais c'est clairement un prêtre dragon avec la couronne de Sauron. Ah oui, un prêtre dragon, c'est ça. Mais ah, normalement, oui, les prêtres dragons, ils ont une capuche, pas une couronne à pique. Oh là 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 là. Cette statue de Weimer. Oh là là. Quelle statue de Weimer? Où est-ce Oh, cet homme Drakkhanvar Harkin. Oh, cette coiffure. Oh, le mec, il pose en plus. Il pose et je veux dire, son regard ne change pas. Il a la fleur et tout. Le gars, il est là pour que tu le dessines. Voilà, c'est... Et moi, je dis avec... Attends, avec un corps comme ça, c'est pas quelqu'un que tu dessines. Tu le sculptes. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Oh là là, l'orchestre pour la gigue. Orchestre vampire en plus. Hein. Deux fois plus de dents devant, hein. Ça déconne zéro. Hein. Oh là 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 là. C'est païen. Hein. C'est païen à donf. Hein. La violence. Et du coup, t'as... Ouais, et du coup j'ai incorporé le tout ça, le gros truc, c'est le trésor qu'on a gagné. On a eu en bonus, ouais, je l'ai mis moi aussi à ma baraque. Mais du coup, voilà. Et les petits trésors, c'est des trucs que tu obtiens. Moi j'en avais obtenu un comme ça, mais. Mais il y a des trucs, il y a la boutique à couronne, et puis j'ai mélangé par exemple la grosse épée rouge, là c'est un artefact qu'on chope en faisant des quêtes. Et j'ai essayé de l'incorporer. Faudrait une option pour voir combien. Quelle est la valeur en couronne du mobilier d'une maison. Si quelqu'un, alors avec ce qu'on regarde, si quelqu'un arrive à faire une estimation, bonne chance. Hein. Putain, l'estimation mobilière, hein, si jamais il y a un incendie qui dévaste ça, t'amènes ça à une entreprise d'assurance, elle se suicide. Bobo, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es retourné dans le piège. Mais oui. Moi je veux la sortie. Voilà. Moi je trouve que comme ça, positionné en plein milieu du trésor et entouré de toutes ces personnes nues. Ah, s'il faut monter là. Ça fait un très joli tableau. Faut escalader sur les cartes. J'avoue. Si je pouvais faire une photo. Sauf que j'ai. À droite, Craig. Non, mais j'ai. Yes. Normalement, j'avais mis les touches pour tout changer, mais. Enfin, pour enlever le. F2. Le layout, mais je les ai plus. C'est F2. Je sais plus lesquels c'est. Ah, c'était F2. Ah, pour lui. F2. Non. Ah non, non, j'ai changé, je sais plus lesquels c'est. Bon, je suis désolé. C'est pas grave. Au pire, tu pourras sans doute prendre une photo après. Et par ce qu'il a dit. Ça fait mal cette merde. Non, mais faut qu'on aille voir là-bas, là. Il y a un petit hôtel ou je sais pas quoi là, ça passe. Juste derrière. Je sais pas où vous êtes allé. Oui, mais on n'arrive pas à sortir. Par où ça sort par là? Il faut escalader sur les carcasses et passer à droite après. Derrière les pics où vous voyez du. Ok, je vois. De la verdure. Ah, c'est bon, je suis sorti. Et effectivement, tu sors derrière cette statue, mais c'est du génie quand même. C'est du génie de haut niveau. Waouh! Voilà, très bien. Ok, très bien. Bon, du coup, la suite de la quête. On n'est pas censé faire ça parce qu'effectivement, le trésor avec cette addition, mon cher désastre, augmente une qualité qui était déjà noblement présente, hein, rien que ce bois et tout le reste. Mais du coup, le temps qu'on se téléporte et qu'on voie où est-ce qu'il faut aller pour la suite de la quête, allons-y parce que sinon, on n'arrivera jamais à finir ce qu'on veut si on ne bourre pas. Revenons. On peut se téléporter ou on peut quitter. Oh, on meurt pas dans la lave. Où on était. Là, le mieux, c'est... On peut se baigner dans la lave, ça n'a aucun sens. Quitter, ça va revenir où on était. Si mais je retourne à l'entrée. Hein. Si je fais F5, je retourne à l'entrée, voilà. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, quitter la maison, normalement, ça devrait être bon. On peut aller dans la lave, attends, laisse-moi voir.
Ah, tu peux te doucher dedans. Ça me dit le bois de gratte, ça fait un peu peur. J'avoue. On va voir pas. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. C'est ça fait un peu scénario, il y a moyen de faire une photo sympa comme ça. Paris Games Week. Très bien. Okay, ah oui, coup... non, je suis pas du tout, je suis où? Ah non, mais je suis au bois de gratte, moi. Ça va marcher. Écoutez, je vais me téléporter en Elsewhere, du Nord, et vous aurez qu'à me rejoindre, vendu? Non, tu vas mettre une demi-heure pour y aller, moi je suis déjà en route. Ah bon, bah, on va se taper sur les listes alors. Très bien. Parce que no offense, mais on sait que t'es en chargement. Oui, oui, bien sûr, mais on fait ce qu'on peut, Bah, je veux qu'il soit mieux. Oui, oui, bah, bien sûr. Dis-nous quand t'as chargé, Liz. C'est bon. Ok. Ok, très bien. Allons-y, c'est impeccable. On n'est pas en squad, on est en multi, Turbo Lidou, point d'exclamation multi. Voilà. Et en plus d'être l'homme nu de ce trésor, je suis aussi le crafter de ton armure multitâche. Oui, Drakan, j'ai vu, et je m'en souviens, et je te remercie d'ailleurs, hein, cette armure qui m'a permis d'atteindre enfin le niveau d'un level 50 digne de ce nom. Correct. Bon, c'est pas encore ça, hein, parce que clairement, je vois que t'y as mis la moitié de tes efforts dans cette armure. Mais je suis content. C'est le connard absolu, quoi. Non, déconne. Mais du coup, voilà, quoi. Fabuleux. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que tu méritais d'être sculpté. Ce serait marrant, ça, hein, d'avoir une option pour créer un duplicata PNJ de ton apparence. De soi-même. Qui crée une statue avec un skin set bête, en fait. Ça serait juste un PNJ, mais de pouvoir en créer un, comme ça, ce serait fou. Hein. Ah ouais, ça serait sympa. Mm. Mais bien évidemment, comme le jeu est disponible sur console, voilà. Très bien, allons-y. Par où tu passes? Je suis Elise. Ah oui, il y a un petit chemin là, exact. De quoi? Non, je disais par où tu passes, c'était à Elise que je parlais. Hop, mais oui, il y a un petit chemin, mais... On n'a pas des astres avec nous. Perdu. Ouais, je vous ai perdu. Au hein. Sud des astres. Okay, je vous rattrape. Vas-y. Pourtant, mais pas téléphoner des traces par terre. Non, mais ouais, reste pas très j'avoue, on laisse des traces. C'est nouveau, ça? Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est moi. Crane aussi. C'est celle qu'on doit faire ou pas? Crane et moi. Non. Non, je pense pas. Eh ben, c'est quoi? On n'y est pas encore. C'est ouvert. Oh là là, Bobby l'a ouvert. Bon, trop rapide. On est foutu. Très bien. Je produis du rotmess, comme mes parents et leurs parents avant eux. Et au bois de gratte, c'est un beau métier. Après tout, tous les elfes des bois prennent aiment prendre une tasse de rotmess après une longue chasse. Mais Elsewhere est un tout autre marché. Les Khajiits ont approché la truffe de ma boisson avant de filer ventre à terre. J'ai essayé toutes sortes de réductions et d'explications sans attirer un seul client. Ils n'acceptent même pas d'échantillons gratuits, bon sang. C'est là que j'ai eu l'idée de ce rotmett sucré. Toute la richesse de la viande originelle, avec un arrière-goût sucré pour satisfaire mes clients Khajiits. Dans quelques jours, ça sera fermenté. Le temps que Tarazur et moi-même arrivions à suture, ce sera prêt à goûter. Un tonnet, c'est fait avec quoi le rotmess? Je sais pas. Parce que vous souvenez que la culture des elfes des bois, c'est l'anti-véganisme. Par absolu, si tu veux. Ouais. Mais genre, je dis pas ça méchamment ou quoi que ça, c'est juste le concept inverse. C'est-à-dire, tu manges rien qui est végétal. Ça doit être de la viande, peut-être. Hein. Du coup, il est où, Méléron? Ici ou au bois de gratte? Non, il est à Suture. Il est tout en bas, Suture. Oui, il disait que le temps qu'on arrive à Suture, ça aura fermenté. Le truc, c'est que tout est fait à la viande, mais il faut savoir que les elfes des bois sont cannibales, ainsi que omnibales, en fait, parce qu'ils mangent tout ce qui est de la viande, si tu veux. Et le truc, c'est que... c'est peut-être du chat. Non! Bah... Tu vois, ça expliquerait pourquoi les Khajiits sont pas hypés à l'idée de goûter la viande, si tu veux. Bon, c'est potentiellement celui-là. Hey, ouais, voyageur, vous avez un moment? C'est encore un elfe des bois, mais décidément bon. Tu veux faire le 3-2-1? Eh ben, je l'ai pas fait la dernière, je peux? Ouais. Ouais, 3-2-1, clic. Bienvenue dans la traque, l'ami. C'est charmant, non? Nous aurions besoin d'aide pour que ça la reste. Ses yeux sont beaucoup trop grands. Attends, vous avez vu la taille de ses iris? Le mec, il attend juste qu'on lui donne une chaussette pour être libéré de Lucius Malfoy, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dobby, quoi. Putain!
Oh la flip, Dobby, mais qui est cannibale. La violence. Oui, j'aime bien parce alors, que... qui commence. Pardon. C'est toi. Comme tu veux. Bah non, c'est toi qui fais le 3-2-1. D'accord, c'est toi qui commence. Voilà. Juste avant, j'aime bien parce que voilà, Bedejda voudrait qu'on oublie qu'il soit cannibale, si tu veux. Ils essaient de mettre ça sous le tapis. Mais je suis désolé, hein, c'est le lore. De quoi avez-vous besoin? Un maudit dragon est passé par ici il n'y a pas longtemps. Vous vous rendez compte? Il a incendié une bonne partie de la traque et mangé les animaux. Et maintenant, les braconniers se sont installés pour tuer nos dernières bêtes. On a vraiment besoin d'aide. Non, c'est fantastique, comprenez-moi bien, mais de quelle aide avez-vous besoin exactement? Attendez, ça veut dire que vous êtes d'accord? Par le prix de Zen, ça fait plaisir à entendre. Je travaille dans un élevage à l'est d'ici, derrière la ligne de crête. Parlez à la propriétaire Noumaya. Elle vous donnera tous les détails. Encore merci, mon ami. Attendez, on n'a jamais dit qu'on était d'accord, on a juste dit qu'on voulait tuer des trucs, c'est pas pareil. Bon, nous allons parler à Noumaya. Noumaya. C'est fou, hein. Je l'avais aussi. Juste parce que le mec, il a voulu qu'on l'écoute, on est automatiquement d'accord avec toute la zeitgeist de « il faut tuer des gens et les manger ». Le dragon nous passe au-dessus, d'ailleurs. Ouh, regardez dans le ciel. Enfin, un selfie. Selfie dragon. Ah, il est beau. Enfin bon. On se duelise. C'est vrai que j'ai eu la même musique que toi. C'est quoi le titre, déjà? Alors là. C'est pas celle-là. C'est, ouais, non. C'est... Si, c'est non, ça. Mais c'est le ça. Nom, c'est... Dragostea Dintei, c'est ça. Putain. Du roumain. Bien évidemment. Précis. Oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle, ce cache? Non. C'est pas un cagite. Merde, c'est juste un vrai lion. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Enfin, madame. Enfin... Et d'ailleurs, la dernière fois, je sais plus qui s'était étonné du nombre de lions, etc. Mais on m'a dit que c'était parce qu'ils gardent les réserves de sucre lune contre les inopportuns. Ah, ce qui fait beaucoup ah, de sens. Ah, c'est les chiennes de garde, quoi. Alors moi, je tiens juste à dire que malgré la cagite, qui est donc un chat anthropomorphe, et le lion, qui a l'air d'être un vrai lion à côté, et pas un cagite, si tu veux, ou un cagite maudit, ça dépend comment tu le vois, il y a un singe qui est sur le poteau et qui est flex. Ah oui. Je l'avais même il est dit. Détendu, il est tout en bas de la chaîne alimentaire si tu veux, mais lui là, ça vit, ça vit, ça vit. Qu'est-ce qui est... Pardon. Ah oui, il y a un cri de dragon. Allô. C'est le dragon, non, qui a... Non mais... qui a, voilà, il y a un petit dragon. Ah, mais parce qu'il y a un dragon juste à côté. C'est là. C'est ça, qui nous met la max, c'est pour ça. Oui. Excusez-nous, on arrive après, promis. Il est juste là, oui. Non mais bon, bah voilà, tabassons-le. Non, on peut pas, sinon... Non, faut pas, il est en combat. Non, surtout pas, sinon... Ouais. Mais il est beau. Il est tout pour revenir. Ah, il est tout bleu. Mais c'est vous pouvez pas lui jeter une flèche de là? De là, non, on est trop loin. Mais attends, mais ça vaut un dragon. Attendez, on le bute et on fait le petit tour. Allez. Non, je pense pas. Allez, non, j'y vais, j'ai déjà roulé. Hop. Moi, de là, je crois que je le touche, hein. Non, tu peux pas, là. T'es sûr? J'ai la zone rouge pourtant autour de lui, hein. Ah ouais, mais non. Merde, il est mort, attends, je te relève. Non, c'est bon, il revient. C'est bon. Et du coup, on va avoir une crâne Vremora. Parce qu'avec les sorcières, quand on tue des boss, on récupère des crânes et à l'intérieur, il y a des récompenses particulières. Tout va bien. Putain. Oh là là, c'est un dragon des glaces donc? Ouais. Parce que, enfin, ça me semble évident si tu veux, mais. Non, ça me paraît parfaitement être un dragon de glace pour moi. Hein. Ouais, mais écoute! Allez, descends! Je me bats qu'au corps à corps! Ah, parce que t'as pas de flèche, toi, ça? Bah oui! Ridicule! Je vais te sortir le bouclier. Et là, on voit du cri de partout. J'avoue, hein. Et puis des cris, j'ai jamais entendu, hein. C'est joli. Hein. Ah, j'avais pas vu, c'est une. Enfin, j'étais pile dans l'endroit où fallait pas. Mais c'est pas les nouveaux dragons, ils sont pas dit qu'il y avait éventuellement des nouveaux dragons avec le fidèle sœur qui arrivait? Non, c'est un des nouveaux dragons, il me semble. Et j'ai gagné du sang. J'ai jamais vu celui-là. Du sang d'insurgés. Voilà, ça valait la peine. Regarde, on a juste à reprendre la petite colline là, juste là. Si vous voulez, je me tiens là pour que vous retrouviez. Crâne à butin des morts insurgés. Ah, il y a de nouveau les tickets de l'événement? Ouais, parce que là, il y a l'événement des sorcières. Bah, c'est Halloween. Je suis à 12 sur 12, faut que j'aille acheter quelque chose. Voilà, regarde, t'as c'est vu, c'est que deux par jour, hein, les tickets. Hein. Oui.
Toujours. D'accord. Et là, comme tu peux le voir, regarde, on a juste fait la petite colline et on est remonté. T'as vu, ça allait vite. C'est allé vite, ça valait la peine. Putain, mais c'est pas possible, il y a des, dans les sacs, il y a des trucs qui sont dans d'autres, enfermés dans d'autres trucs, qui sont enfermés dans d'autres trucs et encore dans d'autres trucs, c'est pas vrai. Dans l'intimité des oiseaux terreurs. C'est un livre, hein. Oh non. Non, mais je regarde. Pas encore un truc qui te trigger comme ça. Non, je regarde. C'est un livre qui parle des autruches, mais tu sais, les espèces d'autruches agressives. Ok. Ah, c'est pour ça, ça explique qu'elles peuvent pas voler, qu'elles sont vénères, qu'elles mangent tout. C'est des autruches. Sauf qu'ils appellent ça un oiseau terreur, ce que je trouve beaucoup plus... Oh, il est beau, lui. Ce que je trouve beaucoup plus adepte et apte à nommer une autruche que le mot autruche. T'appelles ça un oiseau terreur, au moins on comprend exactement ce que ça fait et pourquoi ça existe. Vous êtes là, du coup? Il y a que des astres avec moi. Ouais, moi, j'ouvre mes loots. Et Dieu sait qu'il y en a 15 milliards les uns dans les autres. 15 c'est comme jours à la 10 viandes blanches. Eh ben, je me suis bien comment fait baiser. Comment ça s'appelait, ces trucs les rôtis parfaits là, où l'histoire c'était tu mets un poulet dans un autre poulet et en fait c'est dans l'ordre des oiseaux du plus petit au plus grand, il y a 17 oiseaux les uns dans les autres, les uns fourrés dans les autres. Ça me dit rien. Mais du coup t'es pas en train d'ouvrir la caisse qui a été donnée pour la récompense de l'event là? Si, il y avait une caisse dans une caisse. Ouais, c'est ça. On a un atelier de couture, un atelier de forge, un atelier de travail. J'avais pas compris que le comment ça s'appelle, que le truc qu'on a récupéré du dragon, ça s'ouvrait en fait. Non, je viens de comprendre. Hein, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à une boîte. Ben, je fais pas gaffe moi à mes trucs. Motif artisanal, les arcs d'Anekina, pas mal ça. Je sais pas ce que j'ai eu comme motif. J'ai eu un autre motif artisanal aussi. Citrouille confit, oui. Les gants de Remora. La première offrande de Naphali Largus. Miam. Cinq clés des indomptables. 1000 pierres de Telvar. La malle d'Elsewhere pointue en belly. Et le deuxième offrande de Naphali Gardus. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Au secours. Je comprends rien à ce que j'ouvre, hein, mais je l'ouvre. Je participe. T'inquiète, j'ai pas beaucoup plus compris. Je participe. Les dagues Dremora. Ouais, je sais les faire. Impeccable. Je sais faire des couteaux maintenant qu'ont été designés par Sasuke, si tu veux. Deuxième offrande de Nafagardus. Un jeton de changement de tenue. 5 clés d'indomptable. Commande de travail du bois scellé. Troisième offrande de Nafagardus. Putain, mais il y en a encore dedans? Atelier de forge harmonisable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, mais ça, c'est ça. C'est la récompense de l'event. Nani? En fait, il y en a 10 à l'intérieur. Nani? Ce que je disais. Ouah, des armures de l'alphique. Une armure intégrale de l'alphique qui est level 50 PC 20 et qui augmente la magie maximale à donf. Mais c'est ouf. J'ai gagné une armure magique de level violet, enfin Oui. Waouh. Avec tout le monde. Et ça, du coup, vous l'aviez eu la dernière fois en prenant le trésor et tout. Ah bon? Oubliez pas qu'on est 4 en stream, hein, si jamais. Mais excuse, oui, je mais t'ouvres pas les coffres toi du coup? Bah, c'est déjà ouvert depuis un moment. Ah bah voilà, si t'as fait le travail en avance, tu peux pas te plaindre quand tes petits camarades ils viennent, hein, ils rattrapent. Non, si, on peut se plaindre que l'élève qui soit arrivé en retard soit encore à la bourre. Et ben, t'apprends des meilleurs streamers de Fortnite et tu fais slash dance et tu laisses les gens patienter. Très bien. Bon. Pardon, c'était tout. toute ma haine et ma hargne dans ce. Tout ton dédain, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Sac lourd qui a acheté d'acide. Ça s'écrit TSK à l'écrit TSK. Voilà. TSK. Commande de forge, c'est les. Qu'est-ce que c'est les commandes de choses comme ça? C'est des quêtes de craft, non? Ouais, voilà. Faut que tu fasses l'objet et tu récupères des assignats qui est une monnaie qui te permet d'acheter des choses. Putain, je comprends rien. Ensemble de Dralog Bae, c'est un bon objet ça ou pas? Ouais, c'est pas ouf, je crois. 7ème offrance de Néphilus, on va prendre ça, les clés indomptables, rouge garant, multimillion, tu as une harmonisable lié, 8ème offrance d'Arfigus, blablabla, 9ème offrance d'Arfigus, j'ai presque fini. Là, commencer les coutures, bois d'élan, casse runique d'ensemble du croque-mort. Ça a l'air d'être un truc de soigneur. Enfance de Néphilus, black black. Pipe à sucre d'Elsewhere doré! Pardon. Ça y est, j'ai fini. C'est un objet d'housing bien bling ça. Ah putain, oui, ça me plaît. Très bien. J'ai fini avec toutes mes excuses, j'ai tout ouvert. Laissez-moi donc juste prendre le parchemin. Voilà, parchemin d'XP à couronne, parce qu'il n'y a pas de raison. Je sais pas si je peux vous le donner, normalement il y a un bonus d'XP. Si tu peux, tu peux, fais voir. Je sais pas si vous allez l'avoir. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, vous l'avez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi donc? Là, normalement, si vous faites C, vous voyez, il y a marqué bienfait de la mère sorcière. On va regarder ah, ça. Ah oui, c'est le fameux. Comment t'as fait ça? 100% à tous les gains d'expérience. Holy shit! C'est avec l'event là. Maman! Et il faut faire une quête et tout, mais bon, quoi, comme ça vous avez le. Eh ben c'est beau. Est-ce qu'on ouvrirait pas quelques caisses? Vas-y, c'est ton live. On peut. Mais pourquoi? Je suis désolé, Craig. Vous souriez, mon ami. Pourquoi du coup on est tout moche? Ah, tu t'as bu le chaudron. J'aurais pas dû? Bah, tu, ça t'a juste transformé en squelette. Wow. C'est rigolo. Fantastique. Mais attends, moi j'ai pas eu le bonus d'XP, je sais pas quoi. C'est sûr, si, quand si, tu. Regarde dans C tout en bas, dans l'effet actif, normalement il y est. Bienfait de la mère sorcière. Ah oui. Mais j'aimerais bien ne pas ressembler à ça pendant tout le truc en fait. Ça va disparaître à mon humble avis, hein. c'est pas... Essaye, fais C et tu dois l'avoir, tu fais clic droit. Fais Alt F4, ça marchera. Non, parce que ça dure un moment, je crois. Bah, ça dure 2 heures, ouais, C et clic droit dessus, ça l'annule. Du coup, caisse, pas caisse, PNJ, pas allez, PNJ. Caisse. Allez, on du caisse. Une caisse, une seule, hein. C'est juste pour se mettre en bouche. Allez. Une seule caisse. Une seule, pour se mettre en bouche, pour se mettre en bouche. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Excellente sélection. Ouh là là, j'ai que de la merde. Ça pourrait servir. Oh! Et j'aime brillant. Qu'est-ce qu'elle a? Le tueur de dragon, Aurélien. Bon, c'est trop long. Qu'est-ce que t'as eu? C'est quoi? C'est quoi? C'est le petit loulou. Oh, attendez. Nice. C'est une monture ou un... Non, c'est un... Oh là là! Oh, le loup, il est possédé! Mais enfin... Attends, mais ça, tu l'as eu dans la caisse où il y a que 3 récompenses ou dans la caisse classique? La caisse truc à... Attends, je vais te dire le nom. D'abord, oui, je remets le bon familier. J'avoue. Il est où, mon chat noir? Voilà. Ouais, pas mal, hein. Mon vrai... celui-là, c'est mon nouveau familier. Il est trop adorable. J'avoue avec ça le petit chapeau. Alors, réponse à désastre, j'ai ouvert les caisses de la nouvelle lune. Ouais. Ah, ok, ok. Ah ouais, beaucoup. Eh ben très bien. Parlons à nous, Maya, ouais. Du coup, et allons-y, c'est quand vous voulez. Quand tu veux. Ok, toi, 3, 2, 1, clic. Halte là, braconnier. Encore un pas, et mon petit bijou vous taille en pièces. Allez, pain perdu, debout. Tu ne sers vraiment rien. Perdu. Moi j'aurais dit cause perdue. Ça, il a l'air détendu ce lion, hein. Je veux pas dire, mais. Il a pas régressif. C'est à qui après moi? Bah, c'est toi qui choisis, c'est toi qui fais le 3-2-1. Ah bon? Eh ben vas-y, Crane. Nous ne sommes pas des braconniers. Que se passe-t-il ici? Oh, pardon. Je me méfie de tout le monde ces temps-ci. Un dragon est passé récemment, vous comprenez? Il a avalé des troupeaux entiers d'antilopes et brûlé les grands camps de chasse. Et maintenant? Les braconniers du Carillon d'Os plantent leurs tentes dans toute la traque. Comment votre ranch comment votre ranch a-t-il été affecté? Tassos, nous occupons de nombreux animaux rares. Ça fait une cible de choix, oui. Hier encore, un groupe de braconniers a volé mon sifflet de dressage. Pour attirer les bêtes, vous voyez? Nous n'avons pas beaucoup d'or. Mais je veux bien vous payer pour récupérer ce sifflet. Et punir ces cuboueux. Honnêtement, on lui fait ça gratos, non? D'accord. On va éliminer ces contrebandiers et récupérer le sifflet. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour vous voir flanquer une bonne raclée à ces salauds du Carillon d'Os? Malheureusement, je ne peux pas abandonner mes bêtes. La vie à la ferme les a rendues grasses et fainéantes. Surtout celui-là. Oui, pas perdu. C'est de toi que je parle. J'aime bien parce qu'il réagit exactement comme un chat réagirait, si tu veux. Il s'en fout quoi. Avec un air de compréhension mais de dédain. Tu sais, et il fait la technique de du bras plus une main. Genre t'es obligé de te déplacer pour aller lui faire un câlin. Il se c'est met ça. À un bras plus une main. Ceux qui ont un chat ils savent de quoi je parle mais. Divin. La technique. Est-ce que tu veux, Crane? Question technique. Est-ce que vous avez pas de soucis avec le multi-twitch les gens sur le F? Parce que moi j'essaye de l'ouvrir, j'y arrive pas. Ah. Ça tourne dans le vide. Est-ce que vous avez tapé point d'exclamation multi? Et vous allez bénéficier des liens du multi-twitch qui nous amène à la fois sur mon live, celui de Crane, celui de Désastre et d'Elise. C'est juste chez moi, du coup. Ouais, mais je pose la question aussi partout, tant qu'à faire. Oui, tu fais moi, bien. Moi, ça fonctionne. Alors, quelqu'un dit tout en majuscule,
Non, je n'ai pas de problème. Il faut vérifier sa touche mage, hein. Fais attention. Il a été long à charger chez moi, ok. Ah oui, non, c'est méga long, ça a mis plusieurs minutes, moi, à se lancer. Il a été lourd à lancer, mais une fois les 4 vidéos mises à une résolution minable, ça passe. D'accord. Wow. Non, mais c'est... Ouais, ça dépend les connexions de chacun, ouais. Oh, non, mais écoute, okay. Il est long à charger, qu'est-ce oui. Que... C'est très long, d'accord. Les trucs qui vous intéressent... Le sifflet. Le sifflet, le sifflet que vous voulez récupérer est-il unique? Oh oui, le grand-père de l'oncle de ma mère l'a acheté à un ferblantier Bosmer, il y a plus d'un siècle. Il n'est pas très élégant, pas de filigrane en or ou quoi que ce soit. Mais il donne une note aussi lisse et parfaite qu'une perle topale. Un chef-d'œuvre, ma chère. Attendez, objection. Le grand-père de l'oncle de ma mère, c'est son grand-oncle. Oui. Mais techniquement... Ses grands-parents, enfin, c'est non, le grand-père si de son grand-oncle, non. Mais non, c'est l'oncle de sa mère. C'est le grand-père de son grand-oncle, oui. Voilà, mais ça veut dire que si c'est le grand-père de son grand-oncle, il était frère ou sœur avec son grand-père ou sa grand-mère, si tu veux, donc c'est le même grand-père. Donc pourquoi dire plutôt le grand-père de mon grand-père? Bah, c'est pour faire genre que c'est son arrière-arrière-grand-oncle par alliance de Nicouille, oui, alors que. Et voilà. au lieu de dire mon arrière-arrière-grand-père. De dire le grand-père de mon grand-père, je veux bien, mais pourquoi dire que c'est celui de ton oncle? Pourquoi il y a une bifurcation? Bah attends, non, si c'est son oncle, si c'est sa tante qui a marié quelqu'un. Ah, par alliance! Oh là là! Ouais, d'accord, t'es obligé de faire des mais gros c'est virages. Ton quand même, enfin, le mari de ta tante, c'est ton oncle. Oui, oui, logiquement, ouais. Sauf si on est dans la mythologie grecque. Dans ce cas-là, c'est aussi son frère. Ah, oui. Et son mari. Oui, mais quelqu'un se fera manger à la fin. Ce sera probablement pas le boss meurt. C'est pour ça. Vas-y, désastre. Pardon, Crane. Que pouvez-vous me dire d'autre sur votre ranch? C'est beau, oui. J'ai acheté cette parcelle à mon oncle Baraku, qui était tout le temps ivre. C'était un chasseur de talent quand il était à jeun. Hélas, il n'était jamais à jeun. Aïe, aïe, aïe. Vous auriez dû voir l'endroit à l'époque. Des bouteilles brisées partout. De vieilles tentes déchirées. Horrible. Je suis seul à penser que son oncle, c'était Baraku Obamia, ou un truc comme ça. Ça faisait rire tout seul. Pardon, c'est nul. C'est vraiment à chier. Et vous avez tout arrangé? Oui. J'ai posé chaque planche, planté chaque clou et chaque poteau. Il m'a fallu 6 ans, mais le résultat me plaît bien. À vrai dire, la construction, ça n'a pas été très dur. Mais sauver ces bêtes, Zizvo, qu'elle plaît. C'est quoi Zizvo? Ça doit être son putain de bordel de merde, c'est chaud. Ah oui, justement, ouais. Je serais curieux de savoir ce que c'est véritablement Zizvo. Avis, ça doit être un expletif du genre d'où Jésus, grand Dieu, peut-être. Mais... Oui, probablement, oui. Expletif. S'il y a qu'à la traduction sur le chat, je suis preneur. Ouais, on prendra. De quoi les avez-vous sauvés? De chasseurs, le plus souvent. Enfin. De chasseurs irréfléchis, plutôt. Je n'ai rien contre les cagites qui mangent de la viande. Ah. Mais ce qui me fait gronder, ce sont les jackagites qui touchent une bête avec une flèche, mais ne finissent pas le travail. Ou les trappeurs qui ne viennent jamais relever leur piège. Ah, merci. Tous ces animaux étaient blessés par des chasseurs? La plupart. Pimperdieu était à moitié mort de faim dans une fosse. Il écumait et grognait. Mais maintenant, il dort toute la journée. Quelle feignasse! Le singe Marmelade a failli perdre une main à cause d'un collet. Parfois, je me dis que ça aurait été mieux. Une vraie chapardeuse. Moi, j'aime bien parce que non. Pimperdu, du coup, il a... Oui, avant, il était en train de saigner de tout son être et il était blessé, machin. Et maintenant, il a joué pépouze. En même temps, quand tu fais le Vietnam, tu sais, tu finis comme Rambo. Tu finis quelque part à travailler à une pompe à essence et tu cherches pas la guerre, si tu veux. Tu vois, c'est pas... Ils sont pas faciles à vivre, on dirait. Hein. C'est sûr. Mais je les aime quand même, même au pire moment. Les animaux vous aiment sans réserve. Alors, on leur doit bien l'appareil, oui. Oui. Est-ce que le dragon à côté peut arrêter de hurler? Pardon. Vous voulez savoir sur l'attaque de dragon, Zef? Ouais, y être. Ouais, vas-y, comme tu veux. Vous avez parlé d'une attaque de dragon? Je n'ai pas très envie d'y repenser. Je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant. Des crocs énormes, des griffes longues, comme une faux, et des ailes si larges qu'elles cachaient le soleil.
Les cendres chez les chacals, on peut s'en occuper. Mais une bête pareille, aucune chance. Ah, c'est sûr que comparé aux dragons de bord de ciel, ils ont pris du way, hein, ces dragons-là. Hein. Ils sont allés à la salle. Ouais, ils sont parce plus que gros. Hein. C'est, pas, c'est moment, pas la même taille. Il y en a toutes les 10 minutes. T'es blasé au bout d'un moment. Oui, 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 mais disons que c'est pas la même taille. Hein. À mon avis, un dragon d'elsewhere face à un dragon de bord de ciel, moi, je sais où placer mon argent. Voilà. Vous dites qu'il a mangé presque tous les animaux de la traque ? Oui, avec les cornes, les sabots, les défenses et tout. Et ce qu'il n'a pas mangé, il l'a brûlé. Mon ranch a été épargné grâce à Alkosh. Je pense que rien sur Nirm n'aurait pu l'arrêter. On en a tué un. Vous avez tué un dragon ? Oh, ma chère, c'est... Attendez, vous êtes sérieux ? John et Jod, on dirait que j'ai engagé le bon inconnu, oui ? Ces braconniers n'ont aucune chance. Moi, ça me fait rire parce qu'elle a... Vous avez tué un dragon ? Madame, vous avez vu nos têtes, madame. Il serait plus facile de croire qu'on a tué tout ce qui existe plutôt qu'on ait épargné quelque chose. D'ailleurs, moi, j'ai fait qu'épargner des innocents depuis Regardez-la, regardez. C'est elle, c'est une cagite, elle a l'air gentille, ça a l'air d'être la plus approchable de notre groupe. En vrai, elle tremble, elle n'a rien tué depuis ce matin. Aujourd'hui, j'ai une médaille parce que j'ai tué personne. Bravo. J'ai ma médaille de un jour, tu sais. La médaille était faite dans le foie d'un petit enfant qu'on a tué hier. Mais bon, voilà, les c'est pas. Meurtriers, oui, c'est ça, c'est les meurtriers anonymes. Les murder clochards. Ça fait 10 jours que j'ai tué personne. Ouais, bravo, ouais. Bravo, bravo, bravo. Avec le truc. Bonjour. Je m'appelle Bob. Bonjour Bob. Bonjour Bob. Oh, j'ai fait une rechute, il faut que j'appelle mon sponsor. C'est ça, c'est ça. Il y a du sang partout. C'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'est que tu reprennes la bonne route. Mais tu sais, ça devient triste. Et hier soir, un moustique était dans ma chambre. Oh, je l'ai pas tué, mais il m'a piqué toute la nuit. C'est pas grave. Merci Bob d'avoir partagé cette expérience. Crane, vous vouliez ajouter quelque chose ? Putain, je leur en veux pas, hein, parce que tous les gens qui font partie de genre, ce genre de truc, ils en ont besoin et ça aide, si tu veux. Mais là, pour des raisons à la con, si tu veux. Ça fait une semaine que j'ai pas mangé de fromage, t'imagines les groupes de trucs qui veulent rien dire. Alors attends, où est-ce qu'on va du coup ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des preuves ? Il s'appelle Bizaku, quand même. Hein. Ah. Oui, il avait la queue un peu rigide, donc c'est ça qui m'a perturbé. D'accord. Sans mauvais... Détruire le camp de braconniers. Moi, je me dirige en ligne droite, hein. Ouais, c'est vers l'ouest. Tireur d'élite du carillon d'os. Excusez-moi. Afin de vous apprendre à respecter la vie sous toutes ses formes, nous allons devoir... Non, ça, je suis là. Vous empêcher de respirer de manière prolongée. Merci. Oui, il y en a un peu partout. Ouais. Oui. Bon, on fait le ménage, enfin, moi je suis en train d'emménager un là, je... Putain, j'oublie que t'étais une assassine qui pouvait cracher de l'acide. Non, c'est toujours perturbant quand tu fais ça. Voilà, exactement. Pour l'amour de Dieu, cesse. Impeccable. Feu de cuisine. Mais j'ai pas de skill là-dessus. Feu de cuisine. Qui veut du poulet au cheddar croustillant ? Pas moi. Bah, tu sais pas ce que tu rates, hein. Oh là là. Bah. Ah si, c'est bon, ça fonctionne. T'as qu'à faire la cuisine d'un de ces quatre et puis on verra bien. C'est du poulet, mais derrière la peau du poulet qui est vachement bonne, si tu veux, qui a saisonné à point, c'est du cheddar. Et quand tu crois que tu manges un poulet mais qui en fait est composé de fromage, dedans il y a quand même la viande de poulet. C'est pas le poulet qui est fourré au fromage, c'est le poulet qui est fourré au fromage qui est fourré au poulet. Ça, c'est du génie. Du coup, c'est pas un camp de braconniers qu'on a fait, c'était juste le cycle. Non, mais il y en a 4. Donc, ouais, c'est faut péter leur caisse. Non, nous on a fait le sifflet et là il faut faire les crânes de braconniers. Moi, c'est la boue. J'aurais quand même dû rester ensemble du coup, parce que ça valide pas. Ah, quoique, est-ce que vous devez encore trouver le sifflet ou non ? C'est bon. Non, détruisez les camps de braconniers 0 sur 3. Et là, ils vibrent de braconniers, je casse ça, je suis en train de casser des choses. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Brûle tout. Attention. Ouais, dans le doute, on brûle tout. Ouais. Il est où ? Là. On se fait agresser par un truc qui nous empêche de. Voilà.
Ouais, elle est bonne. Très bien. Ça t'a mis 1 sur 3 la désastre ou pas? Non. Attends, là je brûle. Ah oui. 1 sur 3. Ok, 2 sur 3. Donc si c'est bon, ça valide pour tout le monde. Nickel. Ouais. Ouais, du coup, on n'a plus qu'à se retrouver au dernier. Nord-est, ouais. Pour nous en tout cas. Oh, il y a du ragoût! Merde, c'est pas Elise! Putain, des cagites habillées en noir si tu veux. Je me suis fait bêtement avoir. C'est bon. On est toujours à 2 sur 3. Hein, donc, Ouais, c'est le dernier là, fini de cramer ça et c'est fini. Ouais, regarde. Là on va. Non, non, non comme Elise a dit, c'est bon, je me suis demandé. Voilà, regarde. Hein. Ah, voilà, voilà. Hop. Parfait. Donc, comme quoi ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Et un petit plan de tabouret rouge garde au passage. Oh joli. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans les sacs à dos, hein, toujours. Tu vois un sac à dos, tu l'ouvres. Bien joué. Oh, moi j'ai gagné une gaine. Une gaine en calcinium. Oh la grossophobie du truc. Ça ira de ça. Ah. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis là la grosse panthère et je sais pas quoi du cul. Merde. Bah si elle est là, regarde. Bah il est là, bise ta cul. Ah oui. Ah mais il manque le gros chat. Mais il y a le feu, le gros chat. Ah putain, effectivement, il y a le feu partout. Et il manque le gros chat. Mon dieu, ils ont emmené... Il a pas l'air d'aller très bien. Le PNG. Ils ont emmené porte-pain. Ouais, enfin, il est là, il est là. Pain perdu. Pain perdu. Pain perdu, voilà. Pain béni, moi. Porte-pain. Porte-pain. Ce qu'on voulait. On faisait quand j'étais plus jeune, ma maman du pain perdu. C'était bon. Ah ouais, c'est super bon. 3, 2, 1, clic. Les lunes soient louées. Vous revoilà. Les contrebandiers. Ils les ont emmenés. Vas-y, Elise. Doucement, qui a été emmené? Que s'est-il passé? Pendant que vous mettiez le feu au campement des braconniers, ils ont lancé un raid contre le ranch. Nous avons essayé de les repousser, mais ils étaient trop nombreux. Ils ont emmené mon petit pain perdu chéri, pense à sucre et miel à aussi. Que Strendar les maudisse. Vous en faites pas, madame, on va s'en charger. Ils ont fait un raid Shadow Legend. Quoi? Quoi? Pardon, j'en peux plus, c'est juste j'entends ça tout le temps, j'en ai marre. Pardon. Sinon, où ont-ils emmené les animaux? Quand le gibier manque, ils se rassemblent aux ruines à l'ouest avec leur chef Rati. Vous avez détruit leur campement secondaire, alors ils doivent être là-bas. La plupart des murs se sont effondrés il y a des siècles, mais ceux qui restent sont solides comme des montagnes. Des suggestions pour entrer? Laissez-moi réfléchir. Marmelade, mon singe apprivoisé par la confiture. Elle est très rapide et discrète. Si vous utilisez mon sifflet de dressage que vous venez de récupérer, elle pourra peut-être vous aider. Il y a un féminin à singe? On dit une singe? T'sais, c'est pas comme le lièvre et la hase? Ou tu sais, je sais pas, le taureau, la vache? Il n'y a pas une phase à la con comme ça? Parce que quand elle dit un singe... et qu'elle dit c'est elle parce que c'est marmelade, pas de soucis, mais une guenon, on dit. Une guenon. Voilà, guenon. Ah, je l'avais. Je l'avais pas. Du coup, c'est pas pour... J'en que Bob finisse de parler. Mais excusez-moi. D'ailleurs, j'avais appris quand j'étais plus petite que le bébé guenon, donc le bébé singe, mais femme, c'est une guenuche. C'est assez moche. Une guenuche. C'est adorable. C'est adorable, une guenuche. Le truc, il s'accroche à toi, il regarde le monde avec ses grands yeux, il comprend rien. C'est fantastique. C'est adorable. Voilà. D'accord, je m'occupe de Rati et je vous rapporte vos baits. Mon meilleur ouvrier, El Alem, va vous accompagner. Il a l'œil vif. Et ah, moi je voulais du cul. Mieux là. Que la plupart des gens du coin. J'espère que nous arriverons à temps. S'il arrivait malheur à mon pain perdu chéri, je ne me le pardonnerai jamais. Y en a un qui vous intéresse là ou on s'en bat les couilles? Moi je dirais au revoir et on va les sauver en triple vitesse. Ouais. Je suis d'accord. On va aller sauver la guenuche. Très bien. Parce que comment il fonctionne, il suffit de souffler dedans quoi. je sais que mais dans quel trou tu souffles. PNJ qui te répondent ça. Comment fonctionne votre sifflet? Bah, c'est un sifflet quoi. T'as jamais utilisé un sifflet. Ce qui serait marrant. C'est tellement bien. Ce serait un sifflet qui soit adapté à la gueule des cagites. Et tu sais que du coup, que ce soit une question légitime, dans le sens où vous devez écarter la bouche et laisser les dents devant pour faire marcher le sifflet. Que ça sent plus à un harmonica, tu vois ce que je veux dire?
Et tu sais, ça rendrait la question légitime, parce que clairement, ils ont pas la physionomie pour boire aux bouteilles ou souffler dans des pipeaux, si tu veux. Ça fait aucun sens. Il faudrait le laper, tu sais, pour que ça fasse du sang. Ce serait adorable. Un espèce de xylophone portatif buccal. Non, mais ça fait pas de sens, tu vois, mais merci, Bloop Craig. Ça fait pas de sens, mais ça ferait du sens. J'ai trouvé l'endroit où faut siffler. Ouais, vas-y, y en a plus. Bah, bien. Siffle. Et l'a fait. Non, je vais pas siffler, j'ai libéré. Ah, y'a le bébé singe! Oui, crochette! La guenuche! Bravo! Mais ne traînons pas! Oh, la guenuche du 9-3! La guenuche qui pique des Volvo dans la forêt, quoi! Putain, balèze! La porte est verrouillée? Oh. Marmelade peut peut-être se glisser par cette fente? Il est avec nous, Hélène? Lady Marmelade! Ah, il faut utiliser le sifflet. Ah non, mais honnêtement, cette guenon, elle en peut plus. Hein. Elle a un vieil ongle rassis décorné, elle est là, elle ouvre les trucs et tout. Putain, ah, merde. Elle a réussi, la porte est ouverte. Il est marqué utiliser le sifflet, mais on siffle, on n'utilise pas de sifflet. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a vraiment bougé la poignée. Enfin, Des rideaux cagites bleus. Magnifique. Oh, bien joué. Dans le sac à dos, là. Oh, je suis jaloux. Hey, mais je suis jaloux. Allez, Oust, pense à sucre. Encore une porte verrouillée. Marmelade pourra chipper la clé à ce garde ivre. Il est où le garde ivre? Marmelade, c'est Abou en fait. Ouais, c'est ça. C'est Abou, ouais. Est-ce qu'on peut lui casser la gueule? Ouais, trop stylé, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le garde ivre. Ah oui, mais t'as déjà avancé. Ouais, elle a avancé. La question, c'est est-ce qu'on peut pas lui casser la gueule au garde ivre? Non, il est en hauteur, justement. Il est en hauteur, elle lui chope la clé dans la poche et fait oui. Je vois pas, moi, le garde ivre. Faut les taper, eux. Ouais, il y a marqué tuer, faire récupérer la gueule. Ouais, récupérer pas perdu, fini la subtilité. On va braconner des braconniers. Non, c'est légal. Il est là, le garde ivre. Il est là, effectivement, là. D'accord. Ah putain, d'accord, il est plus que bourré alors. Ah ouais, non, mais il est. On appelle ça fin bourré. Ah, mais il est déglingué, hein. Ivre mort. Bah non, pas encore complètement mort, mais. Mais il y travaille. Il y travaille. Il y travaille. Très bien ça. Parfait. Là, la cage, pain perdu. Il y a pain perdu, il est là. Pain perdu, arrière, libérons-le. Victoire. Pourquoi ça brille en vert là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est moi, c'est un désastre. Ah merde. Ah, là, il y a un boss. Ah, c'est qui se sauce? Bah, ouais, il est mort. Il est déjà. Le temps de demander. Bon bah il s'est fait. Oh, il a donné un crâne à butin de Remora, mais décidément. Ouais. Journal d'achat des bêtes. Attends, journal d'achat des bêtes. Ah, il veut les revendre. Ah, les bottes de Remora. Retrouvons-nous au ranch, héros. Attendez, il y a un livre là, venez voir. Oui. Ça recense les ventes que les braconniers ont fait. Panthère sèche mâle, bête calme, bien nourri. Ah, vas-y, désastre, je t'en prie. C'est trop loin, là, attends, je peux pas lire. Eh ben, prends tes lunettes, rapproche-toi de ton écran, joue la 3D, c'est parti, on t'écoute. Attends, je vois ton écran, t'es pas loin, désastre. T'es parti en courant. Ben, reviens. Allez, nouvelle acquisition. Chacal, mâle, muscles fins, mais pelage bien soigné. Sans doute à garder pour le ragoût. Peau et crâne vendables pour une vingtaine de pièces d'or. Ah, ça se mange, le chacal? C'est de la viande, hein. Ouais, mais c'est comme manger un vautour, si tu veux. Tu veux pas toucher à ça, en fait. Bah, tu manges bien de l'autruche, du zèbre ou de l'antilope quand t'es en Afrique. Oui, mais c'est pas des ragondins qui se nourrissent de cadavres pourris au soleil depuis 3 mois. Oui, le digère, entre-temps, tu manges pas toutes les... Oh, je serais prudent, moi. Panthère singe, mâle. Bête calme, bien nourrie, une seule cicatrice sur la cheville arrière gauche... Sans doute un collet. Aucune perte de la valeur sur la peau. Sans doute vendable en entier à la haute elfe de Rimen. Ces dandies à longues pattes ne savent jamais quoi faire d'utile avec un animal pareil, pathétique. Sans doute 200 pièces d'or de bénéf, pas mal.
Lion singe femelle, solide, viande dure, mais bien grasse. Sans doute à raffiner par des charpentiers. Okay. Des charpentiers ? Qu'est-ce que... Écoute. Attends. Ils vont peut-être faire un toit avec, je sais non, pas. Non, peut-être la graisse qui serait utile, j'en sais rien. Là, pour le coup, j'avoue... Ouais, ça m'a troublé. On aurait besoin de nouveaux arcs, ce genre de choses. La peau elle-même se vendra bien. Une centaine de pièces d'or, peut-être. Ça ferait un bon tapis. On pourrait la garder. Lion singe mâle blanc. On va vivre au moins un an grâce à lui. J'ai un acheteur, j'imagine. Ouais. Acheteur orc prêt à le prendre pour le ramener à Orsinium. Peu de cicatrices, bête imposante. 2000 pièces d'or facile. Il faut bien le nourrir, mais ça peut hésiter à la... mais ne pas hésiter à l'enchaîner et le bâillonner. Ouais. Et ben 2000 balles, il valait petit pain. Pain perdu, voilà, à chaque fois je l'oublie. Il n'y avait rien dans ce sac à dos, déception. Ouais, dommage. Mais putain, 2000 balles, ah non, pain béni, enfin pain perdu. Pain béni, mais à oui, chaque non, mais il reste, hein, c'est resté. Hein. Pain bagna, pain chocolat. Mais 2000 balles, quoi. Une pain au lardon, quoi. Ah, surtout par rapport aux autres, ouais. Et surtout pour le ramener à Orsinium, c'est quand même une trotte. Enfin... Bah, c'est un joli lion albinos, quand même. En même temps, j'avoue que sur la neige, il serait pas perdu, si tu veux. Enfin, c'est pas... Il serait plus que pain, du coup. Ça serait légit, ouais. Pour chasser, c'est légit, hein. Quand t'es un lion blanc sur la neige, après, faut t'habituer à la neige, c'est sûr. Et pas dit qu'un animal qui survive dans un environnement aussi chaud et aussi tropical que celui d'Elsewhere puisse survivre dans un environnement aussi froid, malgré mais la après, fourrure. Ils veulent la fourrure, c'est ça, je pense. Ils veulent juste la peau. Ouais, malgré la fourrure et la graisse. Non, le gars d'Orsignon voulait la ramener, donc à quoi que, peut-être, t'as raison. Mais la question, c'est voilà, est-ce que c'est possible? Parce que je sais que, bon, Cousteau a prouvé que si tu prends un pingouin et que tu l'amènes en Amazonie, il meurt comme un caca au bout de 500 mètres. Parce que c'est un pingouin, si tu veux, quelle idée à la con, c'est de la cruauté animale, mais là pour le coup, les données que ça te donne sont même pas intéressantes, si tu veux. Donc voilà. Je pense que les lions aussi, du coup. Enfin, côté graisse, côté pelage et tout ça. Extrême. Peut-être. En tout cas, il est rentré vite. Hein. J'ai perdu des amis à Havre, mais il paraît que vous les avez vengés. Beaucoup vous sont reconnaissants. C'est tout bon. Ok, bah écoutez ce qu'on voulait. 3, 2, 1, Nouméa. Oh, mon assistant préféré! Lorsque Pimperdu et cette filoute de marmelade sont rentrés, je savais que vous les suivriez rapidement. Désastre. Nous avons sauvé les animaux. Ils sont bien rentrés. Ils sont bien rentrés. Mon petit cœur est encore tout tremblant. Mais un beau repas et un long câlin devraient le calmer, oui? Vous avez toute ma gratitude, marcheur. Et celle de Pimperdu. Dis merci, mon mignon! Allez! Oh, c'est désespérant. Il nous a pas mangé. C'est assez de remerciements, je pense, de la part d'un lion. Allez, accomplir. Clic. Ah, inventaire. J'aimerais pouvoir m'arrêter, mais il faut nettoyer les étables, remplir les mangeoires. L'élevage, c'est beaucoup de travail, oui. On t'attend à la prochaine, vas-y. Ouais. On t'attend. Et du coup, avec le bonus 1% XP. On me dit que des lions, dans un environnement froid, pas dit pour les lions, mais pour les tigres, on en trouve. Hein. Il y a des tigres en Sibérie, donc ça se... Oui. Ils sont encore relativement adaptés au froid parce qu'ils font partie... C'est des descendants des Pantherinae. Donc j'imagine qu'ils peuvent s'adapter, ouais. Après, par contre, le choc culturel, déjà quand tu emmènes un chat et que tu le fais déménager et changer de maison, il va cligner des yeux. Alors un lion, tu l'emmènes dans la savane et tu le lâches en Sibérie. il va cligner des yeux assez fort, si tu veux. Par contre, la combien vraie... de temps... Vas-y. Oui. Vas-y. Combien de temps faudra-t-il à la traque pour se remettre, à votre avis? Des actions des contrebandiers? Ça ira vite. De l'attaque du dragon? Allez savoir. Peut-être des années. Vos attaques contre les braconniers permettront aux chasseurs honnêtes et consciencieux de revenir sur la traque. Avec leur aide, nous pourrons peut-être réparer ce qui a été perdu. Vous pensez que les chasseurs vous aideront à ramener des animaux sur la traque? Bien sûr, marcheur. Il n'y a rien de plus triste qu'un chasseur sans proie à traquer. Ils préserveront ce que nous avons et protégeront ce qu'il en reste, jusqu'à ce que les jeunes aient eu des jeunes. Il faudrait être fou pour ne pas le faire, oui?
J'espère que quelqu'un sera là pour leur apprendre qu'il faut tuer que les mâles et pas les femelles, si tu veux. Non, mais sans déconner, c'est comme ça que la chasse marche. Parce que sinon, si tu butes toutes les gonzesses, voilà, plus personne. Ça repousse plus, ouais. Exactement, ça repousse plus. c'est assez malsain de le dire comme ça, mais oui, c'est littéralement l'idée, c'est pour ça. Donc, ouais. Alors, je crois qu'on a fini toutes les quêtes secondaires. Ouais, et le livre. Bah alors, le livre. Moi, tu veux qu'on aille à Suture? Ah, bah oui. On a un livre. Non. Ah, si, du coup. Oh, yeah. On va trouver Méléron maintenant que Bob l'a commencé. Mais oui, mais c'est pas ça, c'est parce que je me suis déjà TP moi, je suis rapide. Ah, voilà, d'accord, bah ok, moi je me TP aussi, je me TP à Suture directement parce que comme ça on gagne un temps fou. Bah, je sais pas, avec le temps de chargement, je pense que ça. Je suis à Suture. Merci. J'ai eu le temps de me TP à Rimen et de me re-TP à Suture. Merci Bou pour avoir offert 5 subs au pif à des gens qui eux sont très heureux d'avoir accès aux emotes à la con, rendu disponible. Mais maintenant, vous pouvez aller offrir des subs à Crane et à Elise, au pif. Mais pas à Désastre, parce que Désastre a un vrai travail. Même plus. T'as un travail, Désastre? Non, plus maintenant. Ah merde, je suis désolé. Bon bah, allez offrir des subs à Désastre aussi. En plus, il est malade. Double des subs, du coup. Ouais, c'est ça, double sub. Des subs au poulet, des subs à la soupe de poulet. Moi je m'en fous, c'est Greg Sabob que je suis payé. Ça me rappelle. Rotmes, tu vas trouver Méléron. Il est où Méléron, putain? Bah en face de toi. Ah oui, bien vu. Il y a une flèche au-dessus de sa gueule. Bah oui, mais je crois que c'est une autre quête. Oula, et effectivement, t'as rasure. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est bon. Mais il est moche. Ah, il est. Bah, c'est un elfe des bois, hein. Mais je suis toujours plus petite, hein. Je suis plus petit que le monde entier, moi. J'avoue. Non, il est en hauteur par rapport à toi. Les elfes des bois sont les plus petits. Ok, du coup, c'est quand vous voulez. 3, non, 2... il est pas hauteur par rapport à moi. 3, 2, 1, clic. Vous cherchez quelque chose, étranger? Des astuces refaires, t'avais pas fait beaucoup. C'est comme tu veux. Ouais. Vas-y. J'ai trouvé ce tonneau de Rotmet à côté de la route. Je pense qu'il vous appartient. Oh, alors ça... Oui, ce tonneau est à moi. C'est le meilleur tonneau de Rotmet sucré jamais produit. En fait, c'est le seul tonneau de Rotmet sucré jamais produit. Excusez-moi, je suis le seul à qui la voix de cet homme fait des choses? Pourquoi il est aussi suave? On dirait que les pics de son collier lui sortent de la barbe. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est suave. Je vais faire plus attention à sa voix. Je vais voir si ça réveille quelque chose en moi. Je lis tellement bien qu'en fait, moi, je lis 5 fois les phrases avant de les lire, du coup. Non, mais ça m'a perturbé pendant une seconde. Oui, j'écoute pas. Dans Rotmet, il y a Met. Hein. Oui, c'est ça. Il y a Rot. Mais je veux dire, encore un drogué. Mais lis la suite. Un Rotmet. C'est moi qui l'ai créé. Pardon, l'hôpital, la charité. Tu l'as lu, t'as cliqué ou pas, du coup? Les clients apprécient rarement le Rotmet. Je pense que l'odeur de viande rance les rebute. J'ai donc ajouté de grandes quantités de sucre lune. Le succès est assuré. Vous me dites? Oui, vas-y. C'est étrange qu'un fût aussi gros ait disparu. Le fût a dû tomber de notre chariot, ce qui est un peu étrange puisque mon mari aurait dû être assis à côté. Bah, il n'y a pas mort demeure. Et voici une récompense pour vos efforts. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous avions perdu cette merveille. Ah, il donne des poignées de Rotmes. C'est des poignées à la bière, comment ça marche? Accomplir la quête, ouais, vas-y. Oh, il sort avec Black Sad. Chérie, viens voir. Un inconnu a retrouvé mon tonneau de Rotmes sur le bas-côté. Tu te rends compte? Oh, regardez. Ça a dû tomber du chariot. Quelle chance que quelqu'un l'ait trouvé. Il doit être bien fermenté maintenant. Tu peux enfin le goûter. Ah, il l'avait foutu en l'air. Bien sûr, il fait en sorte que... Boire. Oh, c'est délicieux. Il va vomir. Pas tout juste. Ah. Alors, quel goût il a? Ah, c'est tout ce que ça lui fait.
Ouais, il est mort. Non, il est pas mort, il bouge encore. Bah, basiquement, partant du postulat que les Khajiits, c'est l'équivalent des Indiens de Elder Scrolls, tu veux, t'as réussi à donner la chiasse à un Indien. Je sais pas comment t'as fait. Je sais pas comment t'as fait pour donner la chiasse à un poupée. Et pourtant, quand je vois ce que mon chat y bouffe, je me dis. C'est comme faire vomir une poule, si tu veux, ça me paraît complexe. Incroyable. Ça peut vomir une poule. Ça peut vomir, j'ai déjà vu une poule vomir. Et je te jure que honnêtement, j'étais à 18 mètres et je comprends exactement pourquoi, alors qu'elle était au cas, qu'elle a dégueulé, si tu veux. C'était pas beau à voir. Mais du coup, voilà, c'était la fin de la quête, c'était rapide. Ouais, c'est fait. Par contre, comment ils ont fait pour perdre un tonneau de cette taille? Mais ils l'ont pas perdu, le gars il l'a donné un coup de pied pour le bazarder. Oui, je veux bien que tu donnes un coup de pied pour le bazarder, mais tu sais, si tu conduis dans ta R5 et que t'as une télé à l'arrière, si le gars qui est à l'arrière il la kick, tu sais, tu te rends compte que t'as perdu une télé sur l'autoroute, tu vois. Même si la télé était une télé moche. Après, ça dépend, parce que si. Il y en avait peut-être un qui dormait, il se relayait pour conduire, l'autre en a profité pendant que l'autre était en train de pioncer, etc. Ça peut fonctionner. C'est vrai, c'est malin. Donc on doit aller parler à plein des gens. Ils ont poussé le délire jusqu'à faire jusqu'à avoir des démos de Khajiit qui font la lessive, je dirais, à l'ancienne. Je me posais la question sur l'idée du couple. C'est que je me demande quels sont les niveaux de tension raciale, enfin tu sais, inter-espèce là pour le coup, entre les Bosmer et les Khajiit dans tes eaux. Parce que je sais qu'en temps normal c'est plutôt élevé, parce que tu lis l'histoire de The Elder Scrolls, en fait ils se font la guerre tous les 4 jours, parce que l'un bouffe les uns et les autres bouffent les autres, pas pour les mêmes raisons mais ils se mangent si tu veux, parce que voilà. Et je me dis, ça fait combien de temps que les alliances dans tes eaux, elles fonctionnent, tu sais, avec la reine Eren, le pacte d'ébène de machin chose, ou de choses comme ça ou autre. Est-ce que c'est culturellement assez long pour qu'il y ait des couples interspecies comme ça qui se forment? Ou est-ce que c'est juste, c'était pour faire joli, si tu veux? Me pose la question. Normalement, c'est toi qui as les réponses. Là, j'avoue, j'ai pas assez d'éléments parce que Elsewhere. On se retrouve devant Caldwell ici. Bien sûr, parce que Elsewhere et le bois de Gratz, si tu veux, enfin Elsewhere et les Bosmer, c'est vraiment quelque chose qui a pas été ultra mis en avant. C'est un peu comme les Argoniens. Cet homme qui se oint sous la cascade. Du coup, attends, on se retrouve ici, on est. Ah, il est là, il est sous la cascade, j'avais pas fait gaffe. Bob et les flèches au-dessus des persos, c'est un concept. Oui, mais il a une flèche bizarre, lui, il a une flèche. C'est pas une flèche normale. Oui, c'est la flèche de la quête principale. Bon, écoute. C'est quand vous voulez. Mais non, c'est quand tu veux. J'ai pas l'habitude. 3, 2, 1, clic. Bien le bonjour. Vous venez procéder à vos ablutions pré-bataille? Je trouve toujours prudent de me laver avant un massacre. D'après mon expérience, le sang et les tripes adhèrent bien mieux à un corps immaculé. Mais c'est une idée de génie. Pardon. Toi, il se lave habillé, quoi. Oui, j'avoue. Bon, après, il gagne un temps fou. Et puis, tu veux pas voir ce qu'il a en dessous, mon humble avis. Kamira veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'Anekina. La porte lunaire? Oh, j'espérais laver les souvenirs du traître, mais il y a des puanteurs que le savon n'estompe jamais. Pardon d'avoir déplacé les lunes, mon ami. Pardon d'avoir aidé les dragons. C'était le traître, Caldwell, pas vous. Mais avant de devenir l'élégant absous et massier que vous voyez, j'étais le traître. J'ai commis toutes les horreurs qui nous ont menés ici. J'ai vraiment honte, à vrai dire. Alors aidez-nous à arranger tout ceci, mon ami. Aidez-nous à empêcher les dragons d'atteindre le cœur de Jod. Oui, bien sûr, c'est ce que je comptais faire, rattraper les atrocités du passé en aidant les gentils chats à vaincre les dragons. Comme le héros que j'étais avant de devenir le traître. Haro, dans ce cas, je pars à la porte lunaire. Rejoignez-moi. Nous nous retrouverons à la porte lunaire. Non, ce logement est très agréable, mais les bassins de plasme bouillonnant de havreglace me manquent. Assez chaud pour vous faire fondre la peau. Oh, quelle sensation vivifiante! Mais l'eau va pas faire rouiller votre armure?
Je ne comprends pas. C'est ce qui me semblait. Au revoir. Bon. Si c'est de la vaisselle, normalement, ça roule pas. Hein. Oui, j'imagine que son armure est en inox, si tu veux, mais ça fait du sens. Du coup, rassemblez vos compagnons. Qui d'autre? Qui est le plus proche? Il y en a un là, juste à l'est. Ouais, sud, ouais. C'est Tarn, Abner Tarn. C'est Bubur. Ah. On aime bien Bubur. Il va nous prendre de haut encore. Ça dépend s'il a fait des pompes ou pas. Ouais, s'il a fait du sport. Il a l'air fatigué là. Ah, il va être aimable. Fantastique. Par contre, il a l'air d'avoir picolé sec. Ah, par contre, j'avoue, Crane, à côté de Abner Tarn, ton armure ne pâlit pas. Non, mais ça veut dire que tu as le charisme, ça y est. Oui, mais il a le doré, moi j'ai que l'argenté, tu vois. Oui, bon, après c'est Abner Tarn. Hein, voilà. Lui, il utilise la magie dans Ezo comme elle est dans le lore. Toi, tes sorts magiques, ce sont des sorts limités à ton perso, si tu veux. Voilà, donc c'est pas la même. Du coup, 3, 2, 1, clic. Après de longues périodes d'efforts et de magie, le vin m'aidait à me ressourcer. Et maintenant, il n'a presque plus de goût. Heureusement d'ailleurs. Le vin qu'agite est très sucré. On croirait boire des prunes confites dans un sirop de sucre lune. Oh. J'imagine que vous avez des nouvelles. Vas-y, Cray. J'avoue, toi, ça doit te plaire, Bob. Ah, ça doit être ouf. Pardon. Camira veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'Ankina. La porte lunaire? C'est une proposition noble, mais futile, je le crains. Les Khajiits devraient prendre la fuite tant qu'ils le peuvent. Laissez les armées des Alliances se charger de tout ceci. Leur montrer que certains combats sont plus importants que décider quel postérieur couvrira le mieux le trône de Ruby. Vous voulez baisser les bras, Abner Tarn ? Non, non. Mais je réfléchis à d'autres options. Trop de nos problèmes actuels découlent par inadvertance de mes actions ou de celles de ma famille. Les dragons, les euraxiens, les nécromanciens, c'est moi qui suis responsable et je dois rétablir l'équilibre. Propos digne d'un ébo gothique de quatrième. Je suis trop dark, fume la vie avant qu'elle te fume. Non mais il est ivre et puis c'est vrai qu'il regarde l'accumulation du merdier que c'est et qu'il y a pris part. J'avoue, les dragons, désolée. Tu peux lui mettre à moitié ça sur le cul, mais les euraxiens, les nécromanciens, non. Je suis désolé, mais il parle pas assez comme ça pour qu'on croie qu'il est bourré. Non, mais il est digne quand il est ivre, il est pas comme nous. S'il te plaît. Non, mais je pense que. S'il te plaît, il y a que toi qui es chelou quand t'es bourré. Attends, s'il te plaît, hein, je pense pas que Mitterrand il bégayait quand il avait bu. Ça respecte, si tu veux, c'est pas la même. Alors, vous êtes encore avec nous? Auriez-vous la moindre chance sans cela? Sans mes connaissances magiques et stratégiques, tout ce que vous tenterez sera voué à l'échec. Et je refuse d'avoir cela sur la conscience. Laissez-moi finir ce breuvage enivrant au goût si sucré. Un dernier plaisir avant la fin. Nous nous reverrons à la porte lunaire. Au fait, vous et vos grosses chevilles. Je crois comprendre à quoi sert le corps du dragon. Après mûre réflexion, l'utilisation et la fonction de cet instrument antique me sont apparues. Les gardes-dragons étaient astucieux, je l'admets. Alors, je suis toujours dingue, c'est comme le sifflet, faut siffler dedans. Non, mais je suis toujours Pardon, je t'en prie. Vous savez utiliser le corps des dragons? Les connaissances théoriques ne valent pas l'expérience pratique, mais je pense maîtriser les bases de l'opération. La garde du dragon a préparé une corne prise sur un grand dragon et y a gravé des runes arcaniques pour lui donner un pouvoir incroyable. Le corps du dragon est taillé dans une corne de dragon? Oh oui, j'en suis certain. Et certaines références historiques indiquent que la garde du dragon avait offert de telles reliques à des lieux clés, pour les protéger. Celui que vous détenez se trouvait à Rimmen, avant d'être emmené au sanctuaire. Alors, comment on s'en sait? Nous n'avons ni le temps ni les ressources pour déplacer la grande relique. Mais la petite corne que vous avez rapportée, qu'on appelle un corps de combat d'ailleurs, a été conçue pour les combats. Une fois chargée d'énergie, sa note affaiblit les dragons. Camira a chargé le corps au temple de la danse d'ombre. Un problème de moins. L'autre, c'est son âge. Ce corps de combat est très vieux et très fragile. Je ne sais pas combien de fois vous pourrez le sonner avant qu'il ne tombe en poussière. Je vous suggère donc de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Au revoir. Eh bien. Ouais, c'était un vase, quoi. J'avoue.
La grande question, c'est voilà. Moi, j'ai toujours été prudent avec les corps parce que je me souviens des aventures de Elric de Melny Bonnet. Et ça finit avec un corps aussi, donc je me souviens plus comment ça s'appelle, hein, le corps de l'équilibre ou un truc comme ça. Il souffle trois fois dedans et basiquement, c'est la fin de l'univers. Donc je... Non, mais les corps, ça déconne zéro si tu veux. Ah oui. Faut pas croire. Où est-ce que. Ah oui, il y en a un par là. Ouais, il y a l'est. Nord-ouest. Ah, il y a est aussi. Nord-ouest ou nord-est? Nord-est. Hein. Est, ouais. Ouais. Ah oui, nord-est. Ouais. D'ailleurs, je me souviens plus le nom du corps qu'utilise Elric à la fin. Ah bah c'est. Ça sent l'arnaque, ça. Non, il est où? C'est Eric le Grand. C'est Eric le Grand. C'est Monsieur Gifle. Ah. Smarak. Très bien. 3, 2, 1, clic. Les moments de méditation sont rares depuis que je suis rentré à Elsewhere. J'avais besoin de solitude, surtout après avoir aidé Tarn contre le dragon aux ruines de la Danse d'Ombre. Mais vous avez l'air d'apporter d'importantes nouvelles. Vas-y, Elise. Camira veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'Anekina. Je me doutais bien que ce serait notre prochaine destination. J'ai remarqué que les lunes se sont déplacées dans le ciel d'une manière qui rompt leur danse habituelle. C'est l'œuvre du traître, oui? Au moins, la reine Camira et vous êtes revenus des ruines. Le traître a enclenché l'éclipse des lunes. Mais nous l'avons tué. Et Camira est harmonisée au Lassie. Alors, il nous reste une chance. J'ai juré sur l'honneur de défendre la reine Camira. Je ne romprai pas ce serment. J'ai à nouveau un rôle à jouer. Et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Je vous retrouverai à la porte lunaire, mon ami. Nous vous retrouverons à la porte lunaire. La reine Camira est entrée en harmonie avec le Lassie lunaire. Je n'aurais jamais imaginé assister à un tel miracle. Je prie pour que cela suffise lorsque nous affronterons les dragons. En parlant de dragons, que s'est-il passé pendant que Camira et moi étions au temple? Ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Tarn a utilisé de grands sorts pour perturber le dragon, jusqu'à ce qu'il se décide de s'en aller. Puis nous avons affronté des Euraxiens dirigés par un nécromancien. Cela, c'est moi qui les ai éliminés. C'était le moins que je pouvais faire. Oh, il a dû donner des coups de genoux. Au revoir. Eh bien... Zamarak qui déconne zéro. Alors on me dit... Zamarak. On me dit dans Eric, c'est le corps du destin. Et effectivement, bah, le nom est assez classique. Alors par contre, ça dit qu'ils ont déplacé les lunes et qu'il y a une éclipse. Mais il fait moche. Et jour. C'est là qu'on regrette de pas être dans Skyrim, si tu veux, de balancer un petit... Un petit sort de nuit. Voilà. Non, mais un petit sort qui vire les nuages. Ciel dégagé, si tu veux. Quelque chose seul nous, c'est, il me semble. Ouais, ouais. Un mâchoire man. Il seul nous, je crois. Non, Isle et nous, c'est la glace, je suis sûr. C'est l'or vacor, je crois. Ou Loc vacor. Loc vacor, tout à fait. Qui se traduit par. Il y en a un autre qui fait Islunaus, mais je sais plus ce qu'il fait. C'est de la glace, c'est de la glace. Qui parle derrière. Qui parle, quoi? Je sais pas, des gens dans le marché. Ah d'accord, il m'a fait flipper pendant une seconde. Est-ce qu'on va parler à Monsieur Mâchoire? Allons-y. 3, 2, 1, clic. Le calme entre deux batailles. J'aime en profiter pour lire. Il se cultive. L'histoire de la stratégie militaire, des livres de cuisine. Et mon péché mignon, un bon livre d'enquête. Et le nouveau récit de l'investigatrice Val est haletant. L'investigatrice. Il est en train de remplir son truc de site de rencontre, en fait. J'avoue, ouais. L'investigatrice Val, on n'avait pas bossé avec elle, elle n'était pas d'une nullité affligeante. Si, si. C'est rien. Bon, je me souviens pas. C'est à toi, désastre. Camira veut que nous nous retrouvions. Oui. Camira veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'Ankina. J'attendais l'ordre de sortie. J'ai envoyé la plupart des irréguliers de Cygnus avec Garechri. Mais il reste un petit contingent au cas où nous aurions fait fausse route. J'imagine que les événements aux ruines ont confirmé notre théorie. Oui, nous avons tué le traître, mais il avait déjà enclenché le mouvement de l'éclipse. Je comprends. Nous devons défendre la porte lunaire et empêcher les dragons de l'utiliser lorsqu'elle s'ouvrira. Les empêcher d'atteindre le cœur de Jod. Miaou. Bon, au moins maintenant, nous avons une mission. J'espère que les Khajiit ne rechigneront pas trop à travailler avec mes troupes. Vous avez eu du mal à intégrer vos troupes aux forces Khajiit.
La tyrannie de la reine Raxia a rendu les Khajiits méfiants. Je les comprends. Je veux simplement leur montrer que tous les impériaux ne sont pas des tyrans. Qu'ils peuvent au moins faire confiance à quelques-uns d'entre nous. Cela viendra, à condition que nous restions unis. Dixit ! Nous vous retrouvons à la porte. Dixit l'impérial. Déjà, rien que le nom de son espèce, si tu veux. Les impériaux. Déjà, ça coupe direct, tu vois. Ensuite, bon, on en parle des cinq règnes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Techniquement, le Numidium n'est pas encore arrivé, donc ils ont pas encore compris ce que c'était Uriel Septime, si tu veux. Ils ont pas encore pris la max. Ils ont pas encore pris la max. Faut s'taper à l'oratoire de la... balafre. Mais je crois qu'Elise s'est tapée. Oui, j'y suis. T'as trop rapide. Bah, mes chargements sont plus que bien. Moi, je pense que c'est plus rapide, nous, de prendre le... l'oratoire que de TP sur Elise. On va voir. Moi, j'ai déjà TP, là. Moi aussi, ouais. T'es obligé, hein. T'es obligé. On va faire la course. Ah, quoi que, ouais, non, peut-être pas. Ah, ça y est, je suis là. Le général... sur mon chat, ils sont là. Le général à la mâchoire, il est trop parfait pour pas être gay. Il est trop parfait. Je suis sûr, quand tu lui parles, il t'écoute. Et il essaie pas de te donner des solutions à la con. Il est juste là émotionnellement pour te soutenir. Il est trop parfait. Les mecs qui sont en stress sur le chat. Aïe. Tout va bien. Ligne droite, galopons. On nous dit des caisses. Des caisses, Lennon, des caisses. Et ben, quand on sera arrivé. Avant d'entrer. Bien sûr. Voilà, des gros Khajiits. Plus de Khajiits. C'est Crane qui prend tout avec sa nouvelle armure. Bah oui, c'est l'Iskagros, c'est moi qui me fais tirer dessus. C'est la technique. C'est parce que t'es rouge garde, c'est ça? Je le savais. Après, je... j'ai une jolie cible avec mon armure, elle est visible. J'avoue. Oh là là, il y a Zygma qui fait des danses ninja tout en haut de la... tout en haut de la tour avec des casques absolument stylés. Pourquoi? Mais... c'est pas vrai? Et moi, je me fais attaquer par cette espèce de wapiti nul. Non, c'est bon, ils sont repartis. C'est un loup. Ouais, mais il était à rayures, donc c'est un wapiti. Alors... des caisses? Des caisses, allez. Oui, pardon. Des caisses. Merci de suivre. Soyez la bienvenue. Allons-y. 3, 2, 1, c'est parti. La caisse. Cherchez-vous l'amusement et de précieuses récompenses. Ah, j'ai que de la merde. Pas de carte supplémentaire, une seule bleue. Oh, j'ai que de la merde. Allez, la dernière. Mais il me reste une dernière. Ah, tu veux en faire une dernière? Oui. Dans la boutique HL. Caisse. Ouh. Choisissez vos récompenses. Ah, toujours qu'une bleue. Rien du tout. Mais j'ai gagné du ragoût de combat mystique. Puisse la chance vous suivre. Donc t'as plus du tout de caisse, du tout. Plus du tout de caisse, ouais. Il va falloir pétitionner. T'as plus de couronne. De couronne. Ah, attends, fais voir. Non, j'ai 210 couronnes. Non, c'est la Zermie, hein, c'est fini. C'est fini. Oh là là. C'est fini pour moi la fête du slip. N'hésitez pas à récupérer la peau à corbeau dans l'offre à durée limitée des choses à acheter avec les ça. Suppliquant. Lui envoyez pas de caisse, hein, les gens du live. Hein, ouais, ne perdez pas votre argent. Voilà, ça, je ferai ça pour la prochaine fois. C'est grave, je vais bien. Perdez-le, mais en sub, quoi. Au secours, j'ai sifflé dans la peau. J'ai sifflé dans la peau à corbeau. Il y a une vieille, la mère sorcière Olive. Qu'est-ce qui se passe? Ça te fait débuter l'event d'Halloween. Ah. La mort que vous avez. Bonjour, madame. La potion. Madame. C'est après que tu chopes le sifflé qui donne l'XP que je vous ai. Fantastique, madame. Que je vous ai partagé. Très bien. Je laisse siffler si je lance la quête ou faut valider la quête pour. Faut l'avoir fait, ouais. Drakan vous a envoyé un cadeau, 4 caisses de la Louvaine Lune. Il a pas eu le temps. Fallait pas. Merci. Tu recevras ton eau de bain. De youtubeur dans 17 mois et 3 heures heure standard. Je crois pas aller au Dagon, je crois pas l'avoir fait l'année dernière. Papouasienne. Si t'as la quête, c'est que tu l'as pas fait. Merci, cœur. D'accord, ok. Cœur. Parfait. Si. Bon, du coup, j'ai 4 caisses, mais on attendra plus tard pour les ouvrir, j'imagine. Bon. Bah, attends, moi j'ouvre la mienne parce que j'avais plus de place. Ah, bah, vas-y. Marquage corporel de porteur de mort et.
Oh, et l'élan de la mort m'avait déjà la monture. Ah, dommage. La monture. Ah, dommage. Ah, dommage, ouais, monture en loup, c'est dommage. Mais merci en tout cas, Drakan, ça fait plaisir, c'est fantastique. Événement de fête, merde, on est à quel endroit? Elsewhere. Chasse au dragon, cœur de Jode, cœur de Jode. Ok. Du coup, on pénètre? Allez, pénétrons. Ouais, on va pénétrer. C'est la peau. Quand... Non, mais la peau que j'ai, je l'ai la peau, mais la peau, c'est la peau en attendant. Objet de quête. C'est pas celui-là, il faut d'abord faire la quête, je pense, pour le valider. Mais... Pour le transformer, il doit y avoir un truc. Aucune idée. Dans tous les cas. J'ai la peau dans mes trucs de quête, mais c'est parce que j'ai commencé la quête. Ah, si tu l'as dans ton inventaire, ouais. C'est quand tu finis la quête que tu as le memento. Ah. Juste avant d'entrer, est-ce que je peux couper l'enregistrement ici, histoire de faire la micro-pause? Ouais, c'est quand vous voulez, allons-y. Zygma qui tape sur cette porte. Allez, clic. Pénétrons. 3, 2, 1, clic. Oh, c'est beau. Si beau. C'est beau. Bon bah c'est beau aussi, hein, vu que tout le monde le dit, je veux dire. C'est un peu comme Joker, tout le monde dit que c'est bien. En tout cas, merci Drakan pour les caisses qui vont me permettre de tenir jusqu'à la fin du live dans la malhonnêteté la plus totale, parce qu'on a normalement accès à du merdier à couronne. Rappelez-moi de lui offrir des papillons, ou de l'eau de bain, bien sûr. De l'eau de bain argonienne. Horrible. De l'eau de bain. Merci Expelliarmus. Cadoël qui jongle avec des poissons. Oui. Moi j'ai personne qui parle, hein, je sais pas vous. Non, c'est bon, non, c'était, la grande crinière qui parlait. Ah d'accord, mais excuse. Ok, très bien. Est-ce qu'on parlerait pas à Cadoël? Vous parlez oui. Parler trop loin. Mais où sont les dragons? Ouais. Faut que tu reviennes, Élise. Ouais. Oui, mais j'avais quelqu'un qui parlait, alors j'ai écouté ce qu'il disait. Bon, ça fait 3 secondes. Voilà. Ta cave. Ok, Cadwell, 3, 2, 1, clic! J'ai un bon pressentiment. Ça me rappelle le jour où j'ai mené l'assaut contre le dîner mondain de Mola Grunda. Le Yagra rôti était... délicieux. Putain, les aventures folles que cet homme a vécu. Et si on écoute bien, on entend le petit... des mains contre le poisson. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Le bruit de Fab qui est essentiel. Ils sont tous habillés comme les autres. Qui ça? Non, mais ça, irrégulier de Cygnus. Ah, d'accord, c'est les mecs qui font partie de la force d'attaque de notre ami. Il y a Zamarak ici à qui on peut parler. Ah, Zamarak, où ça? Bien vu. Il est là. À qui on doit parler? Allons-y. Ah, 3, non, 2, non. 1, clic. Regardez comme les lunes convergent dans le ciel. Ce n'est pas le moment d'un tel événement. Le lacis lunaire a été altéré, et Jon et Jode se confondent. Les légendes disent que cela se produit lorsqu'un dragon dévore la lune. J'espère que ce n'est qu'une légende. Oh, fais voir. Ah, effectivement. Et regarde, elles sont bien... Ça devenir sombre, ouais. Ouais, ah. Surtout, elles sont bien alignées, oh, si tu veux. C'est beau. Quoi qui est beau? Les lunes, tu veux dire? Oui. Oui, surtout qu'ils s'alignent pour le greatest eclipse de... Oui. de Saint Seiya, si tu veux. C'était quoi dans Saint Seiya? C'est le passage Hadès, où Hadès il voulait aligner toutes les lunes et les planètes et tout le merdier dans une ligne droite parfaite, absurde. Ah, pas un truc d'ailleurs, ça me fait penser. Dans l'horoscope, souvent on dit des trucs débiles comme Lune est mal alignée avec Vénus, le Mars est mal aligné avec Vénus, mais comment deux points ils peuvent pas être bien alignés? Voilà, j'ai bugué là-dessus quand mes collègues lisaient l'horoscope. Mais par rapport à notre point de perception. Bah oui. Par rapport à un troisième point, le point d'observation. Oui, c'est sûr que si tu prends deux points dans un espace en 3D, en 3 dimensions, ils seront toujours alignés, quel que soit machin. Mais selon la perception qu'on a, qui est la perception terrestre, c'est pas aligné. Tu peux. Sinon, c'est pas euclidien. Et là, si c'est pas euclidien, moi je rends mon tablier. Oui, mais généralement, un horoscope c'est sur une semaine. Donc, sur une semaine, t'as le temps que ça se décale quand même. Donc, tu peux difficilement dire que Mars et Vénus sont pas alignés. Et si on partait du principe que l'horoscope c'est des grosses conneries qui peuvent venir n'importe quoi du coup? Mais oui, mais ça prouve encore plus que c'est pour ça. Bon, c'est vrai. Que ça. Moi je suis bélier, je suis très heureux. Je me suis toujours demandé ce que Crane était.
Vierge, voilà. Ma vie. J'ai cru, c'était gratuit. C'était gratuit. D'ailleurs, bon entendu. On a déjà moi, eu la conversation la du meilleur chevalier du Zodiac. J'avoue que chacun de la verre, il est puissant, mais Mu, c'est là où toutes les. This is where the bitch is at. Voilà. C'est là où tu trouves la vraie force, si tu veux. Voilà. Le préfet Calo, allons-y. 3, 2, 1, clic. Les lunes s'unissent. Je suis sûr, il est capricorne, ce con. Inquiétant, n'est-ce pas? Tous les mecs parfaits, ils sont capricornes. Une beauté étrange. Une mâchoire. Mais où sont les dragons? Et les derniers Euraxiens? Je m'attendais à ce qu'ils commencent sans attendre leur percée vers la porte lunaire. C'était à qui? À toi. Ah merde. Est-ce que nous sommes prêts? Aussi prêts qu'on peut l'être. La milice Khajiit et les irréguliers de Cygnus sont en position défensive le long de la route de la porte lunaire. Et les armes de siège que nous avions à disposition sont prêtes à repousser les dragons. Et vous pensez que nous pourrons arrêter l'assaut? Aucune chance. Mais nous pourrons les ralentir le temps que Tarn et Camira empêchent la porte lunaire de s'ouvrir, ou trouvent un moyen de la refermer. Tant que les dragons n'atteignent pas le cœur de Jod, nous aurons gagné. Attendez. Quel est ce bruit? Que se passe-t-il? Vous avez entendu quelque chose? C'était sans doute le vent. Les dragons! Oh bon, bon Dieu! Je me charge de ce qu'il faut faire ici. Ça, ils sont deux, trois. Allez, trois quand même. Éteignez les incendies et chargez ces balises. Moi, je les vois pas. Bah, ils sont passés au-dessus de nous. Ah ouais. Fallait réagir. Éteignez les incendies. J'ai vu des explosions, mais j'ai pas vu. Mais... Éteignez les incendies, combo. Ouais, il faut un tapis. Gros besoin là. Ok, très bien. Par la porte. Grimpez la porte lunaire par là. Là-bas. L'heure est à l'audace. Flamboyante. Allons-y. Oups. Ils sont chouettes, ces escaliers. Aïe. Mais. C'est des pièges. Mais je me suis Keblo, je suis en train de faire une émote. Au secours. Je suis trop cool pour ce qui se passe. Et ça m'aurait fait tomber en plus, mais quelle baiserie. Putain, je bois. Vinquer les trous. Énucléé, ils sont où? Là en haut. Ya. C'est beau ça. Tout dans la finesse. Ah, ça continue de venir. Giflé. Toujours des Euraxiens. Hein. On aurait cru qu'ils se seraient calmés après la mort de Euraxia. Du mode boum. De Euraxia. Quoi? Ah, ça y est. Ah, il y a Cadwell. Regardez en haut. Joli. J'aime bien rafraîchir un peu les matos noirs. J'aime bien rafraîchir un peu les matos noirs. Alors quand il dit Arro, c'est une vieille version de Taillot ou... Enfin... À l'assaut, les ombres sur l'eau, oh. Pardon. Ah bon? Vivant de Chine. Est-ce qu'on maîtrise la situation ou c'est la bite ici? Parlez à Zamarak, il est où? Il va sans doute arriver, j'imagine. Zami. Il a un double appel, je crois. Zami. Putain, on a perdu Zami. Bon, c'est pas grave. Explorons. Eh, mais. Quoi? Ah non, j'ai cru que c'était la grande crinière. Bon, on va faire demi-tour, il est peut-être coincé comme Bob tout à l'heure. Je soulève même pas ça parce que t'as probablement raison, donc je. Tu sais, je m'oppose pas. Que hein. Là, si c'est bloqué, c'est la tuile, hein, parce que je sais pas comment on le faire apparaître. Hein. Putain, en plus, on se fait. Mais non, mais c'est clairement pas par là. Il a dû prendre le même chemin que nous. Il y avait rien. Je pense pas que ça soit. Enfin, ils pop, tu vois, les PNJ. Ils sont au-dessus de la marche, quoi. Ils sont pas comme nous. On peut pas rentrer. Bah après, voilà, Zamarak n'a pas survécu. Ça arrive, c'est la guerre. La quête. Il était occupé à péter des genoux quelque part. Si on quitte la quête, ça nous repop là ou je vais essayer un décoreco, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va tous décoreco. Hein. Et bah allons-y. Okay. Déconnexion. Allons-y. Ce sont les choses qui arrivent, hein, c'est pas. Pas vraiment gênant.
Le mur était trop épais pour lui. Oh non. Il a essayé. C'est ça. Ce n'était pas un mur, ce n'était pas un mur, c'était une montagne. Submergé par la solidité du calcite. Mais c'est pas de la musique disco ce que j'écoute, c'est un Indochine. Crier Haro sur quel... à l'assaut des ombres sur crier Haro sur quelqu'un quelque chose, s'élever avec indignation contre eux, attirer sur eux la haine, la colère et la réprobation. Oh. C'est ah, il est là, c'est bon. Ah, c'est comme s'exclamer Tarba puis de faire un drive-by en fait. C'est bon, la déco a quoi fonctionné. Il y en a même plusieurs, c'est fabuleux. Ah. Attendez un instant, j'arrive. J'imagine c'est parce qu'on a tous notre smarak. Enfin, moi j'en vois deux pour l'instant, bah, il va y en avoir quatre. Deux. Alors sur mon chat, il y a quelqu'un qui dit « Élise, écoute Indochine ?» c'est non, Indochine, c'est pas la même chose, mais oui. Oui. Mais je suis sûr que culturellement, ça se rapproche. Les deux ont des lettres, des paroles, voilà. C'est des doublements que ça fait, quoi. J'arrive. Hein ? Restez avec moi, vieux maître. Ils sont tous là. Effectivement, il y a... se déplace tellement rapidement Zanarak qu'on croit qu'il y en a... Oh là 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 là, la mirror image, quoi. Grave. Tu vas trop vite. Oh là là, Zamarak, oui, il y a 4 Zamarak. Ça fait beaucoup de Zamarak. Écoutez, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, clic. Choisissez le vôtre. Hein. Garechri a survécu, mais ses blessures sont graves. Il a besoin de soins. En attendant, je sais ce que je dois faire. Ah mais t'avais raison, c'est vraiment la grande crinière. La grande merde. Ça va être la merde, ça, okay. Politiquement. Vas-y, Craig. Il a l'air quand même un peu mort, hein, parce qu'il dit qu'il a survécu, mais là... Non, mais... mais il clique pas des yeux, hein. Mais il fait semblant. Non. C'est à moi ou tu... Ce n'est pas de la simulation. Non, c'est à toi, vas-y, on s'en fout, roule. De quoi parlez-vous, Zamarak ? Garechri est blessé, et quelqu'un d'autre doit prendre le commandement de cette position, pour que les Euraxiens et les dragons soient ralentis par la résistance. C'est à moi de m'en assurer. En êtes-vous certain ? Oui, mon ami. C'est ma chance de rattraper mes erreurs du passé. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Le corps du dragon ? Je ne sais pas pourquoi Garechri l'avait, mais vous devez l'emporter jusqu'à la porte lunaire. La reine Camira a besoin de vous. On va lui apporter le corps du dragon. Bonne chance, Zamarak. Bon. Et partez, c'est l'espèce de 5 griffes. Ah, il a créé 5 il fois. Il est très mort, là. Oui, et le corps du dragon, c'est cette canne là ? Parce que c'est PIMP ! Bah non, c'est son arme. Non, c'est juste une massue. Une massue PIMP ? Ouais, ouais. Putain, stylé. Oh, je pense pas que ce soit ça son arme, Garechri ici. Bah, c'est pas le corps du dragon. Hein. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on est téléporté. Avancez, okay. Tout explose, c'est la fin. Ne cherchons pas à comprendre. Ya ! Ouf ! J'aurais peut-être dû tourner à gauche plutôt qu'à droite. Résion. Vainquez les troupes euraxiennes. Vaincons. Ouh. Ouais. La max. Et là encore. La max. La max. Cadwell. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire pareil. Qu'est-ce que... Féroce, c'est ses malandrins, vieille branque. Ah, si, c'est encore lui. Oh, il lui a brisé la nuque. Oh là là. Oh là là. Avant que les lunes ne s'allument complètement. Putain, il est cold blood, Cadwell. Il a pas le temps. Il est là, pop, 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 watching Euraxians drop. Il s'en bat les couilles. Est-ce qu'on est mort? Bon, ça va vite quand même, hein. On les moleste, hein. Je veux pas dire, mais ils ont pas le temps de bien respirer, hein. Ah, par contre, regardez les lunes. Ah oui, ça se rapproche. Ça se rapproche. Dragon. Bon, ça, dragon. Oh là. Dragon. Oui, dragon. À mon avis, je veux pas qu'on me passe. Non, Abnur. Le corps du dragon, 5 griffes. Attendez, ne soufflez pas. Ne soufflez pas, c'est extrêmement stylé. Oh là là, c'est trop bien, venez voir. Prenez des screens. Oh la douche. C'est pas mal. Oh, c'est exceptionnel. Oh là 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 là. La max.
Attends, je voudrais prendre désastre, un là, tu mériterais de mourir. Attends, hein. Désastre, sors du champ, j'ai besoin de prendre une belle miniature si tu veux. C'est ma peau, elle est trop épaisse. Ça ferait une miniature classe. Oh là 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 là, Max! Attends. Oh là 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 là! Est-ce qu'on peut faire des poses mignonnes à côté de lui? Ça va être. Attends. On fait le slice 4. Il faut que j'essaie, y'a pas le jonglage! Côté. Seconde, j'arrive, hein. j'arrive. Mais excuse, hein. C'est une trop belle occasion d'avoir une miniature. C'est quoi le bouton par défaut pour enlever l'interface? F2. C'est F2. Tu peux avancer les astres, s'il te plaît. Voilà. Hey, Giocherini! Tu peux reculer, Lee, s'il te plaît. Reculer. Là? Ouais. Hey. Et il manque. Il faut juste que Bob s'en aille. Mais excuse, je. Faut je, que t'avances, Bob. Je finis quand tu peux. Une dernière, mais excuse. Oh là là, trop de pouvoir. Ouais, c'est bon. Ok, genre 2 secondes. J'espère qu'il est pas assez pratique le dragon parce que. Ok, nickel. Parce qu'en effet, il y a du potentiel vignette magnifique là. Tu peux décaler un peu sur la gauche, Crane ? Enfin, recule de quand t'as fini, prends ton temps. Ouais, là je mitraille. Hein. J'attends juste le dernier repoussage de feu. Le prochain cri, puis on est bon. Oh la Max! C'est bon. Oh, c'est beau. Et enfin, la photo selfie ultra vénère, mais c'est pour rendre bien. Sur la miniature, ça rend bien, si tu veux. Eh ben, le pauvre ouais, dragon, c'est bon. Est fini. Quoi. C'est bon. Bon, du coup, revenons à l'escalier. Bah non, on va... Ah, tu veux l'utiliser ah, là-bas, le corps il faut lui... Ah, mais tu veux l'utiliser n'importe où. Allez, d'accord. Ouais. Qui veut le faire? On joue à Shifumi, c'est un truc assez important, quand même. Vous êtes prêts? Wow. Allez. Ouais. On appuie tous en même temps, on devrait tous le faire. Donc, oui. Ah, merde. Ah, bon, on bah, peut, ouais. Tu fais le décompte. Bon, bah, ok. 3, 2, 1, clic. On l'a agacé. On l'a vexé. Ouais, ouais. Disait, oh, un corps de dragon, ok, mais 4 là, ouais, vous abusez quand même. J'avoue. En même temps, 4 vues usées là, si tu veux. Comme ça. Parlons à Bubur parce que clairement, on est un peu abusé. Il sera peut-être aimable du coup. Va peut-être falloir lui donner, peut-être lui donner un Red Bull. Hein. Ok, 3, 2, 1, clic. Les lunes sont alignées et la porte est ouverte. Camira a bien gagné quelque chose au temple, mais elle ne sait pas encore le contrôler. Vous étiez avec elle, allez lui parler. Voyez si elle peut refermer cette ouverture avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais ? Ah oui, mais regardez, effectivement, les lunes sont alignées avec la porte. Oh là 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 là, c'est beau. Hein. Classe. Ça, c'est classe. Hein. Ça aussi, c'est une super image. Hein. Dommage qu'il y ait la petite icône de quête dessus. Mais ouais. Enfin bon, du coup, parlons à Camira ce qu'on voulait. C'est toi. 3, 2, 1, clic. Vous voyez comment les lunes s'alignent sur cette porte antique? Le lacis ouvre un chemin vers le cœur de Jod. Mais comment avez-vous trouvé le corps du dragon? Où est Garechri? Et pourquoi les bruits de combat sont-ils si proches? Les Euraxiens ont-ils débordé nos défenses? Même là, les plans de voir les persos un peu en contrebas comme ça, c'est vraiment beaucoup plus classe. Hein. Ah oui, bah, y a un effort. Hein. C'est pas la technique. En contrebas, là
C'est pas ouais, la... on est en contre-plongée. Ouais, là, en contre-plongée. C'est pas la technique de Naruto, ouais. Je disparais derrière le garde, même si c'était, c'était délicieux, si tu veux. C'était à qui? C'est à Elise. Vas-y. Ok. Garechri a été blessé, les dragons ont percé les murailles, ce qui a permis aux Zoraxiens d'entrer. Garechri blessé? Et les Zoraxiens derrière nos défenses? Ce n'est pas bon, pas du tout. Enfin, nous avons encore le corps du dragon. Au moins jusqu'à ce que son pouvoir s'épuise ou que cette fragile relique ne tombe en morceaux. Si seulement les lunes pouvaient se déplacer. Mais je croyais que l'harmonisation vous donnait le pouvoir de déplacer les lunes. Le pouvoir, oui, mais pas la connaissance et l'expérience. Je vais continuer d'essayer de déplacer les lunes pour fermer la porte. Mais il faudra que vous empêchiez les Zoraxiens de prendre notre position. Je compte sur vous, Cinq Griffes. Je vais protéger la porte lunaire, Camira. Bon. Il y a des ninjas! Attaque! Tout est... Zoï! Où est la musique épique? Là, y'en a pas un. Oh, c'est Abnurtarm qui fait un bouclier! C'est DBZ, hein! Mais là, j'avoue que la musique de Dune collerait bien. Hein. Point, 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 point. J'ai mis du Sabaton. Ah! Oui, c'est. Ouais, c'est fou. Moins l'ambiance, mais ouais! Écoute. Du Sabaston. Sabaston. Point, point, point. Point. Point, 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 point. Vas-y, moi, type. Putain. Stéphanie, moi, type, fais quelque chose. Putain, parle-moi de ton monde natal. Le lieutenant Erenius, qui était-ce? Le lieutenant Artorius, qui sont ces gens qui ont des vrais noms? Ah, ils ont des vrais noms. Oula, Mirical Grandid approche. Et merde. Le corps du dragon, c'est notre seule chance. Wouah. C'est pas les trucs. Oh. Non. Chut. Ils sont passés dans la porte. Empruntez le portail et emmenez le corps du dragon. Hurle pas, tu satures. Non. C'est parti. Porte lunaire d'Anekina. C'était classe. C'était classe. J'avoue. Et du coup, on Vache. Est... On est... Est-ce qu'on est sur Jod? C'est stylé. Je vois pas les lunes dans le ciel. Hein. À mon avis, on est sur Jod. Hein. C'est trop beau le ciel. Mais c'est classe. Hein. On parle à Abnurtarm? Ah putain, oui. Il est là, il nous a suivis ce con. Et elle aussi. Putain, oui. Ils ont des couilles ces gens. Parlons à Abnurtarm. 3, 2, 1, clic. Lorsque je me suis réveillé ce matin, je ne pensais pas visiter le plan de Jod. J'avoue. D'accord. On est sur la... Oh, regarde le beau. Regarde le beau. On est sur la lune. C'est fou, hein. Et on s'y attendrait pas, oui. Hein, mais en même temps, quand on sait que tous les plans sont littéralement des planètes et que ce sont des endroits qui sont techniquement habitables, c'est pas choquant. Hein. Les couleurs sont sublimes. Et sur la lune, il y a des gens qui ont décidé de faire des grosses statues. Oui, c'était normalement la toute première civilisation, celle qui était spatiale. Mais après... Après là j'en sais rien là du coup en face c'est la maison qu'on avait visitée vu que on voyait au fond des petits la porte lunaire et en bas il y a la grosse boule blanche là où stylé. Stylé. Du coup parlons à Camira. 3, 2, 1, clic. Cinq Griffes. Nous voici sur le plan sacré de Jod. Les dragons ont entamé leur procession. Il souhaite atteindre le cœur de Jod. Vas-y, désastre. Miaou. C'est quoi cet endroit, miaou? D'après les souvenirs que j'ai absorbés au temple de la danse d'ombre, Anekina et les prêtres lunaires venaient ici pour honorer les lunes et leur rendre leur mouvement après une union sacrée. C'est aussi là qu'elle a aidé Kunzari à cacher le pouvoir des dragons. On dirait la dernière fois quand j'ai posé la question. Donc en fait, on n'est pas vraiment sur la lune, d'après ce qu'elle dit. Dans un endroit qui est une zone parallèle d'eux, mais c'est le pas truc, c'est que dans le monde des Elder Scrolls, lorsqu'ils parlent d'un plan, comme le plan d'Oblivion de Myrunes Dagon ou le plan de je sais plus comment ça s'appelle les autres plans, mais tu vois ce que je veux dire, les plans comme ça, c'est littéralement des objets célestes.
Alors la plupart sont ronds, mais le plan par exemple du fou, The Shivering Isles, les îles frémissantes, merde comment ça s'appelle en français, le plan du fou, celui qui mange du fromage, qui est débile, merci, le plan de chez Ogorat ressemble plus à un Japon plat qui dériverait dans l'espace. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est il est les îles Trémancides. Voilà, exactement. C'est sûr que son plan à lui, il est pas très réglementaire, si tu veux. Mais en même temps, c'est le dieu de la folie. Donc voilà, tout le reste, généralement, c'est des plans qui sont ronds et t'en trouves plein partout et tout le reste. Donc, quand il parle du plan de Jod, à mon avis, on est bel et bien sur la Lune. Zéro frame. Okay. Je ne comprends pas. Pourquoi les dragons accepteraient-ils de donner une partie de leur pouvoir ? Ici. Sur le plan de Jod, les souvenirs deviennent de plus en plus clairs à chaque instant. Kunzari a retourné l'ambition de Kaal Grantid contre lui. Le dragon cherchait le pouvoir du cœur de Jod depuis le début, mais Kunzari lui a proposé bien davantage que cela. Et qu'a-t-il proposé à Kaal Grantid ? Un moyen de combiner le pouvoir naturel du cœur de Jod avec la puissance mystique de ses loyaux dragons. L'ambition de Kaal Grantid fut sa perte. Et maintenant, il a enfin l'occasion de voler toute cette énergie emmagasinée. Nous devons l'arrêter. Si je puis me permettre, dernière virgule, après j'arrête de faire chier. Nous sommes sur Jod et Jod. J'arrive pas à les prononcer, mais voilà. Jod et Jod. Voilà, ce sont les restes du cadavre de Lorcan. Voilà, donc Lorcan, grosse création du monde, je refais pas tout le mérite, mais gros dieu, hein, on est d'accord, qui maintenant a été puni et endormi, et est donc devenu les deux lunes, car son corps a été séparé. Le cœur de Lorcan, dont Vivek tirait son pouvoir, et vous avez vu que Vivek, quand même, il portait le pagne, mais il le portait bien, était sur Morrowind. Un si petit artefact, quand même, qui était symbolisé par un cœur non mystique, et qui, plus tard, quand il sera détruit, retournera à l'Oversoul de Lorcan. Bon. Mais là, le cœur de Jod. Donc on est dans un autre cœur de Jod, et dans un autre cœur, entre guillemets, qui est beaucoup plus gros, parce que c'est un giga-cristal de fou. Donc imaginez un dragon, qui est déjà une créature bien pétée dans le lore des Elder Scrolls en termes de ah ouais, d'héritage, s'il chope ça, s'il a accès au Shim, si tu veux. Voilà, tu vois, tu voilà, c'est quand même... c'est fumé, si tu veux. Quand quelqu'un atteint un état divin, et tu sais que c'est juste un gars, c'est déjà pas mal, mais quand c'est Hercule qui atteint un état surdivin... alors là, ça me semble beaucoup. C'est fumé, voilà, c'est pour ça. Ok. Alors, entrons. Et du coup, entrons. Voilà, ouais, très bien. Et ben, pénétrons. J'aime beaucoup les petits trucs luminescents. Là. Ah, ouais. Ah, en fait, attends, ça part. Ces vermines reviennent nous importuner. Dévore-les. Certainement, mon frère. C'était pas Benoît Elmas, ça ? Si, c'était Tony. Viens manger du Frosties. Viens. Benoît. Viens. Ben, viens par ici. Viens. Qu'on te moleste avec la plus grande tendresse. Toi et ton chien. Des dragons à tuer et à retuer en famille pour toujours. On va lui mettre la max. C'est quoi ce truc? Et pourquoi on se bat contre un caillou? Ah, il m'a donné un crâne de butin. Ah oui, moi aussi. C'était un boss, ouais. Voilà. Les prêtres lunaires gardent encore ce lieu sacré. Oui, mais là, ils nous gênent, en fait. Ils sont bien mignons, les prêtres lunaires, mais Les prêtres lunaires. Il va y avoir un truc. Il y a la place pour un dragon là, non? Ça pourrait, oui. Allez, viens, on s'est mis dans un espace où tu peux poser tes grosses couilles pour qu'on tape dedans avec nos bottes de manière répétée. Un dragon de foudre? C'est nouveau. Aïe. Attention, il y a un. Ouais, là, il y a. Il y a une zone. Ouais, moi j'étais. T'es bloqué, moi. Ouais. Attention. Oh, il est beau! Ouais, il est pas mal. Oh, il est beau, le robot! C'est bon. Bon, on lui a mis la max, quand même. Allez, il y en a d'autres. Il y a des trucs en face. La map est magnifique. Des gardiens ancestraux. Aucun ne doit survivre. On s'écarte. Parade! On peut parler à Abnurtarn,
qui suit. La musique est cool. Hein. Qui suit chacun d'entre nous. Parlons à Abnur Tarn. Trouvez votre Abnur et parlez-lui. Moi j'en vois qu'un d'Abnur. Ben, ah oui, d'accord. 3, 2, 1, clic. Souvenez-vous, mon ami, je ne suis plus le mage de bataille d'antan. Je dois conserver la magie qui me reste pour un moment décisif. Donc, si nous rencontrons des obstacles, je vous laisse vous en occuper. D'accord. Bon, en même temps, on l'a laissé s'épuiser, hein, comme des cons. Parlons à Camira. Qui est avec nous, toujours. 3, 2, 1... Oui. Clic. Si nous devons combattre 5 griffes, soyez notre épée et notre bouclier. Tarn et moi devons conserver nos forces pour le combat final. Eh ben, ça va. Ça commande pas un peu bien. Bon, après... C'est la patronne. Ça vaut, j'avoue. Après, on me dit sur le chat, si Désastre avait accès au Chim... Ah oui, bah ouais. Mais je soupçonne c'est déjà le cas. Juste qu'il est pas au courant, c'est sans... Et on me rappelle que Gareth Finn n'est pas la grande montagne. Ah bon ? Oui, c'est un... C'est juste un général. C'est un messager, je crois, non ? Ouais. Ah ouais, tu marques un point. T'as les mecs qui conflatent le messager du roi avec le roi, si tu veux. Oh merde. Ne fais pas ça, pas de plus, Vermis. Oh la vache ! Esquive ! Ah oui, ça te pique un petit peu quand même. Alors j'ai esquivé, mais j'étais en plein dedans. Gareth, c'est l'orateur de la grande crinière. Voilà. D'accord, c'est bien. Ça. C'est la bouche de Sauron. Oui, mais. Si Sauron, c'est. Si Sauron, s'il avait des boules de poils, si tu veux. Couché. Je vais jamais trop regarder Sauron de près. Le cœur de Jod est proche. Ah. Là, il y a encore de la place. Ça atterrit. Putain, t'es parti trop loin devant. Ça atterrit. Mais oui, je suis nous, là. Mais... Ouais, restons ensemble pour les pour la partie. Bah, en fait, Bob était juste derrière moi, donc j'ai continué d'avancer. Ah non, j'étais pas derrière toi. Ah, je te jure que t'étais même devant moi, à un moment. J'ai mon stream qui fait foi. Là, pour le coup... Non, mais j'ai l'enregistrement, si tu veux. Là. Ça passera pas. Qu'est-ce que c'est, œil écrasant, c'est quoi ces trucs? Putain. Tout seul, ça doit piquer ici quand même, hein. Ouais, je crois que c'est un peu le but quand même, t'es censé te sentir pas si faible. Molestez-les ! Oh, un autre crâne à butin. Ouais, oh, un autre crâne à butin, c'est bon ça. Encore ! Esquive. Bien vu. Je le vois plus, il est là. Tu peux pas lui tirer dessus? Putain, d'où Jésus? Non, pour rien. Non, pas je de... crois qu'il faut continuer de descendre. Hein. Oui. Bah, écoute, allons-y. Ouais, faut avancer, ouais. Ah, parce qu'il nous pilonne, l'enfoiré. Hein. Il est très sympa, c'est pas le combat, en tout cas. Heureusement que les dragons sont complètement cons et viennent attaquer au cac, hein. Parce que s'ils restaient à flottiller au-dessus de nous et à nous bombarder avec des boules de feu, on pourrait rien faire. Dieu merci. Gal Grantid absorbe le cœur de Jod. Tant que la lune reste alignée, le pouvoir qui le traverse est inimaginable. Attendez, Amenez-moi à cette plateforme, Tarn. Je pourrais séparer les lunes avec les autels. Vous devez vous occuper de Moulamnir Saint-Griff. Je vais détourner toute l'énergie que je pourrais dans le corps du dragon, mais utilisez-le avec parcimonie. Attends, elle se casse ? Bah non, parce ils que... se cassent tous ! Parce qu'ils sont téléportés à gauche et à droite. Friandise. Ok, qui y va ? Bah, je pense que là, on peut y aller. Non, mais là, ouais, bah, dans ce cas, quelqu'un commence. Non, ah oui, on avait dit la dernière fois qu'on faisait ça en relais. On fait un relais. comment on détermine l'ordre ? C'est comme vous voulez. Bon, l'ordre, je sais pas, l'ordre des gens qui parlent, si tu veux. Vas-y, bah. Eh ben, dans ce cas, c'est moi, Crane, Elise et Désastre, tu l'achèves. Vendu ? C'est ça. Allez, je m'arrête à peu près au 3 quarts de sa life. C'est parti. Parle-moi, saleté ! Hulier ! Raté ! Tu payes ! Joel Fousdal ! J'ai été... Ah, merde ! Tout va bien ! Oula ! Tout va pas bien ! Si, tout va bien ! C'est toujours mon mien !
Oui, t'inquiète. Vous m'amusez, petit insecte. Je lui fais zéro frame. Ok, Mais... Il recommence. Ok, tout va bien. C'est vrai que tu lui fais pas grand chose. Eh oui. Ah, je vais mourir au bout d'un moment là. Mais j'ai pas l'impression que ça lui baisse. Hein. C'est peut-être moi, mais. Ça baisse. Si, si, moi je suis mort. Bah, René, vas-y. Rage, go for it. Go for it. Ah non, attends, j'ai ouvert. Oh, il y a eu un problème de touche, mon menu. Il a voulu ouvrir une caisse à couronne. Attends, ça parle. Ne laisse pas te vaincre, Moulamir. Oui, on fait le plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais il se transfère du pouvoir. Du pouvoir, là, ouais. C'est toujours ton tour, Crane. Dès que t'es revenu. Non, mais dès que t'es revenu, Bah, sinon, retourne dire aussi, c'est pas 75%. Hein. Ah là, y a personne. On peut s'occuper du petit spectre merde, là. J'imagine, Est-ce qu'on peut tuer Moulamir? Non, attends, c'est pas le bon, ça. On peut pas lui tirer dessus? Bah, non, apparemment. Non. Parce que eux, sur le côté, ils sont occupés à utiliser le pouvoir magique pour dépasser les trucs. C'est juste une phase de dodge, du coup. Et quelle phase à la con? Un autre lézard à la con. C'est parce que tu dis, ce sera ton tour jusqu'à 75% de vie, mais clairement, de nous tous, c'est moi qui fais le moins de DPS, mon cher. Bah non, mais clairement. Il y a un truc que je fais mal, sans doute, avec mon build, et les gens qui regardent tes os depuis le temps se mordent les couilles de voir mon perso. Il est à portée de flèche. Ah, le bouclier, rentrez dans le bouclier. C'est beau. Je lui fais du dégât, si jamais. Vas-y. Utilisez le corps du dragon. Mais ça vient pas beaucoup. Vas-y, ah, faut utiliser les corps de dragon. Oh là-bas, bah c'est bon. Quart de life. Vas-y, il est à toi, il est à toi. Vas-y, tape-le. Oh, ça fait mal ici. Loup-garou, c'est pas bien dans le... Ouais, il a une zone de foudre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouch. Aïe. C'est pas grave, vas-y. Ah putain, j'aimerais bien le connaître ce sort là dans Skyrim. Mais... Pour cracher de la foudre. C'est pas grave. VTP. Aïe. Tu tiens ou... Non, c'est bon. Ça tient pour les instants. Ah, mais... Attention, ouais. Ah, c'est pas facile pour... Ouch. Pas facile pour lui faire du damage, quand même. Hein. Il a de la base, hein. Non, mais je pense que... On est fait pour faire le damage au corps quand on dit de l'utiliser. Faut survivre jusque-là, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que je lui faisais du damage et toi aussi, mais juste tellement rien en fait. Ouais. Ça descendait quand même quand tu tapais Wabody. Oui, mais très très peu. Il va y avoir une autre phase de dodge. Ouais. À mon avis, ils vont se combiner et il va lui donner un peu de pouvoir parce qu'il fait que ça en fait, absorber la puissance. Pour voir. Ils vont faire fusion. Je sais pas, ils font une pause apparemment. Ils sont fatigués. Mais il est en train de manger le cœur de Jot, ce gros sac à merde. Oh là, il fait quelque chose. Si c'est, en fait, c'était une pause. Ouais, c'est ça, bah, il est plutôt jeune. Hein. Non. C'était la mi-temps. Il s'est rien passé. Pas le quart de temps. Oh merde, ça y est, c'est bon, il se réveille, aïe. Tout va bien. La foi. Bob, bouge pas parce que t'es entouré de poudre. J'ai vu. Et les petites baisses. Fallait pas rester là. Hein. Aider à vider un peu les boîtes. C'est encore plus épique à l'intérieur. Oui, mais oui. Oula! Un atronach d'air. Ah oui, vas-y. Il est pour toi. Après, on peut passer le flambeau à Elise. Écoute, pour faire tourner les. Pour faire tourner les, ouais. Les frames. Bah, moi, je peux pas venir au centre. Vous êtes là dans la foudre. Il va buter l'atronach. Ouais, bien joué. Vas-y, allez, switch. Vas-y.
Le switch. C'est parti. Vas-y, on te regarde. Ouais, bah j'attends qu'il atterrisse, hein. Ah, voilà. Ah merde, merde, là, Laura, 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 là. Sauve. Ah bah non. Pas de pause. C'est bon. Alors que tu utilises le corps, je pense. Pour l'instant, il n'est pas là, le corps. Le corps du dragon. Vas-y, point. Contre Moula à venir. Point. Ouh, putain, oh la vache. Ah, il est zéro life. Pardon. Ah oui. Bah, vas-y. Pas s'achever ainsi. Désastre. Désastre, avant qu'on lui tue, s'il te plaît. Ouais. GG désastre. J'ai tout fait, franchement. Ok, attendez, il en reste un. C'était l'apéritif. Tu es Mulamnir. Je dois conclure le rituel. Attends. Jaune et Jaude, entendez-moi. Désormais, ce pouvoir m'appartient. Séparez-vous et reprenez votre danse éternelle. Maintenant, cinq griffes, donnez le corps. Vous avez réussi, Kamira. Vous avez interrompu l'éclipse. Mais... à la porte lunaire est fermée. Nous sommes piégés, oui. Mais Moula Amnir est mort et Kaal Grontid a été vaincu. Bah, il est pas mort. Il pourrait être très vaincu, là, Kaal Grontid. Au dernier endroit où on regarde. Kaal Grontid, je me demande... Je suis heureux de vous voir, Cadwell. Venez, Kamira. Votre peuple attend sa reine. Merci, mes amis. Pour tout... Mais... Merci pour... Apparemment, on m'a dit que c'est buggé et qu'il était censé mourir. Mettez-lui des flèches. Ah. Oui, parce que clairement, il est pas en train de mourir, là. Par dépit. Voilà, c'est ça. Merci, Craig. En gros, c'est parce qu'on a tué son frère, du coup, il meurt, c'est ça? Non, c'est le corps. Le corps les tue, si tu veux. Ah oui, ça, c'est comme Dracula dans Castlevania. Tu peux le tuer qu'avec un fragment de son propre pouvoir, si tu veux. Bah vas-y, me bug pas ma quête principale, là. C'est pas grave, c'est brave. Craig, sois gentil, mets-en deux pour moi aussi. J'ai pas d'arc, je fais bien ce que je peux, mais... Oh, il y a un mur invisible, on peut pas sauter. Bien jeter des pioches, mais voilà, c'est... Bon, dans tous les cas, okay. Il sera scellé ici, seul, pour l'éternité, sur une lune dans laquelle qu'il ne pourra jamais quitter, avec un pouvoir qu'il ne pourra jamais atteindre, scellé par le cœur du dragon. Moi, dans mon lore, je suis content. Elsewhere. Ouais, c'est un peu comme le rocher de Sisyphe, tu sais, il roule son rocher, mais il redescend toujours la montagne, il pourra jamais bouffer. Lui, il mange, mais il a toujours faim. Ou c'est comme... Son ventre ne se remplit jamais. C'est comme Garlic Junior dans Dragon Ball et la Dead Zone. Voilà. Référence obscure. Très bien. Maman me dit, il s'en va, il est pas mort, il s'en va, en fait. Garlic, je vois, Ah, on ne sait pas ce qu'il devient comme la Team Rocket. Et ben pour l'instant, on sait ce qu'il devient. Il continue à manger l'espèce de grosse couille bleue. Et comme c'est un régime exclusivement fait en cailloux, au premier caca qu'il va se taper, il va être kéblo sur la lune pendant un bon moment, je pense. Ça parle. Non, mais j'imagine que c'est le cliffhanger avant Sud-Elsewhere. Ça parle. Ah, moi, ça parle pas. Mais. Reine Kamira, êtes-vous blessée? Je vais bien. Ce n'est que de la fatigue. Mais regardez, les lunes ne sont plus alignées. Parlez-moi des dragons, des Euraxiens. Quel est l'état de nos forces? D'après nos éclaireurs, le gros des Euraxiens et des dragons ont pris la fuite à la séparation des lunes. Nos troupes ne sont pas revenues, mais la Grande Crinière a envoyé une émissaire. Une émissaire de la Grande Crinière? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre affaire à régler. Ok, moi c'est fini. Ouais, moi c'est fini aussi. Très bien, une émissaire de la Grande Rainière et Bubur se barre. Avant de parler à Kamira, est-ce qu'on parlerait pas à Bubur justement? Si tu veux, il est là-bas. Je pense qu'il faudra aller lui parler juste après. Cadwell s'est cassé, voilà, très bien. Écoute. C'est qui ça? Non d'accord, c'est un joueur. 3, 2, 1, clic. Après toute cette excitation, j'aimerais faire une sieste. Une longue sieste. Venez me voir si quelque chose nécessite ma présence. Sans cela, j'aimerais rester seul un moment. En même temps, j'aimerais bien pouvoir faire le pouvoir qu'il a fait. Hein, c'est-à-dire le gros bouclier. Gros bouclier stylé. Il te ressemble de plus en plus après une convention. Hein. J'avoue.
En même temps, les dragons, ils ont pris des douches, si tu veux. Donc, c'est pas la même chose. Du coup, Camira, 3, 2, 1, clic. Nous avons réussi, Cinq Griffes. Nous avons remis les lunes en mouvement et vaincu Moula Amnir et Cal Grantid. J'aimerais vous remercier pour tout. Elsewhere est en sécurité grâce à vous aujourd'hui. Bah, désastre. C'est à qui, je sais plus. C'est à toi. C'est à moi. Comment avez-vous compris comment déplacer les lunes, Camira ? Le simple fait d'être sur le plan de Jod a clarifié les souvenirs hérités du temple de la danse d'ombre. J'ai vu le rituel dans mon esprit et je l'ai suivi. Dommage que le corps du dragon n'ait pas survécu. Au moins, il a tenu le temps de bannir Cal Grantid. Sommes-nous vraiment certains d'avoir vécu Cal Grantid ? Il paraissait très affamé à la fin. Il grandissait à chaque once de pouvoir qu'il absorbait. Mais le corps l'a chassé du cœur de Jod, ce qui m'a permis d'achever le rituel et d'interrompre l'éclipse. Hormis cela... nous nous en inquiéterons un autre jour, oui ? On l'a jamais vu grossir, Cal Grantid. Bah, il est la même taille que le. Je pense qu'il veut qu'elle parle de la puissance, peut-être. Je pense qu'elle parle de grossir, ouais. Genre il mangeait des cailloux, donc c'était vraiment. Tu sais, ça se voit pas, mais il finira par l'avoir. Il a pris du poids. Il finira par l'avoir sur les cuisses un jour, ouais, c'est clair. Pourquoi la culotte de cheval ? Pourquoi la grande crinière a-t-elle envoyé une émissaire ? Je ne peux pas devenir reine sans la bénédiction de la grande crinière. Mais c'est mon problème. Pour l'heure, reposez-vous. Nous devons rendre hommage à nos défunts et découvrir ce qu'il est advenu de nos troupes à la porte lunaire. Et après cela, nous saluerons l'aube nouvelle qui se lève sur Elsewhere. Accomplir la quête. Nous avons accompli de grandes choses, mon ami. Nous avons renversé le tyran Euraxiatarn, vaincu Zumokfum, ainsi que le traître, et même tué au moins deux dragons, en plus de déplacer les lunes. Si seulement je pouvais perdre ce terrible pressentiment. Mais qu'est-ce qu'il y a, Camira ? T'as pas envoyé ta fiche d'impôt à temps ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel genre de pressentiment exactement ? Justement, rien d'exact. J'imagine que ces craintes ne se dissiperont que lorsque je saurai où sont Garechri, Zamarak et même le préfet Kalo. J'aimerais retourner à la porte lunaire, mais d'autres affaires réclament mon attention. L'émissaire de la Grande Crinière, par exemple. Vous pensez que vos compagnons ont pu succomber à l'attaque contre la porte lunaire ? Je n'en ai aucune idée, justement. Lune, ce que j'ai mal à la tête. L'effort que j'ai produit au cœur de Jod n'était pas sans prix. Cinq Griffes, pourrais-je vous demander de vous renseigner sur le sort de mes soldats et de nos amis ? Au revoir. Nous allons découvrir ce que sont devenus nos compagnons et les soldats de la Porte Lunaire. Merci pour votre aide, mon ami. Allez découvrir ce que sont devenus Garechri et les autres, et revenez me le dire. De mon côté, je vais souffler un moment avant de retrouver l'émissaire de la Grande Crinière, ou de m'inquiéter pour les autres dragons. Comment ça, la menace des dragons n'est pas levée ? Loin s'en fait. Mais sans Cal Grantid et Moula Amnir pour les diriger, ce sont des bêtes solitaires, sans plan d'envergure. Des bêtes colossales et dangereuses, certes, mais plus la force écrasante que leur chef avait constituée. Difficile de croire que tout ceci a commencé par une antique légende argonienne. Il y a peu de différence entre les mythes et l'histoire pour les Khajiits Cinq Griffes. Qui pourrait dire si Euraxia a découvert la tête du traître grâce aux histoires de Kunzari, ou si Zumokfum a ranimé la tête puis ainsi a pris les récits. Au revoir. C'était réel ce que tu disais, c'était réel ce que tu disais, ou c'était juste une vanne dans le sens où qu'est-ce qu'on avait trouvé quand on avait fini non, le marais noir ? On n'avait pas trouvé une plaque justement ? Ouais, mais c'était dessus, c'était des Khajiits, tu sais, qui montraient qu'il enfermait les dragons et tout ça, là. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Non, t'as techniquement raison. Oui, c'était chez les Argoniens, c'est du coup. C'est ça, techniquement, t'as raison, hein. C'est pour ça que moi, sur le coup, j'ai biffé, mais je me dis, attends, wait,
Wait. Du coup, retournons à l'entrée de la ville. On ensemble au cas où il y a un dialogue. Bien sûr. Ouais. Restons close. En boîte. Pas de sprint, hein, vitesse de course normale. Je vous suis. Pépère. Attends, c'est par où? Wait. Oui, moi je suivais Bob comme une idiote. Non, il faut revenir, ouais. Attends, bourre pas trop des astres. Au pire, on se donne rendez-vous au TP, hein. Bien sûr. Ça n'a pas de soucis. Impeccable. Yeah! C'est bon, il y a tout le monde. N'approchons pas trop vite. Bon. Ça parle pas, tout va bien. Ouais. Parlez à vos... Mais il est pas... Ah oui, non, il est pas mort. Parlez à vos compagnons, ils sont... Ah, ils apparaissent, d'accord, excuse-moi. Bah, ils sont là. Mais ils apparaissent, moi, avec le décor, si tu vois. Plus voilà. En retard. C'est ça. On commence par qui? Ce mec, bon, là, chauve, nickel. Il me paraît... Putain, il est beaucoup trop sérieux. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure de parisien? C'est honteux. C'est pas grave. Du coup, je prends pas le mal parler. On commence par le préfet Calo. Allez. Le Calo de ses morts, allons-y. 3, 2, 1. Le Calo de ses morts. Oh, c'est vous. Content de voir que vous êtes encore des nôtres. J'imagine que vous avez contribué à séparer les lunes. Attendez, je dois finir mon rapport. Il vaut mieux tout noter quand on a la mémoire fraîche. C'est ce qui m'a amené. Camira veut savoir ce qui s'est passé quand nous avons franchi la porte lunaire. Tout est dans mon rapport. Nos troupes ont vaillamment tenu leur position. Nous avons perdu de nombreux bons soldats, Khajiit comme impériaux, mais nous avons accompli notre devoir. Nous avons massacré les Euraxiens par dizaines et repoussé les dragons jusqu'à ce que les lunes se séparent. La fin de l'éclipse a eu des conséquences? Elle a été cruciale pour notre survie. Lorsque les lunes se sont séparées, les dragons se sont éparpillés. Ils ont semblé perdre leur cohésion, leur volonté. Ils ont interrompu leur attaque et sont partis. Il était temps d'ailleurs. Nous avions épuisé nos forces et nos munitions. Et les Euraxiens, qu'ont-ils fait? Ceux qui avaient survécu à la charge de Zamarak ont perdu tout courage lorsque les dragons ont quitté le combat. Ils se sont éparpillés comme des scarabées, dans toutes les directions. Je doute qu'ils donnent beaucoup de mal à la milice dorénavant. Que vont devenir vos irréguliers de Cygnus à présent? Nous avons encore fort à faire pour soigner les cicatrices de ce que Raxia et ses mercenaires ont fait. Je vais proposer nos services à la reine Camira et au seigneur Garechri. Qu'ils nous utilisent là où nous serons les plus utiles. Donc, vous allez aider à défendre Elsewhere? Si c'est ce dont ils ont besoin. Mais les irréguliers de Cygnus sont avant tout des ingénieurs, des éclaireurs et des formateurs. Dans un royaume à rebâtir, nous avons mieux à offrir que nos lames et nos boucliers. C'était notre mission originelle, aider Elsewhere. Et prendre le pétrole, probablement. C'est des impériaux. C'est qui en deux? La grande crinière? On va finir par la grande crinière, moi je veux parler à Zamarak. D'accord. Allons-y. 3, 2, 1, clic. Je suis heureux de vous voir, mon ami. Quand vous êtes entré dans la porte lunaire à la suite des dragons, j'ai cru que tout était perdu. Mais les lunes se sont écartées et soudain, tout allait bien. Camira nous envoie apprendre de vos nouvelles. Aucune surprise. Nous avons tenu tête à la marée euraxienne et aux nécromanciens et repoussé les dragons du mieux que nous pouvions. J'ai laissé les vents du désert couler dans mes membres et mes griffes pendant que les soldats se ralliaient à mes côtés. What? Vous avez vaincu les Euraxiens? Entre la milice Khajiit et les irréguliers de Cygnus, nous les avons tenus en respect. Lorsque les lunes se sont séparées, les Euraxiens ont rompu leur attaque et se sont égayés. Ils nous causeront certainement des problèmes, mais plus de menaces pour le royaume. Et les dragons? Je ne sais pas. Le gros de l'affrontement contre les Euraxiens a eu lieu sur la corniche haute. Le préfet Calo a pris le contrôle des balistes. Il vous en apprendra certainement davantage. Je sais seulement que lorsque les lunes se sont séparées, les dragons ont rugi de rage et pris la fuite. Et qu'allez-vous faire à présent, Zamarak? J'espère devenir la griffe de la reine Camira et défendre le trône comme j'ai appris à le faire. Si elle ne veut pas de mon aide, eh bien,
Garechri a de nombreux projets pour améliorer la vie en Elsewhere. Je me ferai un plaisir de l'aider au mieux de mes capacités. Alors, d'où Camira, elle te voudrait pas... d'où elle te voudrait pas à droite de son trône? D'où elle voudrait pas que tu sois le père de ses enfants, si tu veux? Ah, peut-être parce que le bébé... regarde bébé, enfin, regarde chérie, il tape dans mon ventre, il donne des coups de pied. Sauf qu'en fait, le bébé, voilà, c'est ça, voilà. Voilà, ça va finir comme dans Alien, ça va être dégueulasse. J'avoue. Mais non, Bob, c'est pour détruire les murs qu'elle a érigés autour de son cœur. Ouais, sauf que lui, Eric le Grand, là, détruire les murs érigés au cœur de cœur, c'est peut-être, il va peut-être le prendre de la manière littérale en lui faisant un direct dans la cage thoracique, si tu veux. C'est peut-être risqué. Enfin bon, allons-y. 3, 2, 1, clic. C'est un plaisir de vous voir, Saint-Griff. Nous rentrons tout juste et je n'ai pas encore remis mon rapport à la reine. Camira va bien, n'est-ce pas? Nous avons vu les lunes se déplacer et l'éclipse s'achever, mais nous ne savons pas ce qui s'est produit par-delà la porte lunaire. Alors, lui, je l'aime bien, parce que je sais pas vous, mais moi, je vois le lion, là, il est blessé. Et derrière, il y a un gars en jaune, qui est les deux mains sur les genoux, et qui est là... moi, je le vois, il est là, sans déconner, plus jamais. Engagez-vous, qui disait. Vous verrez Elsewhere, qui disait. Et on le sent moi, dans le désespoir. Moi, je suis d'un côté qui se tient le bras. Ah, d'accord. C'est à Elise. Camira va bien. En fait, elle m'envoie prendre de vos nouvelles. Quand j'ai été pris dans l'onde de choc du dragon, Zamarak a soigné mes blessures et pris le commandement des soldats qui défendaient la corniche supérieure. Je le regrette, mais je n'ai pas assisté à toute la suite des événements. Donc vous n'avez aucune idée de comment la bataille s'est terminée. Je sais que je suis en vie et heureux de rentrer à Rimmen. Les lunes soient louées. C'est un miracle que la ville soit à nouveau libre. Si vous voulez savoir ce qui s'est déroulé ensuite à la porte lunaire, demandez à Zamarak et au préfet Kalo. Vous voulez que notre lézard vous examine? Vos blessures. Vous avez besoin de voir des guérisseurs? Certains de mes soldats auront davantage besoin de leur service, mais quelques heures dans les sources apaisantes pourraient me rendre mes forces. Et j'en aurai besoin. J'ai fort à faire pour aider Camira à rendre sa splendeur à Ankina. Au revoir. Bon. J'ai imaginé littéralement Zamarak libérer le cœur de Camira, genre le prendre, faire et maintenant il est libre. Voilà, c'est ça. Non, moi je me marre en imaginant Désastre qui ausculte que Garechri, mais tu sais, de manière trop bizarre à la Zoidberg, genre il lui saisit le bout de la queue et fait Toussez. Et puis tu sais, il tousse et fait Mais. C'est ma queue, ça n'a rien à voir avec... Attendez. Puis là, il lui reste un point de pression. Et tu sais, ça le soigne. Tu sais, ça marche, en fait. Le mec, c'est une fraude, mais il fonctionne. Tu sais pas comment ça marche. Le gars, il a appris trop de trucs secrets, il est trop fort. Retournez au palais. Pourquoi il y a plein de petites... Retournez au palais, mais ça nous dit d'aller là-bas. Ouais, ça nous dit d'aller à... Ça me dit d'aller à l'eau sanglot. Ah, c'est une autre quête, je pense. J'espère, parce que... Ça, c'est vrai, qu'est-ce que j'irais foutre à... Non, moi, ça me dit bien d'aller au palais, hein. D'accord. Mais moi, qu'est-ce que j'irais foutre à Mournhold? Que ferait un dragon près de la porte lunaire? En avez-vous la moindre idée? J'aurais aimé avoir la réponse à toutes les questions. Étranger, je dois m'entretenir avec vous. Ça parle, très bien. Méchante. Impeccable, elle est là. Et je ne comprends pas ce... Ah oui, c'est la fameuse émissaire, d'accord. Une de mes amies affirme qu'un dragon a voulu absorber le pouvoir de la lune. Kachia. Vous êtes tous là? Non, manque Elise. Ah non, c'est bon. Si t'as une onde pour les 23 mois. 23 mois? Ok. Ah oui, la plèbe voulait qu'on ouvre des caisses. On lui parle là-bas? Comme tu veux. On lui parle. 3, 2, 1, cache! Je ne m'attendais pas à remettre un jour les pieds dans la capitale d'Ankina. J'espérais bien que la milice serait un jour victorieuse, mais je ne pensais pas qu'elle avait une chance face à l'usurpatrice. J'ai cru comprendre que vous aviez joué un rôle capital dans ces événements, oui? Ah, donc c'est un signe distinctif que d'avoir de la pâture à travers la gueule, hein. Ça veut dire que t'as un rôle auprès de la Grande Crinière. Ou alors, où je comprends plus rien, mais... Désastre? Oui. Okay. Nous avons aidé à renverser Euraxia, vaincu le traître et arrêté les dragons sur le plan de Jod. Vous avez accompli de tels exploits, touché le visage de Jod. Je reste bouche bée. Malgré tout cela, la Grande Crinière m'envoie déterminer ce qui va se passer à présent. Où est le seigneur Garechri, orateur de la Grande Crinière?
Garestri est allé voir le guérisseur en rentrant du combat. Que voulez-vous dire par ce qui va se passer à présent ? Les guérisseurs ? Merci, Cruella. J'espère que l'orateur n'est pas grièvement blessé. Quant à votre question, nous devons rapidement régler la succession d'Ankina. Je dois déterminer si Kamira est l'héritière légitime du trône et si elle l'est, appuyer son couronnement. Elle a bougé les lunes, c'est pas... C'est voilà quoi, c'est un peu... Ça. C'est voilà, c'est comme Harry Potter quand on lui fait passer ses examens en fin d'année après qu'il ait tué nazi Hitler. c'est un peu... C'est un soldat qu'agite d'ailleurs ou c'est un perso lambda qui est une armure chelou, pas habituelle? C'est un soldat qu'agite. D'accord, il n'a pas l'armure habituelle. Pour ça. Elle est la seule fille survivante du roi Emakar. Cela n'en fait pas automatiquement la reine. Certainement, mais n'importe qui peut en affirmer autant. C'est une grève du miaou. Pour se faire accepter miaou, par les Khajiits, elle doit être reconnue par la grande crinière. Puisque Garestri est indisposé, acceptez-vous d'accompagner Kamira et de vous porter garant de son héritage? Si vous acceptez, dites-lui que je suis prête à la rencontrer. Meuf, si on m'expliquait... Pardon, je t'en prie, mais si on m'expliquait que le Éric le Grand, là, l'autre chat, je sais plus comment il s'appelle, Camara, non, Kama, non. Zamarak. Zamarak, voilà, que Zamarak, c'était le fils d'Hercule, tu sais, il y a du crédit, quand même. Ça déconne zéro. Enfin bon. Mais surtout, tu demandes pas au premier venu de témoigner pour la légitimité de ta reine, quoi. Ouais, elle a bougé les lunes, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Enfin, bon. Nous allons prévenir Kamira. Miaou. Avant que vous ne rejoigniez Kamira, j'ai une dernière demande. La grande crinière m'a confié une lettre cachetée pour Abner Tarn, mais il refuse de me recevoir. J'ai cru comprendre que vous étiez proche. Vous pourriez peut-être lui remettre cette lettre? Il refuse de me recevoir, je pense que c'est ta coiffure qui l'a offensé en fait. Il a vu ça devant et a fait « Oula ! Oula non !» Je peux remettre la lettre, mais pourquoi la grande crinière écrit-elle à Bubure ? Les détails ne concernent que Tarn. Mais je pense que c'est en rapport avec l'éclipse artificielle et son impact sur la société Khajiit. Oh merde ! Les lunes ont une grande importance pour les Khajiits qui naissent sous leur lumière. Alors, que deviendront ceux qui sont nés pendant l'éclipse ? Pop quiz ! Ah oui ! Voilà, vous vous souvenez de ce détail ? Voilà. Et là, il y a peut-être le Kwisatz Haderach qui est né en fait. Tous les autres bébés ont dû mourir, mais il y a un Kwisatz Haderach qui en sort, si tu veux. C'est-à-dire le Khajiit, avec un L majuscule et un K majuscule, si tu veux. Oui, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y aurait plusieurs Khajiit qui naissent en même temps? Normalement, les autres meurent, mais ils ont peut-être retcon ça. Et puis, on ne le sait pas, parce que après tout, c'est le seul jeu qui se plonge autant dans la culture Khajiit, donc ils peuvent retcon tout ce qu'ils veulent, si tu veux. Oui, non, mais admettons qu'on garde les anciennes et les anciens écrits. Il meurt à la naissance et il y en a un qui survit. Et celui qui survit, généralement, il tire des lasers avec les yeux, si tu veux. Oui, non, mais comment il est choisi? Pourquoi lui au pif? Pour la même raison que tu joues le Dovahkiin, pour la même raison que le Nerevarine, pour la même raison que le Undine, même raison que. Les dieux peuvent se balader et tu as pu littéralement leur parler. On est allé sur la Lune il y a 10 minutes. Est-ce que ça te paraît. Ça te paraît grotesque l'idée d'un destin, si tu veux? Enfin, je. Je pense qu'à ce niveau-là, voilà, c'est comme Ganondorf, exactement. Voilà, c'est. Après, tu prends l'exemple du Kwisatz Haderach, mais c'est la même chose. Du coup, tu crois qu'il y en a un, puis c'est pas forcément, y a pas forcément que lui. Semi-objection, parce que le Kwisatz Haderach, celui qui était le vrai Kwisatz Haderach, c'était le fils du Kwisatz Haderach qui avait été reconnu, si tu veux. Donc quelque part, tu sais, c'était. Oui, mais c'est pas tombé très loin en même temps à un moment. Donc ils peuvent survivre. Oui, mais c'est pas tombé très loin de la pomme, si tu veux. Voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un prolo qui a popé sur une autre planète en même temps. Non. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que ça a donné, à quoi il va ressembler, et surtout, merde quoi. Normalement, c'est un mec, il peut déglinguer des dragons, enfin en termes de power level. Ouais, mais il se peut qu'il y en ait aucun qui soit né à ce moment-là aussi. Bon, c'est des Khajiits. Tu sais combien de chatons tu sais combien de chatons. Tu sais quelle portée. Ok. Tu sais la portée qu'a un chat normal. Enfin, voilà, c'est pour ça. Mais normalement, pour parler en termes d'EBZ, c'est Broly. C'est le Broly. Il est là, il est né, il a 10 000 de power level. Très bien. Donc c'est fumé. L'éclipse, je ne comprends pas. Quelle qu'ait été la cause de l'éclipse, Jon et Jod étaient unis.
Lorsque cela se produit naturellement, un enfant né au bon moment peut devenir la nouvelle grande crinière. Mais pendant une fausse éclipse, la succession devient problématique. La grande crinière espère que Tarn pourra expliquer les implications arcaniques. Merde, c'est Crane qui avait raison. sans offense, pour le coup, c'est toi qui avais raison avec l'existence de deux Kwisak Haderach, enfin de deux élus en fait. Mais là, il y en a un qui est vrai et un qui est faux. Mais est-ce que le monde reconnaîtra que c'est faux? Est-ce qu'il y a une question de mentalement? Parce que normalement, ça arrive tellement rarement que la première grande crinière a le temps de crever. Tu sais, ça pop tous les 300 piges en fait. Tu sais, c'est comme Athéna. Non. Et puis il n'y en a pas un qui est vrai et un qui est faux. C'est l'éclipse qui à la base est fausse. Ce qui en échoue n'est oui, pas mais faux. Est-ce que ça fait un anti-pape? Ça reste une éclipse. Ouais. Tu vois, est-ce que ça fait un anti-pape? Est-ce que ça fait un contre-pouvoir? Et effectivement. Là, c'est l'inverse en fait. Harry Potter est en vie, mais là, il y a Voldemort qui vient de naître en fait. À l'instant, peut-être. C'est pas. C'est bizarre. Mais... ok, continuons le lore. 16 000 références. Moi, j'essaie de. Voilà, je pop, écoute, si tu veux. Voilà. Et pourquoi la grande crinière n'est-elle pas venue couronner Camira en personne? La grande crinière ne peut pas être partout en même temps. Voilà à quoi servent l'orateur et les émissaires. Pour l'heure, les devoirs de la grande crinière l'écartent d'Ankina. Mais son cœur est dans tout elsewhere à la fois. Et maintenant, allez porter la lettre à Abner Tarn, s'il vous plaît. Au revoir. Alors quelqu'un... Oh, heureusement qu'elle a mis un s'il vous plaît, parce qu'elle était un peu à nous prendre de haut, là. Quelqu'un pose la question. Qu'est-ce qui se passe si un Khajiit naît sur les lunes? Eh ben, ça a été enregistré, ça, déjà, dans un autre récit, roman et machin, c'est tout. Et les Khajiits qui naissent sur les lunes sont quand même affectés par les lunes qui tournent autour de Mundus. C'est-à-dire qui tournent autour de notre planète. C'est-à-dire qu'en fait, même si t'es sur la lune, t'es affecté par les cycles lunaires terrestres. Donc ça change rien. C'est pas logique, je sais, mais c'est leur explication, c'est comme ça, c'est magique, ta gueule. Le soleil est un trou dans l'espace. Voilà. Donc Il y a qui sont à l'extérieur. Let's go. Abner, vous devez absolument rester pour la cérémonie. On n'a pas tous les jours l'occasion de voir un joli chat recevoir une couronne. Baliverne, et ne m'appelez pas Abner. Je pense que Camira sera heureuse de me voir partir. Comment ça, m'appelez pas Abner? Tu veux qu'il t'appelle comment? Tarn. Monsieur Tarn? Ma couille. Frère. Bubur. Bubur qui va à la salle. Alors je tiens à dire par contre... Cadwell. Attends, il y a un joueur là qui s'appelle Elana Tilsayan, ouais. Qui est un lézard, et sans déconner, elle nous met la max visuellement. Voilà, c'est pas un lézard? Non, attends, c'est pas un lézard. Non, c'est un lézard, on dirait que c'est une queue, mais c'est l'épée. Ouais, c'est l'épée, ouais, dans ce cas-là, je me suis trompé. Mais son armure, l'armure qui est d'une beauté absolument folle. Enlève le casque pour voir, sinon la curiosité va me tuer. Pas le casque, n'enlève pas le casque. C'est quoi ça, c'est breton? C'est breton ou c'est breton, impérial? Ouais, c'est breton. Je suis pas sorti avec la tenue. Ouais. C'est stylé. Dans tous les cas, voilà, la couleur est on magnifique. On parle à Cadwell. Cadwell, très bien. 3, 2, 1, clic. Faites-lui entendre raison. Abner ne peut pas se défiler comme un voleur. Ça manque de dignité, et c'est grossier en plus. Parfois, je me demande ce qui passe par sa tête si géniale. Très bien. Moi, je sais ce qui passe par la nôtre. Les caisses. Allez, deux petites caisses. On arrête de lui parler? Juste après. Ouais. De quoi on arrête de lui parler? Mais on lui a pas parlé à Abner. À Cadwell, là. Ah. Elle s'est gourée. Bon, c'est pas grave, on la rejoint. À la prochaine. Parlons à Bubu, on ouvre les caisses juste après. D'accord. Ok. 3, 2, 1, clic. Cadwell et vous ne savez vraiment pas vous arrêter. Personne n'aurait dû remarquer que j'avais quitté Rimmen. Bien sûr, peu de choses se sont passées comme prévu depuis que la tablette de Rashpierre s'est reconstituée. Oui, non. Vous partez, Tarn? Je ne suis ni sentimental ni épris de cérémonies en grande pompe. Mon séjour à Elsewhere m'a montré que j'avais des limites. Je ne suis plus le mage de bataille que j'étais dans ma jeunesse. Et puis, j'ai horreur des fêtes. On bavarde, il y a des discours, des petits fours. C'est insupportable. Vous ne voulez donc pas être là quand on couronnera la reine Camira? J'ai vu une jeune femme remarquable devenir monarque. Elle est déjà reine. Le reste n'est qu'une cérémonie. Je me suis assez attardé ici.
vous fûtes un compagnon de route acceptable. Je ferai sans doute à nouveau appel à vous un jour. Fut, laissez mon pantalon en dehors de ça. J'ai une lettre pour vous, de la part de la grande crinière. Bonne question. Il n'y a pas de question. Les Khajiits nés sous une éclipse forcée s'inscrivent-ils dans la ligne de succession des grandes couronnes? Mais cela confirme mes soupçons. Je dois me rendre plus vite à Pélitine. Je suis sûr que nous nous reverrons. En attendant, portez-vous bien. Pélitine, ville capitale du sud des Khajiits, ouais. Bonne chance, Tarn. Nous avons accompli de grandes choses. Mais je crains que Kaal Grantid ne se rappelle bientôt à nos bons souvenirs. Je dois me pencher sur des nouvelles venues du sud. Vous avez une reine à couronner. Emmenez Cadwell et gardez-le à l'œil. Et dites à Camira qu'elle fut admirable. Vous pensez encore que Kaal Grantid représente encore une menace? Nous n'avons pas trouvé son cadavre. Et rien n'indique qu'il se soit échappé de Jod, comme nous l'avons fait. Il avait absorbé une énergie remarquable pendant l'alignement des lunes, après tout. Je vous ferai appeler quand j'aurai confirmé mes soupçons. Au revoir. Nous avons accompli de... Très bien. Bon, bah, des caisses. Des ah, caisses. Non. Quoi, bonjour, quoi, non. Et bonne fortune à vous. C'est ça qui me fait... Désolé, on a quitté inopinément. Ah, super. Ouvrons des caisses pendant qu'elle est pas là. Dis quand on y va. Oui, attends, j'ai foiré mon truc. Voilà, très bien. Des caisses, c'est parti. 3, 2, 1, clic. Le destin. Sauce nous, chaton. Instant, le mieux que j'ai eu, c'est du bleu, et c'est toujours du bleu. Ça, c'est vraiment la dope ce soir. Hein. Ouais, j'avoue, la misère de l'hiver. 100% de doublons et que du bleu. Un parchemin de la Côte d'Or. Bravo. Bon ben, j'ai plus la chance vous suivre. J'ai plus assez de place, il me manque une place. Attends une seconde, que je mange un Gefeltefish. Un miel pops là, je peux manger un miel pops. Ouais, je peux le convertir. Est-ce que je peux les convertir en gemmes si tu m'accordes une seconde? Une caisse allez, peut contenir toutes sortes de récompenses merveilleuses. Dans la boutique à gemmes, vous pouvez parcourir cette merveilleuse sélection et même acheter des récompenses avec les gemmes que vous obtiendrez. Je m'avais pensé récemment des gemmes. J'ai acheté le. Vous pourrez échanger la tenue, le déguisement complet. Erreur de sang, échec de connexion, veuillez réessayer. Si le problème persistait, merci de contacter le service d'assistance. Aïe. T'es dans la max en fait. Hein. Je vais vraiment tout quitter et relancer. Ouais, bien sûr. Même le launcher. Déco, tout ça. Ok, je peux relancer. Je peux rouvrir une. C'est peut-être le temps que ton perso disparaisse du jeu. Ouais, sans doute. Ouais. Je peux rouvrir une deuxième caisse en attendant, Craig. Tu sauces. Contiennent 4. Allez, c'est parti. Tu sauces. Allez, ça, sauce, vas-y, désastre. Sauce nous. Spécial. Allez. Oulala. Oh, oh la bleu carte de bonus. Oh, deux épiques. Bien mérité. Oh, il y a un truc que j'ai déjà. Le chat de la maison hantée. Spécial dans la boutique à gemmes. J'ai gagné un chat avec un tatouage de Kiss. Ah, oui, je l'avais. La pire ouverture. Il a deux cartes violettes, désastre. Et c'est deux parchemins. Oui. Cette symétrie parfaite à l'écran, quoi. Ah oui, c'est magnifique. Rien que pour ça, c'est magnifique. Regardez mon chat, il est beau. Regarde ça. Avec son petit masque blanc sur la tête. Ouais, il est mignon. T'as vu, je peux le faire s'asseoir aussi. Regarde, il suit. Hop, 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 hop. Il fait ça, ton cochon, si tu t'assieds. Je sais pas. Mais tu t'assieds pas, tu te mets en. Accroupi, ouais. Non, il bouge pas. Ha! Mon chat est plus intelligent que ton cochon. Après. Bon, mon cochon. Enfin, je sais pas, mon cochon, il se dit, ça sert à quoi? Il est en train de faire l'idiot à s'agenouiller, là. Pourquoi je fais la même chose? Eh ben écoute. Donc, non, je pense qu'il est plus intelligent, mon cochon. Ben, c'est pour ça que les chats, on les a domestiqués et que les cochons, on les bouffe, voilà. Ça t'apprendra à pas avoir de comportement social sur lequel on peut anthropomorphiser des émotions et des sentiments. que nous on a dans notre société, voilà, ça t'apprendra. Pour la peine. L'écoute pas, petit cochon. L'écoute pas, Piggy, l'écoute pas. Je vois que la chance. Comment il s'appelle ton chat aujourd'hui? Lequel, le mien ou celui Ouais, mais tu sais, ils ont des noms par défaut. Pour cela, puisse la chance. Moi, il s'appelle Barbecue. Où est-ce que tu vois ça? Dans collection, tu regardes sur ton familier, t'as son nom. Putain. Je m'attendais pas à ce qu'il s'appelle Barbecue, mon cochon. Chaton spectral, c'est son nom.
Mais tu crois que c'est Non, mais en dessous, chaton spectral, c'est aléatoire. Non. Chat de maison hantée, et son nom, c'est chaton spectral. Donc c'est un chat qui a été nommé par mon héros, en fait. C'est trouve-lui un nom. Chaton spectral. Mais ça, c'est ce qu'il est. Bah oui, c'est comme ça que je l'appelle. Le mec zéro frame. Hein. C'est comment t'as appelé ton chat? Chat. Comment t'as appelé ton chien? Chien. Je regarde le chat nom domestique. C'est pas mal le nom du chat domestique. Ah, j'aime, c'est quoi? Si vous l'avez. Il s'appelle Moi mange-toi. Oui, Moi mange-toi. Ouais. Voilà. L'araignée Dwemer qui s'appelle quand même Arachni mon cul. Hein. Arachni mon cul, ouais, ça fait. Arachni mon cul. Le blaireau s'appelle Cire Grondette, élégante pour le chat blanc, le chien qu'on gère. Alors le brailleur des falaises s'appelle Brayaz. Brayas, pardon, le brailleur des falaises. Brayas, c'est pas mal. Grogneuse, Vivrine, Topaze, Bob à ressort. Ah, le chien loup de Vendôme, il s'appelle Oupette. Ah ouais, Bob Barossa. Le louveteau d'Erkan qui s'appelle Patounette. Et ça, c'est adorable. Ils n'étaient pas inspirés pour les cochons. Hein. Il y en a un qui s'appelle Babe, l'autre qui s'appelle Barbecue. J'avoue. Hein. Ah, j'ai un Bob à ressort. Ah, Bob à ressort, ouais. Ah ouais. Alors, il y a un Vazar, un crabe qui s'appelle Ciseau et l'autre qui s'appelle Patoun. Adorable. Ah, le grand chien qui a trop la classe, là, il s'appelle Mozart, c'est classe. Alors, le voriplasme, c'est-à-dire le machin, il s'appelle Bouboulbloub. Bouboulbloub. Bah, moi, le familier infernal de sorcière, il a un nom de familier Harry Potter, il s'appelle Patfeu. Patfeu, ouais, j'avoue, c'est 100% Harry Potter. Le prénom du poulet spectral est sympa aussi, si vous l'avez. Putain, mais même les montures, elles ont des noms. Le poulet spectral. Allez, Cocoribou. Pas mal. Même les montures, elles ont des noms. Et le dodo, il s'appelle Fougrave. Oh, le tigre sench de Tenmar avec les rayures, il s'appelle Chamouflage. Alors ça, c'est du génie. L'ourson masqué, il s'appelle Flore. Cracheur d'antes pour le dromadaire. Alors. Et monture. C'est bon, t'es revenu du coup? J'avais pas vu le poney Twitch. Non, mais oui. Parce qu'on t'attendait. Alors, mais en fait, voilà, toi, t'es revenu en mode ah, c'est fun, mais on t'attendait. Oui, j'en reviens depuis deux minutes, genre. Mais la panthère singe que j'ai là, elle s'appelle Stupidicide. Stupidicide. Bah, normalement, c'est un oui, tueur. Oui, comme c'est stupide tueur et suicide. Ah non, bah non, c'est un stupidicide, c'est le meurtre de quelque chose stupide. Oui, voilà. Mais comme c'est ce que je dis, comme stupide et suicide, tu mets les deux, ici, c'est le fait de tuer quelque chose. Et... Ah oui, bon, il faut. J'entre dans le palais de Rimmen. J'ai pénétré. Je vous assure, allons-y. Que chien. Il y a un texte. Mes blessures guérissent complètement. Le chameau, il s'appelle Mahmoud. Ça parle. J'ai néanmoins demandé à l'étranger d'accompagner Camira. Si d'aventure je décidais de lui donner la bénédiction de la grande crinière. J'avoue, il y a des petits fours. Alors attendez, on n'est pas du tout habillé pour ça. Hein. Vite, trouvez une robe classe. Non, mais moi, les classes sont armures. Ok, alors... Faut s'habiller. Ouais, ça peut faire le taf. Vite, un gros turban à Mahmoud impeccable. Je pense que là on est pas mal. Moi je suis prêt quand vous êtes bon. Non, moi je garde mon armure parce qu'il est trop classe. Moi j'ai un chef de clan nob. Qui est d'une qualité assez folle. Je regarde juste si j'ai pas des peintures qui vont bien avec. Si tu veux. Parce que j'ai plein de peintures et je m'en sers jamais. Donc c'est le moment, si tu veux. Vite. Monochrome. Pas mal ça. Clair obscur noir. Blanc comme ça. Nuageux. Vandalswear. Ah, c'est pas si dégueulasse. Hein. Il y a des jolis trucs. Hein. Je sais pas vous, mais. Il y a plein de trucs sympas. Gris graphique. Plein de sang pour tout rouge. Orge vert de l'hiver. Attends, quand on va partir sur le truc qui était un peu bling là. Levé de lune. Ouais, il est bling ça. Ça c'est bling. Allez hop, appliquer changement, c'est vendu. Voilà. Et là je suis bien là. Ah oui, désastre. Oui, bien sûr. On m'a dit mondain. Oh là là, Crane. Tu sors ça d'où, putain? Non, je sais pas, je suis en train de faire des tests. C'est joli, mais ça va pas trop avec l'endroit. Ah si, enfin c'est beau. Là, on est dedans. Ouais. Tu veux.
Allez, c'est ça. On est dedans, on est dedans. Juste ça. Qu'une idée. De quoi? Qu'une idée. De quoi, de quoi? Je sais pas où j'ai cette tenue. Oui, bah, c'est très joli. Putain, ce boubou que je me tape quand même, c'est la violence. Et où est Elise? Elle est tout en haut, elle a mis la robe, ok. C'est bien, c'est bien. Oh, regarde lui, il est... la... Oh, très bien ça. Et regarde la différence des cagites, il est à genoux, il fait la taille des autres. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est stylé, hein. Ça c'est tellement stylé, ils auraient vraiment dû mettre toutes les formes si tu veux, mais... Là, il y en a un plus petit. Ok, d'accord. C'est cool. Non, quoique, ils ont mis quand même tout ce qu'ils avaient modélisé pour le jeu, c'est-à-dire les petits alphiques, les Katei, ouais, ok. Ils ont fait les efforts. Ils ont pas mis la max. Mais quand même, c'est présent. Bob, on dirait une voyante avec sa tenue. Ah bah oui. Oui, c'est garanti. Mais en même temps, je pense que c'est le casque qui te fait ça. Si je l'enlève, voilà. Le vert ou le gris? Allez, celui-là sera bien. Ok. Quoique, je vais laisser la calotte. Hein. Voilà, cette tenue elle est très bien. Let's go. Ouais, let's go. Où est-ce? Là, à gauche. Non, c'est pas là, c'est pas en bas. C'est pas en haut, en fait. Non, c'est en bas, c'est là. On avance ensemble pour éviter les distractions de texte. Ok, 3, 2, 1. Eh, on est tous bien au niveau des couleurs. Ouais, on est trop bien. 3, 2, c'est 1, vrai. Go. On a même pas fait exprès. Ok, il se passe rien. Super. Oh, bah tiens, regardez comme elle est belle. Oh là là. Elle aussi. Ah, mais elle est super cool. Ah, ça lui va. Ça lui va super bien. Oh, elle nous met la zermie. Oh là là, j'ai l'impression d'être habillé en guenille, quoi. Bah, j'avais la même tenue, mais j'ai pas voulu lui voler la vedette, tu comprends? Ouais, non, mais c'est... Moi j'ai mis les mêmes, mais bon, en blanc ça rend moins bien. Son vert, il est beau. Hein. Son vert, il est bon. Drakan, habille-toi correctement, qu'est-ce que c'est cette armure dégueulasse? Très bien. On parle à caméra. Le pauvre. Ok, caméra. 3, 2, 1, clic. Gareshri m'avait prévenu que vous les aviez trouvés. Il m'a expliqué les événements de la bataille de la porte lunaire. Les dragons et les nécromanciens, je comprends. Mais la politique et le couronnement, cela me froisse la queue. Et les habits royaux sont si raides. L'une, que ma tenue de cuir me manque. Crane. C'est à moi. Ouais. Vous hésitez à devenir reine d'Ankina? Rien n'est certain pour l'instant. Mais je sais ce que je dois faire. Comme Ankina et mes autres ancêtres après elle... Je dois accepter mes responsabilités avec humilité et grâce. Si l'émissaire de la Grande Crinière confirme mon droit au trône. L'émissaire n'est pas convaincu que vous êtes la fille du roi Emakar? Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. Je pense qu'elle veut me voir souffrir jusqu'au moment où elle opinera du chef et me posera la couronne sur la tête. Parano. Avant que tout le poids du royaume ne s'abatte sur mes épaules. J'aimerais vous dire quelque chose. Bien sûr, Caméra. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Elsewhere et pour moi. Même. Je pense que nous n'aurions pas survécu sans vous. J'ai cru comprendre que l'émissaire vous a demandé de m'accompagner pour la cérémonie. Vous êtes prêt, mon ami? Je suis prêt, Caméra. On laisse Cray. Non, je le vois. Non, mais si, si. Tu l'as annoncé, donc c'est mage clic et tu marches avec. Hein. Je sais même pas si j'ai le. Ah bah voilà! Je sais même pas bind le truc pour marcher. Drakan qui a décidé de s'habiller pour l'occasion. Merci, merci. Quel gâchis. Ah si, ça y est, je l'ai. Entrée dans la salle du trône, où est-elle? En haut. Ah oh, oui. Je préfère le cuir, il y a des moustaches, cuir, moustache. J'avoue. T'as tous ces gens. Oh, mais ce serait trop classe de jouer un Khajiit comme ça, quoi. Ah, j'avoue. Hein. Tu regardes tous les autres joueurs, ils sont. Ils passent pas les portes. Avoue, ce serait fumé de jouer, un alphique. Oh, il y a tous les Khajiit du monde. Eh ben, on se met en rang et on se met bien, les enfants. Oui, enfin, sauf qu'il va jamais rien se passer si on va pas cliquer là-bas. Faut pas... Ah putain, mais bon bah. Regardons un peu tout ce décor. Regardons tout... Regarde ça, même les chats qui sont plus petits. Ils sont trop bien ces chats. Bon, du coup, il y a tous les persos qu'on a aidés ou non? Ça a l'air, hein. Ça a l'air. Ouais, hein. Yokas, oui, regarde lui, on peut lui parler. Il faut parler aux gens en fait. Venez voir. Oh, il y a Mizik. Il faut leur parler, hein, allons-y. Il y a Razumdar. Mais là où il y a Bob.
C'est l'heure de parler à tout le monde, tu vois. Alors attends, il y a Yokas, notre ami lézard, qui aimait beaucoup les cachets. On peut peut-être commencer par le début là-bas. Ouais, par le début, ouais, t'as raison. Il y en a un tout seul là, c'est qui? Alors lui, on c'est peut pas lui parler. Citoyen. Voilà, c'est okay. Un citoyen, il est trop petit. Derrière là, tu as. Derrière le. Le prêtre lunaire Adouras, est-ce qu'on se souvient de lui? Ouais. Non, mais on va faire comme mais si c'est si, un truc mondain. C'est quand il y avait, quand ils étaient fous, c'est le truc de Shogorath. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah. 3, Elise, t'es prête? Oui. 3, 2, 1, clic. Zahal, une fois de plus, je vous trouve au cœur de la folie. Vous n'avez peut-être pas quitté deux lunes à Tenmar avec toute votre tête. Vous avez l'air de vous jeter sur les morts vivants et les dragons avec une ivresse profonde. Vas-y, Elise. Vous venez assister au couronnement? Je viens tenir Garechri au courant des événements au Temple des Deux Lunes et lui rapporter la sagesse de l'évêque lunaire. Cizena prend ce qu'elle voit avec des pincettes, mais elle est certaine de la véracité de cette prophétie. Ah oui, c'était les mecs qui se suicidaient collectivement du haut du truc et on avait sauvé la prophétesse. C'est ce que je t'ai dit. Je m'en souvenais plus, ouais. C'est pour ça qu'il dit « je vous revois encore dans le cœur de la folie oh. ». Encore une vision? Elle a vu un dragon à la corne brisée et un guerrier avec une grande crinière sur le menton. Ils s'unissaient pour engendrer des enfants écailleux afin d'abattre un terrible tyran. Quoi ? Je la cite mot pour mot, Marcheur. Attends, un dragon à la corne brisée et un guerrier avec une grande crinière sur le menton qui s'unissaient pour engendrer des enfants écailleux afin d'abattre... Engendrer des enfants écailleux... Amnor Tarn, il a pas une grande... Oh ! Non, non, non. Si, si, comment il s'appelle ? Le Renoir sympa dans notre groupe de 5 du début. Saïsan. Ah. Ça peut pas être Saïsan? Non, enfin, je ne sais pas. Moi, en fait, ce que je pense... peut-être. Non, ça fait pas de sens. Avec une grande crinière sur le menton. Ce serait pas... Bah, Saïsan, je sais pas ce qu'il a, s'il ouais, a pas une grande crinière. Rien, rien. Non, mais peut-être. Qui s'unissait pour engendrer des enfants écailleux afin, d'abattre un terrible tyran. Putain, c'est la voilà. De Shrek. Non mais bonne chance pour traduire ça. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, je t'en prie. Vous savez de quoi il s'agit? Je ne sais pas ce que cela représente. Des esprits plus sages que le mien devront s'y pencher. Mais je sais que la paix et la tranquillité ne figurent pas dans notre avenir. Le seigneur Garechri trouvera peut-être une interprétation plus optimiste. Bon. Au revoir. Eh, sinon, c'est peut-être le. l'envoyé nordique là. J'avoue, ce serait divin. Avec ses tartes. Alors derrière, il y a le lézard, il y a Lyokas qui est là. Yep. Ouais. Là, ok. C'est le lézard. 3, 2, 1, clic. Tout d'abord, vous sauvez mes compagnons des dangers de cicatrices. Puis vous délivrez tout Ankina de la tyrannie des dragons. Vous êtes remarquable, ami voyageur. Et désastre. Que faites-vous ici, frère Yokas? Je viens à Rimen prévenir les Khajiits contre les dangers des cicatrices. Je ne voulais pas que d'autres voyageurs puissent en pâtir. Je me demande si je devrais parler des recherches de ma mère d'œuf. À vous de décider. Oui, vous avez raison. Je sais. Je crois que je vais essayer d'aider, quelles que soient les conséquences. Après la fin des réjouissances, je vais trouver quelqu'un à qui parler des recherches de ma mère d'œuf. Avec un peu de chance, on comprendra ses intentions. Malgré les résultats. Ah oui, c'est vrai que sa mère avait fait une expérience qui avait empoisonné le puits et tout le monde était mort. On peut pas parler à ce chat, malheureusement. Ouais, ce que j'allais dire. Cette tigresse! À savoir que tous les Khajiits sont intersexuellement compatibles. Ça déconne zéro. Razumdar, de quoi tu parles? Razumdar. Il y a plein de gens qui parlent là. Il y a Razumdar là, du coup. Razumdar. Elise Rai, ouais. Razumdar. 3, 2, 1, clic. 5 griffes. On m'a dit ce que vous faisiez, et vous ne m'avez pas appelé pour vous aider. Êtes-vous fâché? Tuer des dragons, déplacer des lunes, remettre des héritières perdues sur le trône? Ra se sentirait presque surclassé. Presque. Tu bosses pas pour la reine, toi? Vous comptiez pas partir pour une nouvelle mission? La reine Eren tenait à ce que ce couronnement se déroule de la manière la plus fluide possible. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un tel événement. Raz reprendra vite du service. Le domaine ne peut rien faire sans lui. Et vous, vous avez pu arranger les choses avec votre famille? Disons que ce qui se passe à Gueval
reste à Guéval, d'accord? Outre les dégâts potentiels à ma réputation élancée, je préfère que certaines personnes ne se mêlent pas de ma vie professionnelle. Dude, t'as tellement de problèmes. Là, on a l'Israël. On a quelqu'un, c'est un petit chat, il faut lui parler. Ok. Le petit chat, connaît, elle, c'est la vampire, chat plus grand. Le petit. Non, c'est celle à droite, là. Non, c'est pas la vampire. À gauche pour toi. C'est pas la vampire, non, je crois. Non. Ah, c'est l'autre. C'est la petite. Ah, on aurait dû. Okay. 3, 2, ah, oui. 1, clic. Ah, Saint-Griff. Hélas, je n'ai aucun message à vous remettre. En outre, je dois vous prévenir que je ne suis pas douée pour faire la conversation. Bon, bah, d'accord. Et Yazamarak. Derrière, là. Il y a lui ici. Oui, parler à Yazamarak. Ah, il y a Naruto. Oh merde. Oh, il y a Naruto. Alors, il faut parler à Ashur. Ashur, j'espère qu'il va disparaître de la même manière. C'est prêt, attention. 3, 2, 1. La dernière fois que je suis venu au palais de Rimmen, c'était pour affaire. Bon, on dirait que vous avez trouvé un plus gros gibier depuis notre rencontre à Akoshae. Un dragon, il me semble. Voire plusieurs, si on m'a dit la vérité. Les histoires sont vraies. Pardonnez-moi si je ne vous laisse pas vous occuper de tous les dragons. Plus tôt je serai rentré à Morrowind, mieux ce sera. Je ne le dis pas souvent, mais vous devriez rester sur vos gardes. C'est une menace ? Pas cette fois. Je doute que ces histoires de dragons soient entièrement réglées. Préparez-vous à ce qui nous attend. Et puis, ce serait horrible si jamais il vous arrivait quelque chose. Après tout, vous avez été d'une utilité marginale. Nick. J'avoue. Et là, il y a Zamarak. Mais Zamarak. Zmarak. Zmer. 3, 2, 1, chaton. J'ai hâte de voir Kamira officiellement couronnée. C'est une fière journée pour Ankina, mon ami. Ok, on reste toujours dans l'antichambre, puis on s'approchera si tu veux. On se met en face et on refait la liste. Écoute, pouf, 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 pouf. Oh! Stylé, hein. Par contre, ce tigre citoyen! Eh ben putain! Bon, Noumaya, allons-y. 3, 2, 1, clic. Salut par les griffes! Je suis si contente de vous voir! De grandes salles, de nobles invités, c'est très différent de mon humble ranch, oui? J'ai de grands espoirs pour le règne de la reine Kamira. Aucun braconnier n'oserait s'attirer la colère d'une telle monarque. Élise. Ah, c'est à moi de voir. Comment se rétablit la traque sans les braconniers? La traque se remet. Les bêtes et le paysage retrouvent peu à peu leur équilibre. Il y aura toujours des braconniers, je le sais. Mais sans leur chef, la menace est désorganisée. Au revoir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a des gardes, il y a un gros chien. Il est beau. Bah, Isanji. Isanji, ouais. Moi, je vois... Derrière. Reviens. C'est lequel, Isanji? C'est lui, là? Non, c'est lui, là, le... Enfin, comme on l'a pas apparemment tous à la même place. Ah bon? Mais moi, j'ai pas Isanji. Tu le vois? Là, j'ai Mizi. Ah, mais Isanji, c'est pas la... Ah, c'est le Renata. Ouais, vous l'avez pas fait, ça, vous. C'est Renata, ouais. Qui ça, quoi? Bah, du coup, on va lui parler. Attendez. C'est la fresque qu'on a fait avec Crane. Ah, d'accord. Bah, allez-y, parlez-lui. On vous attend au jongle en attendant. Vous voulez qu'on vous raconte? Ou après. Lis d'abord, puis dis-nous. Ok. 3, 2, 1, go. Non. Attends, il a cliqué sur Iraya, évidemment. Voilà. Ok, en gros, là, ils ont des histoires, ils ont besoin de thunes. Ils cherchent de nouveaux donateurs et il y a plein de nobles. Et Iraya, elle est avec Isanji ou tout le monde est Iraya? Vous avez Iraya Isanji ou pas? Non. Moi j'ai Mizik Tonbot. Le meilleur enquêteur. Ça, c'est pour nous. Ok, 3, 2, 1, go. Voilà, donc elle s'intéresse plus à l'histoire pour de vrai et pas à la thune. C'est ça. Bon, il y a Mizik. Isanji, vous l'avez pas non plus? Non plus. Vous l'avez Isanji? On n'a pas Isanji. Ok.
Moi j'ai misé Tonebot, il est là. 3, 2, 1, go. Non mais Isanji on l'a déjà fait. Ah mais oui non pas Isanji mince, je confondais. Bah Mizik Tonebot alors. Non, je croyais qu'on pouvait. Non Irai, attends. Attends. Iraya, Isanji. Ah non le troisième on peut pas lui parler. Non non. J'ai rien dit. J'étais persuadé qu'on pouvait lui parler. Mizik Tonebot derrière toi. Oui. Là il est là. 3, 2, 1, clic. Je n'en reviens pas de ce qu'on a pu me raconter. Des dragons, des portes lunaires, des éclipses, tant d'excitation. Et vous avez vu tout cela ? Tant d'héroïsme. Ah, c'est clairement mieux que ce que l'on faisait avant, oui ? Les effets spéciaux sont meilleurs. Vas-y, désastre. Comment allez-vous, Mizik ? Je me porte à merveille. D'autant plus qu'on m'a invité à cette cérémonie. Je n'aurais jamais cru assister à un couronnement Khajiit au palais de Rimmen. Mon chapeau est bien mis. Mes moustaches sont bien huilées. Vous êtes très beau pour un Khajiit. Oh, ça me fait plaisir. Je m'en voudrais de faire mauvaise impression, mais je suis sûr que vous avez d'autres personnes à qui parler. Je ne veux pas vous retenir, marcheur. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'un investigateur, faites appel à moi. Au revoir. Si on a besoin d'un dramaturge, si tu veux, la violence. Là, on a Yushia, la vampire, qui est dans le coin. Qui s'est quand même planqué parce que il y a beaucoup de sang chaud autour, si tu veux. Ok, 3, 2, 1, clic. Oh ! Pardon. J'espérais vous revoir, marcheur. Et ça a failli rater. La porte lunaire fut une victoire coûteuse. Qu'avez-vous fait pendant la bataille de la porte lunaire ? La bataille s'est déroulée comme je m'y attendais jusqu'à ce que les Oraxiens contournent nos lignes. Puis le massacre a remplacé la guerre. Aucune stratégie. Et la survie du plus fort. Je m'attendais à mourir. Mais Amarak m'a sauvé. Mais, qu'a-t-il fait ? Il a refusé de fuir. D'abandonner le seigneur Garechri à ses blessures. Alors j'ai décidé de rester aussi. Puis j'ai lâché la bride à la bête en moi. Le goût du sang Oraxien. Il ne quittera jamais ma bouche. Bah ben voilà, ça c'est constructif, c'est bien, c'est bien. Et du coup, vous avez bu le sang des Oraxiens ? Des torrents de cette immonde liqueur ont passé mes lèvres. Mes Amarak étaient un cyclone, les bras vivants des vents du désert. C'est lui qui l'a ramené à moi-même. Vous devez me prendre pour une hypocrite, mais je ne suis pas comme Rakaza. Je crains cette partie de moi-même. Non, c'était dans un environnement contrôlé. T'étais au milieu d'un champ de bataille, c'était littéralement le meilleur endroit où tu puisses le faire. Et derrière, il y a Zamarak qui est venu, qui t'a mis des gifles, comme tu le dis si bien. Les gifles des bras vivants du désert, si tu veux. Et les gifles à Zamarak. Si ça réveille pas un vampire, je sais pas ce que ça fait. Mais du coup, voilà quoi. Je croyais que vous vouliez suivre les commandements pacifiques de votre mère de clan. C'est bien mon intention. J'ai goûté le sang de mes ennemis, mais je ne considère pas les êtres vivants comme une proie. Je ne chasse pas les innocents pour assouvir ma foi. Je ne céderai jamais à cette tentation. Jamais. Assouvir ma faim, ça a l'air d'être une erreur de... Enfin bon, c'est pas grave. Vous allez rester ici. Tant que les dragons continueront de terroriser les vivants, les morts ne connaîtront aucun repos. Je poursuivrai cette lutte jusqu'au bout. Lorsque le royaume sera à nouveau en paix, alors je regagnerai les ombres. Bon bah bien. Fantastique. Et regardez qui y a là. Il y a le préfet Kalo. Ah oui, Kalo, oui. Il y a Rigueur. Rigueur. Il nous reste le fameux qui va féconder le dragon à la corne cassée. J'avoue. Rigurt, sauveur du monde. Attention. 3, 2, 1, clic. Un banc pour le meilleur assistant diplomatique de tout Tamriel. Fêtons nos exploits en buvant de l'hydromel et en échangeant des coups de tête amicaux. Rigurt considère qu'aucune mission n'est terminée tant qu'il se souvient de ce qui s'est passé. Et qu'allez-vous faire ensuite, Rigurt ? Rigurt ira là où les vents de la diplomatie le porteront, mon ami. Rigurt refuse de se reposer tant que toutes les races de Tamriel ne seront pas assises ensemble autour d'une chopine d'hydromel pour chanter des chansons sur... l'hydromel, sans doute. Putain, la vie de cet homme qui est folle. C'est un mec, il a deux queues de cheval, si tu veux. Il s'en bat les couilles. Deux chignons. Vastarié, ce qu'on voulait. Demi-tour, Elise.
Et restera ah, ouais. Préfet Kalo aussi derrière le... Oui, tout à fait, tout à fait. 3, 2, 1, clic. Ah, mon ami, quel plaisir de vous voir. Cela nous change un peu, n'est-ce pas? Des visages rayonnants, des tenues de gala. Après notre rencontre dans la balafre cendrée, un peu de pompe n'est pas de refus. T'as pas pu se rhabiller correctement? C'est à toi, Élise. C'est déjà ça. Comment ça va, la balafre cendrée? Très bien. Mazamiri m'a beaucoup appris depuis la rédemption d'Arumkal. Sans votre amitié, je ne sais pas si elle m'aurait fait confiance. On dirait que tous ceux qui vous fréquentent finissent par en profiter. Lui espérons. Que pensez-vous de Camira? Elle paraît très sage pour son âge, et les dirigeants sages font de bons dirigeants. Je suis convaincue que l'on peut cerner une personne par les gens qui la côtoient. Le fait que Gareshri et vous soyez prêts à vous porter garant d'elle en dit long. Elle fera une excellente reine. Il y a des personnes très bien qui peuvent être très mal entourées, et inversement. Hein. Ouais, c'est le fait que vous les meurdeurs robots soyez avec elle, son règne sera puissant, assurément. Ça, je sais pas. Parlons à Kalo, le préfet Kalo de ses morts. La calotte de ses morts. Allez. Il est là. Hein. Cette armure. 3, 2, 1, clic. C'est mon premier couronnement royal. J'espère que ce sera moins long et compliqué que les cérémonies impériales que décrivent les livres. Oh là là. Le plus grand, c'est Kalo. Le plus fort, c'est Kalo. Et personne alors, ne par contre, il y a... son plastron comme Kalo. Putain. Personne s'est mis en plein milieu, ça casse la symétrie. J'avoue. Bah, en même temps, elle vit le jeu, si tu veux. On va pas lui en vouloir. Ok. Cadwell. 3, 2, 1, clic. Des larmes de joie, mon ami. Oh, quand Camira sera là, ce petit ruisseau deviendra une rivière enragée. Et Honneur est encore plus émotif que moi. Qui est Honneur? Son petit machin, là. Pet. Ah, par contre, l'orchestre qui se tient juste à côté, l'autre qui se regarde dans le miroir et Zygma qui fait du... Non mais ça va, c'est classe. C'est stylé. L'émissaire Kashia et le gros... Il faut qu'on parle de l'émissaire Kashia qui est juste là. En jaune. 3, 2, 1, clic. Où est Camira? Je l'aurais cru impatiente d'entendre ma proclamation. Oh là là! Mais c'est une cérémonie! C'est toujours aussi désagréable! Ça se fait pas en deux minutes! Calmez-vous! Très bien, parlons à Gareshri, ce qu'on voulait. 3, 2, 1, Gareshri! Les guérisseurs ont fait des merveilles, mon ami. Je suis presque redevenu moi-même. Je vais affirmer l'ascendance de Camira. Restez auprès d'elle et soutenez-la. Elle apprécie votre présence. Et moi aussi. Mais où est Camira? Je pensais qu'elle vous accompagnerait. C'est un désastre, et souvenez-vous, quand ça se lance, faut se mettre sur les côtés. Pour que ce soit joli. Camira est prête. Nous pouvons commencer le couronnement. Qui donc peut confirmer que Camira est bien la fille du roi Emakar, et légitime héritière du trône d'Ankina? Moi, en tant que gardien depuis tant d'années, et orateur de la Grande Crinière. Camira est la légitime héritière. Avance, fille d'Emakar et Numara. Avance, fille d'Ankina. Camira, acceptez-vous les devoirs du trône? De diriger ce royaume et protéger son peuple? Je les accepte et je m'y engage. Sache que la Grande Crinière accepte et reconnaît ton droit. Vive Camira, reine d'Ankina! Je promets de servir notre peuple. Et je remercie tous ceux qui ont permis nos récentes victoires. Enfin, il y a quelqu'un à qui j'aimerais rendre hommage. Une personne dont l'aide dans ses affaires fut inouïe et inestimable. Cinq Griffes, mon camarade, mon ami, approchez du trône. Attendez, slash clap. Ouais, on est tout seul dans la salle à applaudir si tu veux. Les autres, en fait, ils applaudissent pas chez les Khajiits. C'est pas une tradition, donc ils nous regardent comme si on était des débiles, en fait. Non, ils peuvent pas applaudir, ils ont des coussinets. Oui, c'est ça.
C'est pour ça que je n'applaudis pas. Et donc en fait, on est les trois débiles à applaudir. Et t'as tous les autres Kaji qui nous jantent des regards de ouf, tu sais. En mode, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis, bah. Oh, I guess that was. J'imagine que c'était raciste. Allons-y. Parlons à la reine. 3, 2, 1, clic. Courageux cinq griffes, je ferai en sorte que vos exploits soient chantés par tout mon peuple et que chaque génération les enseigne aux suivantes. Kunzare est entré dans la légende et vous l'y rejoindrez bientôt. La légende de désastre. À toi, Bob. Ah, pardon. Je nous ne savons pas quoi dire. Alors, ne dites plus rien, mon ami. Sachez que vous m'avez aidé à délivrer ma patrie de la tyrannie. Vous m'avez aidé à venger mes parents. Vous nous avez sauvés des dragons et des morts vivants. Nous ne l'oublierons jamais. Et moi non plus. Et maintenant, que va-t-il se passer? Vous êtes apparu au moment où Elsewhere avait le plus besoin de vous. Alors que tout semblait perdu, vous avez aidé à sauver notre nation. Vous aurez toujours votre place ici, mon ami. Et je veux que vous acceptiez la plus grande récompense que je puisse vous remettre. Je vous nomme champion d'Ankina. Wouh, wouh, est-ce que j'ai des terres, du sucre lune? Je veux une roulotte. Le sceptre royal d'Anekina, bâton de feu demain. Bah voilà, ça c'est pour désastre ça, ça déconne zéro en plus. L'épilogon pas trop, elle veut aller sentir l'étreinte des bras vivants du désert. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est l'autre. Ah, quoique. Non. Quoique. Il y a bien assez de bras. Il y a bien assez de bras brûlants du désert pour tout le monde si tu veux. C'est un bâton de merde ça, désastre ou. Bah le trait pas ouf après, bon le set est sympa. Bon bah très bien. Et enfin, masque tueur de dragon céleste. Et voici la trahison de Kunzari. Oh, une tablette pour augmenter la taille de la maison, pour avoir ce juste après. Accomplir la quête, clic. Il reste des dragons à tuer, des oraxiens à éliminer. Mais l'heure est à la fête. Prenez quelques instants, parlez à nos amis, puis amusez-vous, champion. Vous l'avez mérité. Les petits fours. Ouh, quel est le rôle d'une reine? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est désastre, ça. C'est quoi une reine? Vas-y, désastre. Excusez-moi, quel est le rôle d'une reine au juste? Clic. Comme on s'y attendrait. J'écoute des problèmes et j'essaie de trouver des solutions. J'imagine que je devrais me coordonner avec nos alliés du domaine à un moment ou un autre. Et il reste des dragons errants et des déserteurs euraxiens à éliminer. La routine, quoi. Donc votre époque d'agent de la Grande Crinière est révolue? L'heure est venue pour une nouvelle aventure, Saint-Griff. Je dois diriger mon peuple et faire oublier l'usurpatrice. Puis son nom s'effacer de nos histoires. Bien sûr, il se peut que je trouve à nouveau le temps d'aller explorer une ruine ou deux, de temps en temps. Mais c'est ultra dangereux. Au revoir. Au revoir. Impeccable. Et du coup, si on re-reparle à tout le monde, derrière, ça part. Ça fait la même ou... Parlons à l'émissaire Kashia, qui est juste là. Allez-y, on loue sous prétence. Et vive cinq griffes. On y va. Que je nomme on fait chacun de notre côté. Avance et ça part. Ah. Voilà. Bon, les dialogues sont les mêmes. Les dialogues sont les mêmes? Ouais. Ah, mon ami. Ah, c'est vrai, les dialogues sont les mêmes. Impeccable, Dieu merci, on n'aura pas à tous retaper à l'infini derrière. Non, Garechri, c'est différent. Peut-être. Ah, peut-être Garechri, oui. Ouais. Bah, ceux qui sont à côté du. Les deux, ouais. Garechri, 3, 2, 1, clic. Je suis arrivé au nord d'Elsewhere avec une tâche impossible. J'ai pris le commandement de la milice pour libérer Rimen d'Oraxia. Avec votre aide, nous avons accompli tellement plus. Je vous en remercie, champion. Que va faire l'orateur de la Grande Crinière à présent? Comme toujours, je vais là où la Grande Crinière a besoin de moi. Pour l'heure,
Je resterai à Rimmen pour aider la reine Camira comme il lui siera. Vous savez, j'ai regardé Camira grandir ces 6 dernières années. Elle fera une meilleure reine que je n'aurais pu l'espérer. Ah oui, c'est vrai, c'est une Khajiite. Elle a 6 ans et demi, en fait. Elle est adulte. La violence, du coup. Et l'émissaire ? L'émissaire, allons-y. 3, 2, 1, clic ! Merci de m'avoir aidé à restaurer la lignée d'Ankina, marcheur. Il est agréable de revoir une Khajiite sur le trône de Rimmen. Pardon de ma raideur passée, mais je devais être sûr de moi avant de donner l'aval de la grande crinière à Camira. Et là, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on se lancerait pas juste le début du prologue pour hyper pour la prochaine fois? Ah! Bon, non. Le texte. Bon, non, il est déjà minuit 46. Oh là là, le fonctionnaire! On va aller poser la tablette. Non, mais faut mettre la hype! Là, on. Je stream depuis 16h. Non, il a raison. Il faut aller poser la tablette. Donc, pour le coup, ils auront le truc la prochaine fois. Par contre, on n'a pas reparlé à la reine Camira. Ah merde, oui, c'est vrai. Ah, on lui a mis des vents infinis, Cadwell, bien sûr. Je sais pas. Faudrait essayer. La reine Karimira, allons-y. 3... Avec Cadwell, il y a du truc. 3, 2, 1, clic. Il reste des dragons à tuer. On s'en bat les couilles, très bien. Très bien, Cadwell. Cadwell. 3, 2, 1, Cadwell. C'était une cérémonie magnifique, non? Oh, pas au niveau de la fois où j'ai vu l'inauguration du premier titan d'Edric par Molagbal ou l'empalement du premier Apsu. Mais magnifique quand même. C'est l'avenir pour Cadwell. L'avenir, je n'y ai jamais pensé. J'ai assez de mal à suivre le passé et le présent, alors si je dois me soucier de ce qui se passera après... Je vais peut-être enfin me construire cette petite maison au bord du gouffre, à Avreglas. Oh, oh, quel délicieux vertige! Vous allez vraiment rentrer à Avreglas? Eh bien oui, bien sûr, tôt ou tard, c'est chez moi. Et puis... Qui les Apsu pourraient-ils admirer si je ne rentrais pas? Oh, ne craignez rien, mon ami. Si vous avez besoin un jour de mon épée, je me presserai de vous porter assistance. Vous avez ma parole. Très bien. Au revoir. La dernière fois que je suis... Oh là là. Du coup, putain, mais même les goûts vestimentaires des couleurs, Elena Tilshaya... Allons déposer la table. Oui, oui, téléportons-nous. Comment je fais pour aller dans la maison? Alors, maison, salle championnaire... Mais c'est pas très loin. Non mais faut le faire dans la maison? Non, faut le faire dans... Faut oui, le faire dans, ta, la tablette. C'est dans la maison. Ouais, c'est dans ta maison. Dans la nôtre. Ouais, oui, ouais. D'accord, ok. Tout à fait. Donc chacun soit dans la sienne ou pouvez venir chez moi pour voir ce que ça donne. Moi j'ai décoré le lieu. Je suis fier de ma décoration. C'est normalement ma maison principale. T'as pas changé depuis la dernière fois? J'ai rajouté les tas d'or. Mais même depuis la dernière fois, la décoration était bonne, je te permets pas. J'ai pas dit le contraire. Quoique, j'ai rajouté les plantes depuis la dernière fois. Quoique, non, si vous. Non, il y avait déjà 15 bières de plantes, vous en avait beaucoup. Foutiez de la gueule de mon grillage, c'est pour ça que vous aviez été blacklist. Le fameux, ouais. Le fameux. Et pourtant, alors... et pourtant. Du coup. Donc, c'est ta maison principale? Oui, normalement, oui. Quoique, j'espère que je dis pas de la merde. Ici, tu l'avais pas cité en. Il me semble, ouais. Ok. Il me semble. Impeccable. Oui, il y a Drakan dedans, effectivement. Ouais. On y est. Alors, du coup, dans cette forêt, cette végétation... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la salle du champion lunaire. Ouais. Non, mais la tablette. Je regarde, je te dis ça tout de suite. Divers, dans les meubles. Non, c'est pas dans les meubles. Attends, il me semblait que c'était dans les meubles. Merci Agdon pour les 12 mois. Et bim. Il me semblait que c'était dans les meubles. Ah si, tablette du champion lunaire. Voici la trahison de Kunzari. Non, mais la trahison, quand il a trompé les... Non, mais je regardais la grille. Ok, attends, là, il c'est faut... ma réaction, la grille. Pardon, il faut pas que je me foire. Et ma réaction, est... la grille, elle est parfaite. Je vois vraiment pas ce que vous... Hôtel de ruse, hôtel de l'ambition, hôtel de la trahison. C'est celui-là, l'hôtel de la trahison, si je dis pas de la merde. Oui. Je suis bien sûr. C'est bon. Okay. Tu peux me dire si c'est droit, s'il te plaît? Ah merde, tu peux pas. Non, on voit pas. Ouais, là, normalement, on devrait... Messieurs, je te la remettrai droite. Attends, là pas... on est bien, je pense que voilà. Ouh! Et là? Ah, ça a l'air pas mal. C'est pas elle mal est un peu décollée. Décollée. C'est pas grave, attention. Je vais, ouais, mais ça ouvre. Ah, moi j'y vais, hein. Bim. Et celle du bout, j'imagine que ce sera en Sud Elsewhere qu'on aura la suite.
Probablement, ouais. Ouh ! Et là ? Ouais, c'est bon, là elle est collée. Là elle est collée, elle est bien, elle rend bien et c'est pas mal. Voilà. On dirait qu'elle est. Ça a l'air d'être une maison de ouf quand même au final, hein. Parce que là. Moi je pensais que ça allait ouvrir la porte. Oh well. Oh, c'est Mims. Ouais. C'est du jardin. Et ben, grand surplomb, effectivement, grand jardin sur Elsewhere. Et ouais, tu peux aller dans la cascade. Ouais, elle y allait. Ah oui, on peut y aller. Elle y allait, et puis il y a une belle... De quoi ? Ah, t'as sauté carrément ? Ah, mais tu meurs ! Ah ! Oh non ! Oh, mais c'est sympa. C'est vachement beau. Ouais, mais on peut pas y aller, enfin, ouais, elle est morte. Donc voilà. Ça lui a pris des choses. Il y a les petits poissons qui viennent te bouffer les cuisses. J'avoue. Ah, mais c'est les poissons qui te tuent. Tiens, ça c'était intéressant. Oui, ils viennent te bouffer les mollets. On peut construire. Ça veut dire quoi ? Oui. On peut construire un pont. Attends. Un pont jusqu'à cette plateforme. C'est juste le nord, oui, tout à fait, ce n'était que le nord d'Elsewhere. Eh ben, c'est pas mal. J'arrive à traverser. Ah mince. Avec assez de soin, comment tu veux le jouer ? Je sais pas, la vitesse. On va sauter de l'arbre ici, là, ça a l'air bien. Vas-y, attends, on regarde des astres faire. Déjà, t'as pas une grosse avance, donc sautille, fais quelque chose. Tu ah, là, ça. Ah, il y a un mur là. Il y a un mur. Ah, ok. Ok. Ah, oui, on le voit en plus. On voit en fait là où... Ah ça... non, le mur ! La texture arrête, ouais, ok. Le vilain mur ! Je vois. Non ! Le mur ! Je rappelle que The Elder Scrolls Online est un jeu disponible sur PS4 et Xbox One. Un jeu disponible sur PS4 et Xbox One. Un jeu disponible sur console, The Elder Scrolls Online. Alors, on me dit, oh la vache, le DLC de fou. Oui, mais... En fait, si vous voulez la suite, faut acheter le deuxième DLC. Ah, bien sûr. Attends. Ce serait dommage hein, qu'ils aient accès à une technologie incroyable parce que le jeu est disponible sur PlayStation 4 et non. Xbox. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que jusque-là, Orsinium était indépendant, Morrowind était indépendant, mais Elsewhere, si tu veux la suite de l'histoire, de savoir ce qui s'est passé avec les dragons, faut redonner de la thune. En même temps, est-ce que tout ce qu'on fait n'est pas une suite d'histoire, de suite d'histoire, si tu veux, depuis Morrowind, hein, j'ai l'impression qu'on suit un fil directeur, sans vouloir dire. Oui, enfin, il y a moins de suspense que là, plus on avance. Désastre. Oui. Du coup, vu qu'il y a un mur invisible et qu'il y a un petit peu plus bas, tu peux construire une sorte d'escalier, te faire une genre d'esplanade ou je sais pas quoi, où tu te poses et t'aurais une vue magnifique d'en bas. C'est tout à fait possible, ça. Ouais, ouais, normalement, ouais. Là, si tu peux y aller, c'est que tu peux construire. Ouais. C'est alors fou. Là, on peut. Il y a moyen de faire des trucs de ouf. Oh, les richesses du chaton. Ouais, c'est pour ça. J'étais plutôt content, hein. J'étais plutôt content. Hein. Bon, bah écoutez, moi je suis dans la salle centrale de mon truc. Je suis posé, je suis bien. On est là, il y a un Zygma qui est sur le bling. On peut mettre fin ici, je pense. Hein. Mais il faudrait peut-être que les autres se ramènent. Oui, oui. C'est bon, je suis vivant, je suis en bas. Yes. Bah, Goudenov, moi je c'est je... gris qui est mignon. Mais vous êtes on est à l'intérieur, on est rentré, oui. Voilà. Là où okay. Il fait joli. On peut faire F5. Regarde ça, il y a de la place. Et sur on n'ouvre pas genre deux caisses et ensuite on arrête. Oh, si on peut faire ça, j'attends qu'ils reviennent, qu'ils s'asseyent sur les bancs. Il est. T'y arrives ? Je suis en train de faire un parcours du combattant. Oui, c'est bon. Je veux aller jusqu'à la cascade. Alors il me dit, petite info pour la tablette suivante, la troisième, il faut terminer les deux donjons DLC de Dragon Scale, comme les deux donjons de la Rage-Pierre, et la dernière tablette dans Souls Elsewhere. On les a prévus, ça, ou pas ? Faut qu'on les fasse, ouais. On avait dit qu'on les ferait, mais... Ah non, ce mur, non ! Mais tu reviens ? Adieu. En plus, on est tous 50, maintenant on a un peu de stuff, etc. Ouais, on devrait pouvoir. Et puis honnêtement, on est bien, quoi. Alors moi, il va falloir que je fasse un live avec des gens qui me disent où mettre mes points, si tu veux. Histoire que je reprenne des capacités dignes de ce nom, parce que clairement, mon DPS, il est zéro. Mais sinon, oui. En plus, j'ai tous les parchemins de respécialisation de caractéristiques, mon cul, tout ça. Donc, après, tu peux le faire en temps, ton perso. Oui, d'ailleurs, ce serait mieux, oui, pour le donjon. Toi, tu tanks, des astres heal et nous on DPS avec. Moi, ça m'intéresse, ouais. Ce serait pas gênant. Donc c'est pour ça. Du coup, t'es revenu, impeccable. Ouvrons des caisses. Tu veux des petites caisses de fin ? J'ai deux caisses. Salut de nouveau. Allez, deux c'est ouvert. Pardon, c'est ouvert. Dis-moi. Sauce nous chaton avec du matos nul. Oh, encore une bleue, dis donc. Oh, j'ai un mieux qu'une bleue ce soir. Un double poney. Oh, un truc que j'ai pas. J'ai émote signe de protection d'Arkay. Stylé.
Vous et encore par de la pluie désert. Et j'ai ouvert la dernière caisse, c'est que du bleu pareil, nul. Oh oui. Et ben j'ai rien eu. Et ben full bleu ce soir. Que de la merde, voilà c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme quoi, le gambling, les enfants, c'est pas une bonne idée. C'est pas quelque chose qui est suffisable. Voilà. Voilà, c'est... on fait des bonnes, on fait des bonnes leçons à la fin. On leur dit non, arrête de dépenser ton argent. Moi sur mes derniers lives là, ils m'ont regardé au 15. Que ça a donné envie à personne. J'avoue, hein, j'avoue. Hein. Il va falloir augmenter les taux, mon cher Doug Deshta. Il va falloir augmenter les taux. Vous ne pouvez pas tout gérer comme Fallout 76. C'est pas possible. Les gens vont finir par s'en rendre compte. Ça va finir par se voir, vous savez. Ça va finir par se voir. Ils viennent de sortir un pass à 100€ pour l'année pour Fallout. Mais oui, bien sûr, c'est gratuit. Qui est bugué en plus, mais bon. On va pas en parler de ça, sinon nous allons avoir Extatic qui va faire une apoplexie absolue. C'est pas grave. Dans tous les cas, on quitte ça là-dessus. C'était la session Tezo d'aujourd'hui. Merci infiniment, braves gens. N'oubliez pas les petits pouces bleus partout. Et si jamais vous vous sentez haut les cœurs, vous allez mettre des pouces bleus chez Crane et chez Elise et chez moi. Et des as, tu fais pas les rediffs, toi t'en bats les couilles. Si, mais je fais pas les rediff. Il faut. Bon bah des pouces bleus partout. Non, mais désastre, il a pas le droit au sub, il a pas le droit au rediff, il a le droit à rien. Il a rien, rien. Ça lui apprendra. C'est l'arbonien, c'est normal. C'est ça, ça lui apprendra à passer 5000 heures et à connaître approximativement Pouic du lore avant que je débarque. La violence, c'est pour ça. Gros bisous à tous, merci infiniment mon cher Crane, je te laisse conclure. Des bisous à tous les glouglous, des bisous à tous les lives. Merci pour cette folle aventure qui a été Elsewhere. Et bien évidemment, on continuera très très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Bye bye. Ciao ciao. Oh les grenouilles. Magnifique.